grabbed a bus to anywhere just to be elsewhere. Mais un mois de plus avec Prime quand même, visage content. Et n'est sexeur. J'arrive, je vous laisse juste un début de musique. Et bien bonjour tout le monde, j'espère
j'espère que vous allez bien. Salutations, comment allez-vous? Coucou, coucou. Trop bien ma vidéo d'hier avec Lucas. Oh mais ça fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas au courant, on a enfin lancé notre chaîne YouTube Fanny avec Lucas. Vous pouvez retrouver ça juste ici si vous voulez aller voir la vidéo qui est sortie. J'espère qu'elle vous plaira. Merci beaucoup Fanny Nilo pour le cheer. Beaucoup trop de flow. Elodie, merci pour les 7 streams consécutifs. Justine pour les 15 streams consécutifs. Lizoï, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement. La Miss Bonbon, merci pour ton 11e mois. Meg, merci pour le 31e mois d'abonnement. Merci à tous, merci beaucoup. Merci Junika pour le 4e mois d'abonnement. SosoBN pour les 15 streams consécutifs, c'est énorme. Nice le Crocodile pour les 3 streams consécutifs. Cancer Girl pour le 10 streams consécutifs. Rose Prunil, merci beaucoup pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à tous, merci beaucoup. Coucou Enorax, Zelda, merci beaucoup pour le follow. Salut Kaedine, Mel, Idril, Emeraude, Cassie, Manon Van 03, Milok, Kessa, Inès Labeste, Evie, SosoBN, Perlinka, Alexis, Kan, Geisa, Comet, Luna, Cindy, Elisa, la Belge, la belle gosse, la Belge, au choix, les salut. Deux. Coucou Sarah, Petit Chali, Spicy Fox. De Lola et NSNSX Dance. Merci beaucoup MKO pour le 8e mois d'abonnement, merci infiniment. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent. Merci beaucoup Petit Chali et les Capri pour les 3 streams et 15 streams consécutifs. C'est beau! C'est beau, super vidéo hier et ce matin, je me suis aperçue en recevant des notifs YouTube que j'ai dit quelque chose dans 3 commentaires, c'était pas voulu, je me rappelais plus ce que j'avais dit, désolé. Il y a pas de souci, Idril, il y a aucun souci. Merci beaucoup Odd pour le 19e mois d'abonnement. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et merci Gabriel pour les 5 streams consécutifs, merci à tous. Votre vidéo était trop bien, j'ai laissé un petit message. On a répondu à tous les commentaires ce matin qui restaient, donc peut-être qu'il y en a des nouveaux qui sont apparus, mais vraiment merci beaucoup pour les retours que vous avez fait sur cette vidéo, ça fait trop plaisir. Et on a très hâte de tourner la prochaine vidéo. Franchement, ça va être trop bien, je suis trop contente. C'est un nouveau projet qui fait du bien, et en plus, je sais pas si vous avez vu un peu ce que j'ai fait, mais sur la chaîne YouTube, j'ai posté énormément de contenu cette semaine. Je suis assez fière de ça, franchement, j'ai trop bien réussi et mon frère m'aide de ouf, il est très rapide à faire les dérushs, donc franchement je suis trop contente, il gère la fougère et du coup bah, ça me permet moi d'avoir moins de travail et de du coup pouvoir consacrer le temps que je mettais avant à faire les dérushs à faire une autre vidéo et du coup c'est cool, voilà, donc je suis contente. Je dis pas qu'il y aura plus de vidéos toutes les semaines comme ça, mais dans les moments où je suis à fond, bah c'est trop bien, je suis vraiment hyper contente. Coucou Kijil Kiyomi, salut Lucas, comment tu vas? Coucou Chloé, salut Abibi, coucou Cynthia Grégoire, Miss Lutil et les Capri, Léa Noël. En direct de la Polynésie. Oh, profite bien. Coucou Elrenea, Dying to Bleed. Bonjour tout le monde, bon dimanche devant Lola et ses aventures. Bon dimanche à toi aussi. Coucou Lorline, salut Shorka. Et coucou Aela, Mecha Dragon, Jara, Laluge, Senpai. J'espère que vous allez bien. Coucou Cancer Girl, Nils le Crocodile. Hello Céline. Des bisous à tout à l'heure, bon appétit. Coucou Léane. La première grossesse du Perfect Life Challenge, j'ai eu des jumeaux. Ah, moi c'était la deuxième. C'était super. J'ai l'impression d'être un peu floue. Ouais, on dirait que je suis gonflée de partout. J'étais toute rouge ce matin, comme si je faisais des allergies. C'était bizarre, j'avais vraiment des taches. Peut-être que ça se voit, j'ai essayé de les cacher un peu. J'avais des taches partout. Oh, vraiment, c'était trop bizarre. C'était trop chelou. Ça m'a choquée de voir Lucie. On spoil pas, aucun spoil. Aucun spoil sur la vidéo de ce matin. Faudrait mettre un message épinglé. Evie, tu veux bien mettre un petit message épinglé avec écrit bon, pas de spoil sur l'épisode sorti aujourd'hui du Let's Play sur la chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça, s'il te plaît. Merci beaucoup Wissix pour le 2e mois d'abonnement, merci infiniment. Et bon dimanche à toi aussi, Lily Bellule, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. Coucou Léane, du coup salut Chlorousse, Théa, Ada, ça va très bien et toi? Coucou Audrenati, salut Oline, coucou Tibouchou. Et salut Biscotte, juste petit passage pour dire bonjour et que j'adore les références à Superbu, ça fait plaisir. J'ai pensé à vous parce que la dernière fois vous m'avez mis la musique en tête et du coup pour lancer cet épisode je me suis dit allez on va mettre ça comme notif. Coucou la Miss Bonbon, merci encore pour ton 11e mois de Prime. Coucou Naeria B, j'espère que tu vas bien. Coucou Elodie, salut Petit Venti, Nailchi, Nax, Hélène, Npiri, Eniripsa, j'espère que vous allez bien. Coucou Nathan, salut Jun Jeong Gumin, coucou Soso, bienvenue dans le chat, et salut Yunlin, Malefoyus, Agathe, j'espère que ça va, Agathe33, CG Rose, et t'as changé ton pseudo CG Rose, il est vachement plus court qu'avant. Coucou Citrilt, des bisous alors, des gros bisous, bon lurk à toi. Coucou Justine, merci beaucoup pour les 15 streams consécutifs, salut Audrey Yeye, Anaïs, Méline, Pixel, Fanny Nilo, pour une fois j'arrive à temps, comment allez-vous? Ça va très bien et toi comment tu vas? Salut Kiyo, coucou Lisao, salut Jetsetteuse, Kalimari, Lamani, Victor, Nat, Kagura, Kuro, Yuki, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Lucas pour l'abonnement offert à Pauline Frigola, merci infiniment, ça fait plaisir. Mais pourquoi t'offres un abonnement Lucas? Mais enfin. Je donne un sub pour maintenir la
hype. Oh, merci Lucas, ça fait plaisir. Merci beaucoup de maintenir la hype. Moi, je suis hype que tu maintiennes la hype. Merci beaucoup Lucas pour l'abonnement offert à Pauline Frigola. Merci infiniment. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc dans le chat, il s'est passé un truc et du coup, non, pas du tout. Ceux qui sont sur Firefox, vous avez accès à YouTube, essaye de redémarrer peut-être ton PC ou j'en sais rien. C'est nouveau les séries de visionnage? Bah j'ai l'impression, hein, ça fait quelques temps maintenant que vous me faites ça. Hein. On est tous hype pour le là. Et bah j'espère, j'espère que vous êtes tous hype. L'abonnement a rajouté combien de temps au stream? Merci beaucoup Mademoiselle Owl pour le 17e mois d'abonnement. Merci, merci. Et tu continues à maintenir la hype. Bon, oh, c'est pas une musique qui... Tu continues à maintenir la hype. Alors Mademoiselle Owl qui va avoir une petite chouette. Merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci, merci. Merci Elodie pour l'épingle, le PC vient de freeze, je suis perdue. Merci Elodie. Coucou Valfafan. Et salut Alexandra, coucou Violette, salut Saturne Plus, Lily Flore, Loulou, Péchiu, Fulslug, Hello Helsing, Maora, bienvenue dans le chat, j'espère que vous allez bien. Coucou Célia, Louane, Ledna. Moi j'ai pas, j'utilise pas Firefox donc je sais pas, salut Elodie et coucou Or. Coucou Chiyu, salut Ganmé. Comment vas-tu? Salut mes yeux lunaires, Elode, j'espère que vous allez tous bien. Gabriel, merci beaucoup pour les 5 streams consécutifs encore une fois. Et coucou Toshikis. Vraiment, ton machine image d'aujourd'hui était top. Merci, j'ai passé tellement de temps à le faire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait les abonnements pour les abonnés? Je suis une nouvelle sur l'appli. Alors, si jamais un abonnement, ce que ça fait, c'est que ça permet de débloquer des émotes. Alors actuellement, sachez que... Voilà, il fallait que je vous le dise. Sachez que j'ai fait une grosse commande d'émotes pour pouvoir avoir plein de nouvelles émotes. Donc j'en ai retiré aussi plein. Vous avez des nouvelles émotes de followers pour ceux qui ne sont pas abonnés. Si jamais vous regardez, vous avez des superbes nouvelles émotes avec ma tête. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ces émotes parce que ça fait plaisir de voir les émotes utilisées dans le chat quand c'est nécessaire. Lul, c'est quand ça rigole. Kappa, c'est quand vous faites quelque chose... L'ironie. Kappa, c'est vraiment l'ironie, vous voyez. Un kappa, c'est quand il y a quelque chose en mode... Tu sais, c'est un petit sourire en coin un peu, et en mode... un petit sourire en coin, mais sur de l'humour un peu limite, mais ça va. Vous voyez, il y a un kappa, donc ça va. Et le note là existe. Non, mais regardez-moi, ce note là existe comme il est trop drôle avec les lunettes sous la... Bref, voilà. Donc ça, c'est les émotes de followers que vous pouvez tous utiliser, que vous soyez abonné ou non sur cette chaîne. Si vous êtes abonné en plus sur cette chaîne, vous pouvez même utiliser ces émotes ailleurs. Voilà. C'est vous qui voyez ce que vous faites. Et quand vous êtes abonné, vous débloquez plein d'autres émotes qui sont comme des petits mois qui sont dessinés, si vous voulez. Objectif, mal mettre les émotes à chaque phrase. Mais là, pour le coup, c'est bien foutu. Elle est bien mise, hein. Le note là existe, elle est parfaite ici, Lucas. Mais du coup, ouais, si jamais il y a plein de petits mois qui sont dessinés avec différentes émotions que vous pouvez utiliser pour illustrer vos propos quand vous parlez dans le chat, et j'en ai mis quelques-unes là par exemple dedans. Ça permet aussi de soutenir un streamer, de s'abonner bien sûr, ou d'offrir un abonnement à quelqu'un d'autre. Et il y a moyen de s'abonner avec Prime, donc c'est gratuit de s'abonner avec Prime si vous avez un compte Amazon Prime. Vous avez juste à relier Prime et Twitch, oui, votre compte Twitch et votre compte Prime, en cherchant sûrement Twitch Prime ou quelque chose comme ça, vous devriez relier avec Prime Gaming, je crois que ça s'appelle. Vous reliez vos deux comptes et après vous pouvez vous abonner chez un streamer par mois, renouvelable du coup, mais il faut renouveler manuellement. Et comme quand vous faites ça, et bah, vous offrez gratuitement un abonnement, la valeur d'un abonnement à un streamer. Voilà. Et vous cliquez juste sur bien s'abonner avec Prime pour éviter qu'on vous déduise de l'argent quand vous essayez de vous abonner avec Prime. Sinon le Prime ne passera pas et vous vous abonnerez normalement. Donc voilà, et si jamais du coup il y a des nouvelles émotes qui vont arriver, et les émotes que vous voyez actuellement vont avoir des petites modifications colorimétriques. Et donc j'ai très hâte de voir tout ça. Et ce sera courant fin janvier, courant février, qu'il va y avoir plein de petites nouveautés au niveau des émotes. Et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, et il y aura des nouvelles émotes tiers 2, tiers 3 parce qu'il y a différents tiers. J'utilise pas de CC pour la peau de mes Sims, c'est la peau de base qui est la meilleure peau, plus belle que les CC encore. Mais oui, du coup, je disais ça pourquoi? Je disais ça parce que, à quand les émotes, Julie, Elodie, Evie? Pour le moment, il n'y en a pas, Evie, pour le moment, il n'y en a pas. Mais justement, il va y avoir aussi des... En fait, on n'a pas eu assez de points d'abonnement. Pour débloquer plus d'émotes. Donc là, je vais combler tous les trous d'émotes. Et une fois qu'on aura comblé tous les trous d'émotes, eh ben, on pourra essayer de se donner des objectifs de combler et de débloquer de nouvelles émotes pour qu'on puisse avoir tout cela, quoi. Merci beaucoup, Alexis.
Cis pour les 3 streams consécutifs, Kélia pour les 5 streams consécutifs et Pema pour les 5 streams consécutifs aussi. Coucou Miss Greenette, Milka, ça va très bien et toi? Salut Mama Karina, Lily Bellule, Wissix, Lucas du coup bien sûr, Jinta, Orex, merci beaucoup pour le follow. Coucou Emmaple, Touktouk, Fiofioche, 32 cookies, Lince27, Noémie Castiel, Arthur Nouille, bienvenue dans le chat. Coucou Ali Salkne, salut et coucou Camille Lachani, coucou Drama Clem, une meuf, bienvenue dans le chat. Coucou Vivi Miaou. Vraiment, c'était trop bien toutes ces vidéos cette semaine. Ça fait trop plaisir. Et je vois que vous aimez beaucoup les constructions d'appartements. Franchement, ça fait trop plaisir de voir que vous les aimez autant, quoi. Vive la peau de base, pas ma peau. C'est hyper présomptueux. Oui, vive la peau de base. En vrai, de ouf. Vive ma peau de base. J'adore. Go faire un sub-bâton pour débloquer des émotes. Trop contente d'être à l'heure. Mais oui, c'est trop cool. Coucou Amaya Sims. Bienvenue dans le chat. Salut Alicia. Coucou Lanae. Tellement solaire. Merci. Oh, mais ça fait trop plaisir, Lanae. Coucou Luna Only. Salut Mélissa. Coucou Ayo. Aoil Green, Aoil et Green, oui c'est ça, salut It's Morgan, coucou Luicia, coucou Gloana Fin, Emran Raal, oui je crois que c'est ça, Calypso, Cassiope, Soram, Soramem, Sorame, Soramim, bienvenue dans le chat en tout cas, ça va très bien, et toi coucou Eva, salut Monstratus, bah, bon pain du dimanche, salut Sayouin, coucou Chocobon, merci beaucoup pour le follow, salut Lil Manji, et coucou Anya. Super la vidéo avec Lucas, hâte de suivre le compte. Ça fait trop plaisir, on est trop contents. Franchement, vous avez vu tous les trucs qui se passent là cette semaine, c'est trop bien, il y a plein de nouveautés, ça fait du bien franchement. On commence quand? Généralement, on discute une bonne 30-45 minutes, voire une heure avant de commencer à jouer. Voilà, de manière générale. Parfois, on fait moins, parfois, on arrive, et puis 10 minutes après, on se dit « Allez, on joue, c'est parti !» Ça dépend du mood. Mais là, je dis bonjour à tout le monde, et vu que vous êtes nombreux à dire bonjour, et ben ça prend un peu plus de temps. En gros, c'est ça. L'idée, c'est que j'essaye de saluer tout le monde avant le début du stream, comme ça, ben, vous mettez un message dans le chat, vous venez, vous prenez le temps, parfois vous envoyez tellement de messages qu'il y a des messages qui se font avaler, je peux plus vous dire bonjour, et du coup, bah, quand je peux plus vous dire bonjour, généralement je dis plus bonjour à personne, ou de temps en temps, voilà, je redis bonjour à quelques personnes mais pas à tout le monde, mais quand je peux, quand parfois on parle 3 heures avant de jouer. Mais voilà, du coup généralement au début on papote un petit peu, et après on se lance dans le jeu. Merci pour cette semaine remplie. Bravo, pardon, pour cette semaine remplie de contenu. Je vais manger, je reviens plus tard. Des bisous, c'est Gérose. Et tu m'as dit pourquoi t'avais raccourci ton pseudo? Attends. Oui, j'ai enlevé les 00, j'ai remplacé mon O par un 0 et ça passe. Oh, mais trop cool. Trop cool en vrai. Coucou BDG Corsica, salut Rex, coucou MIF et Maya Elion Séguré, coucou Sarah, salut Abigrun, merci beaucoup, bienvenue dans le chat plutôt, salut Im The Drama. Trop cool la chaîne à deux, mais ça fait plaisir, salut Ginger Aurélie et salut Marion Dripfo, Dripofsi. Ça va très bien et toi? Coucou Evanoui. Et salut Héloïse Nawa, coucou NBZobi, coucou Shitsu. Je vais pouvoir regarder ton live pour me réconforter, je suis malade. Bon courage, bon rétablissement surtout. Salut Otra, Melumoon, Lilis Shiny. Et coucou Alexis, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs. Coucou Aeriri. Salut Kimoon, coucou Yokjitbis. Bienvenue dans le chat, coucou Popopo. Salut Ludivine, Watchad, Watchasai, Watchasaid. Boom, Watchasaid. C'est ça, hein. Salut Margot, coucou Elopo. Coucou Pema. Hâte de voir les aventures de Lola. Mais moi aussi, on va sûrement déménager aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis dans le titre du coup. J'aime trop le blabla de début du live. Bah en vrai c'est cool, c'est sympathique hein. J'aime bien aussi. C'est vraiment le temps de se poser pour se dire bonjour avant de commencer. En effet, ça, on a été gâtés cette semaine en contenu, c'était génial autant sur ta chaîne que celle en commun avec Lucas. Bah en réalité, ok si on regarde un petit peu tous les contenus qui sont sortis cette semaine. Lundi je vous ai fait une vidéo construction, mardi on a fait un live. Mardi on a fait un live ouais. Mercredi il y a une autre vidéo construction qui est sortie, plus on a fait un live. Jeudi, il y a la rediff qui est sortie. Mais il n'y a pas eu de vidéo, mais il y a la rediff du live qui est sortie. Comme mercredi, il y a aussi une rediff de live qui est sortie. Vendredi, il y a eu une autre vidéo qui est sortie. Samedi, il y a eu un short qui est sorti sur Lola. Plus, il y a eu la vidéo en duo avec Lucas. Et ce dimanche, il y a un live avec Lola, plus une vidéo let's play. Non mais c'est énorme, c'est énorme. J'arrive et je pars manger. Des bisous, à tout à l'heure Louane. Des bisous. C'est trop cool, non? J'ai rattrapé tous les shorts récapitulatifs pour être à jour, car en général, je n'ai pas le temps de suivre les lives le dimanche en intégralité. Mais c'est trop cool, ça fait plaisir, Audrey Nati. Au moins, tu peux être là pour une partie et savoir ce qui s'est passé. Ça va, t'as trouvé ça quand même assez, assez compréhensible, tout ce qui se passait, même si c'est assez rapide, généralement, les récaps. Coucou la Benji du 768-800. Bienvenue dans le chat. Salut Fallon Blunaya. Salut Anouk, Océane, Kélia, merci beaucoup pour les 5 streams consécutifs. Coucou Adeline, merci beaucoup pour le follow. Salut Gameuse, Pipofort. Et oui, du coup, j'utilise pas de CC pour la peau des Sims. Vraiment, celle de base, elle est trop bien. Coucou à DPLCR.
À force de mettre tout le temps des CC partout et de même mettre des CC sur la peau, on réalise pas à quel point c'est la peau la plus détaillée qu'on puisse avoir. Et c'est celle qui donne vraiment un aspect, le meilleur aspect, quoi. Coucou, du coup, à DPLCR, j'ai loupé de stream, les streams d'hier. Du coup, j'ai perdu mes 9 streams. Oh non, c'est trop dommage! Coucou, Ami, salut nos 9. Et coucou, Ambrine, Natsumi RN. Vous allez bien? Ça va super, et toi? Ah bah c'est trop cool, bonne partie, bon jeu. Coucou Iceberg Joe, salut Manori. Et coucou Vanessa, Clarinette, Cora Willow, La Licorne. Bienvenue dans le chat, coucou Suae. Et salut CG Solin. Coucou Candice. Salut Marley, merci beaucoup pour les 7 streams consécutifs. Emilia, bonjour. Bonjour Jujuruli, Alice Mash, Isob Evernight. J'ai vu le dernier épisode et franchement, tous les changements, je m'y attendais pas. Mais oui, mais je suis trop contente. Vous avez été très nombreux à être très étonnés de tout ce qui se passe. Et c'est le meilleur truc. Et c'est aussi pour ça que on n'a pas du tout joué Lucie depuis le début et je vous en parle pas. Et franchement, même, je vais pas vous le cacher, je cachais même le panneau des relations. À chaque fois qu'on le voyait, je coupais le moment où on le voyait, où je faisais un zoom pour pas que vous voyiez les relookings et que petit à petit, on découvre tous les personnages au fur et à mesure. Et le prochain personnage qu'on a à découvrir, ce sera Reel, et après il y aura plus de changements et ça pourrait être un peu plus classique. Mais non, je spoil pas, vous en faites pas. Mais du coup, oui, ça, je suis trop contente de vous avoir tous choqués et j'ai trop hâte de la suite, quoi. Coucou Léane, salut Louane, et coucou Manon Liam, salut Maeko, coucou Célifa, coucou Émilie, You Don't Know Me Fleur, Adazi Youssouf, Mélissax, Clo-Clo, salut Kira, merci beaucoup pour les 3 streams consécutifs, coucou Juliette, Belsoge, merci beaucoup pour le follow, coucou Linti, Simet, Geekette, Abaïs, Célinem. Ça va très bien et toi? Coucou les qui dansent pas. Et salut Priscilla Poti, Luan, Luna Eyeno. J'ai des amis, je reste en l'air. Des bisous, gros bisous. Coucou, si tu pouvais changer quelque chose dans les Sims, ce serait quoi? Changer dans quel sens? J'en ai aucune idée. Faudrait que je réfléchisse longtemps pour choisir vraiment le truc à changer. Je pense que ce serait le moteur graphique. Si je devais changer une seule chose dans les Sims, ce serait vraiment le moteur graphique et juste prendre le temps, genre rien sortir sur les Sims, si ce n'est des mises à jour. Mais remarque, les mises à jour, je sais pas si elles serviraient à grand chose s'ils changent. Mais pendant genre quelques mois, se concentrer sur transférer tous les Sims 4 sur un autre moteur graphique pour permettre de réparer le jeu et de réparer tous les bugs et que ce soit nickel. Coucou Sarah-chan du coup, je suis trop contente d'arriver à temps pour voir un live. Oh mais c'est trop bien! C'est trop bien, ça fait plaisir, bienvenue dans le chat. Coucou Tropan, salut Luby, merci beaucoup pour le follow, salut Initesia. Et salut Louise, coucou Maenini, Lena. Tu commences quand le gameplay? Généralement, on commence le gameplay après 30 minutes ou 45 minutes de jet chatting, ça dépend des fois. Mais le temps de discuter, de vous dire bonjour à tous et de discuter un petit peu des nouveautés. Là, je vous ai parlé de la nouvelle chaîne. Si jamais vous arrivez maintenant, on a une chaîne avec Lucas en commun que je vous poste juste ici. On a aussi... J'ai aussi donc toutes les émotes qui vont être faites. Je sais, je vous tease de ouf avec ces émotes, mais vraiment! Vraiment, je suis trop contente! Je suis trop contente! Voilà, et là, je vois... Si, il y a Mel qui a utilisé une émote. Merci Mel. N'hésitez pas à utiliser les émotes dans le chat, ok? Parce que là, par exemple, par contre, avec tes émotes, il va y avoir un boycott des émotes de base par ici. Mais oui, mais c'est fait exprès. J'ai refait les émotes de base. Tout exprès. Regardez si on les met à côté. Est-ce qu'on peut mettre à côté Lul, Kappa et Not Like This? Si on met ces émotes à côté de mes émotes, bah, mes émotes, elles sont vachement plus belles. Attendez, Lul, Kappa et Not Like This, elle est où? Elle est où? Là. Ok. Regardez. Oh non, le Not Like This, il se met pas comme ça. Merde. C'est quoi? C'est Not Like This? Oui, c'est ça. Merde. J'aurais pu faire un truc parfait, mais non. Non mais regardez la différence. Eh, franchement, j'ai géré pour les refaire, non? J'ai grave géré, je trouve. De loin, elles sont trop bien. De loin, elles sont tellement stylées. Coucou Ornella. Salut Maura. Coucou Hermouni. Salut Océane. Ganes Belin. Et Sparklix. Une tuerie, la vidéo de GSP sortie ce matin. Oh, bah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup Isabab pour ton prime. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Coucou Simet Geekette. Merci pour les 7 streams consécutifs. Et merci Priscilla Poti pour les 7 streams consécutifs aussi. Coucou Kakam. Cam Cam Moni, bienvenue dans le chat, bienvenue sur le premier live que tu passes. Coucou Ruby Thursday et salut Léa. Coucou Lolo M29 et Lorraine Ned. J'ai enfin rattrapé tous les épisodes d'avance sur YouTube. Oh mais c'est trop cool! Je parle pas souvent sur le chat donc j'en profite. Et ben écoute, bienvenue dans le chat, j'espère que tu t'y sentiras bien. Elles sont trop bien, j'aime trop, mais merci! Pourquoi ça me dit que l'abonnement Prime n'est pas encore disponible? Ah je sais pas du tout Audrey, peut-être parce que tu es déjà abonné Prime chez quelqu'un d'autre? Not Like This qui se met pas comme ça.
Ah, fallait la faire, ça, de ouf. Attendez, mais je fais des jeux de mots sans même le vouloir, quoi. Non, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Coucou Lorraine. J'ai enfin rattrapé. J'avais déjà lu ton message en plus. Salut Kalan, coucou Lily Chou et salut Sanjena, Miss Diana, Cécélera. Merci beaucoup de discuter. Merci à toutes les nouvelles personnes en fait qui parlent dans le chat. Je vois qu'il y a plein de nouveaux en ce moment, c'est trop cool. Coucou Nice Quick et salut Nanoulz. Bienvenue. Coucou Krinesi, salut Bi Marlene et coucou Cam Cam, salut Ida, Léo plutôt. J'espère que vous avez bien. J'ai rattrapé tous les bonjours, vous vous rendez compte? J'ai commencé le live avec 80 bonjours, j'ai réussi à tous les lire alors qu'il y en avait d'autres qui se rajoutaient, j'ai été bloquée à 80 pendant quelques temps et là je viens de tout rattraper. Félicitez-moi! Félicitez-moi! Je viens pas souvent sur la stream mais j'aime trop l'ambiance. Oh, ça fait plaisir, Elopo, ça fait trop plaisir. Et coucou Vali, tu vas bien? Comment ça va? Je pense que j'ai le temps de regarder le dernier épisode Génération avant le début du gameplay, je mini-lurk. Je suis pas sûre que t'aies le temps parce qu'on va pas tarder à commencer, je pense, là. On est à 25 minutes, mais vu que j'ai dit bonjour à tout le monde et tout, peut-être qu'on commence bientôt. Coucou Steven Seagull. Je dois bosser entre le live et le nouvel épisode de sur YouTube, tu me fascines pas la tâche. Désolée. Et coucou Dubou. Trop heureuse d'enfin être dispo pour me remettre devant tes lives, mais ça fait plaisir. T'es trop fort. Ah mais ça fait plaisir, merci, bravo, je vois tous vos bravo et vos GG, ça me touche beaucoup, voilà. Moi quand je vois que demain on est lundi... Oh oui, il faut que chacun d'entre vous trouve un message à mettre avec une des nouvelles émotes de followers, ok? Il faut que vous trouviez un message à mettre qui corresponde soit au Not Like This, soit au Kappa, soit au Lul, et il faut que ce soit moi quand, et vous mettez la suite d'un message et vous mettez l'émote. Et ça représente votre réaction, ok? On fait ça? Et là, il n'y a personne qui le fait, je me retrouve toute seule. Un seul? Oui, un seul. Coucou Massoulet, tu vas bien? Comment ça va? Moi, quand mon mec a le Covid, je comprends. Enfin, j'ai pas le Covid, tu vois, mais je trouve que c'est bien trouvé. J'en vois trop souvent sur les streams et j'aime trop. Merci beaucoup, ça fait plaisir! À chaque fois, tu as la capacité à lire le chat à fond. Mais ça fait trop plaisir, Linty. Parfois, j'ai peur de pas le lire assez. Coucou, Mode Tiny. Salut, Evilem. Evilnem, pardon. Et non, Evelinem. Putain, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Ça va très bien, et toi? Moi, quand je dois... Quand il y a des bugs sur les Sims. Incroyable. Moi, quand je découvre la tonne de devoirs. Moi, quand je vois que t'es en retard. Oh non. Elle fait mal, celle-là. Mais elle est si vraie. Tu dois tout le temps être comme ça. Alors, tout le temps. Moi, la plupart du temps. Moi, quand je regarde ton live, au lieu de réviser, quand j'ai perdu tous mes packs Sims, demain, je commence avec un examen de maths. Moi, quand Julie tombe, elle est incroyable, Ubi. Elle est incroyable. Moi, ce serait moi quand Julie tombe, Kappa. Le Miss Extrême est redispo, tu crois? Le Miss Extrême est redispo. Qu'est-ce que ça veut dire, m'a saoulé? Moi qui vois le nombre de cartons qui me reste à faire avant mon déménagement demain 8h. Aïe. Moi quand ma petite fille dit, c'est pas drôle. Moi quand moi, je vois Mika. C'est bien aussi. Bonjour. Et coucou Wizzy Popo. Salut Agatou le Pou. Et coucou Lex Dabi. Moi quand je sais pas quoi se dire entre le live et la nouvelle vidéo génération. Moi je te dis, le live, on est là et on est ensemble pendant un certain temps. Le live, la vidéo génération, tu peux la voir quand tu veux, à n'importe quel autre moment, tu peux la regarder. Du dimanche, NSX Love, NSX Cœur, NSX Cœur. Coucou Woody Popo, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi j'aime bien ce rendez-vous du dimanche, honnêtement je l'adore. Coucou Delilah, merci beaucoup pour le follow et coucou Furonix. Je suis en projet d'une construction maison asiatique pour mes Sims 7. Oh, et bah tu partageras des photos dans le Discord, j'espère. Attendez! J'étais en train de m'étouffer, mais ça va. Hein. Voilà. Moi, quand... Attendez, moi, demain, quand je verrai la notif de rediff, alors que j'aurai déjà vu le live... Oh, c'est vrai! T'es triste de voir une rediff? Moi, quand je me rends compte que c'est la fin des vacances... Quand deux streamers ont leur stream en même temps. Mais il faut faire les deux en même temps. Voilà. Et tu mutes l'un, puis tu mets l'autre, puis tu remutes l'un, puis tu remets l'autre. Moi, quand je réalise que mon exa est lundi et pas mardi, quel enfer. Comme mon chat préfère les croquettes à la pâtée. Bah, c'est bien ça, non? Quand je dois stopper mon visionnage pour faire à manger aux enfants. Quand je... J'adore, franchement, j'adore vos petits POV. Je les aime beaucoup. Moi, quand j'ai regardé la vidéo en duo. C'est beau! C'est si beau! Aïe. Moi, quand je dois choisir si je dois commencer à regarder la vidéo sur la chaîne de NS, la vidéo sur la chaîne de NS et Lucas, ou le live. Bah écoute, d'abord le live.
Après, la vidéo sur la chaîne de NS et Lucas, parce qu'elle est vraiment très bien. J'espère que et tu après, vas bon la vidéo sur la chaîne de NS pour bien dormir, parce que ce sera une belle histoire avant d'aller se coucher. Moi, je pense qu'on peut se faire une journée full, nous tous ensemble. J'ai un chat dans la gorge, mais promis que j'ai pas mangé mes animaux. Voilà. Voilà. Promis. Juré. Moi, quand je vois que tu trouves pas un objet dans le catalogue, alors que je viens de le voir, mais c'est vraiment ça. Mais non, mais Ars, sur nous, ils sont trop bien tes POV. Quand le monteur en a profité pour caser 25 photos de Topaz, elles sont trop cool, avouez. Au début, il en avait mis 3. Et avec Lucas, on lui a dit... Non mais, vas-y, mets la blinde, fais-toi plaisir. Hein. t'es pas obligé d'en mettre que 3. Tu vois, là, tu peux les foutre partout. Vas-y, profite. Moi, quand le est trop... Et que... Quoi, Evie? J'ai pas compris. Quand je viens de passer ma première semaine de convalescence et qu'il m'en reste encore 3. Bon courage! Quand Lucas dit qu'il sera à l'heure pour son live! Quand j'essaye de faire manger mon assiette de pâtes à ma fille de 5 ans et demi. Oh putain, coucou Talinemo, salut Arietti, coucou Evie Moon, merci beaucoup pour le follow, salut Lily Rose Loy. Quand je commence mon lundi avec une réunion à 9h, quel enfer! Salut Alira, coucou Francher, salut Gélier! Et coucou le petit chat, salut Ril Janel, salut Itacide, merci beaucoup pour le follow, coucou Blanchemi. J'arrive enfin après avoir vu l'épisode du Let's Play Génération. Oh, et bien j'espère qu'il t'a plu. Et on ne spoil pas ici, d'accord? On ne spoil pas. Merci beaucoup Goldmet pour le 14e mois d'abonnement. Merci infiniment. Coucou Psychomimine, salut Lexa. Et coucou petit démon, Numae, Corail Rouge, The Official, Bunny Boy, merci beaucoup pour le follow, coucou Manon, salut Anané. Et coucou Bilwak, moi qui regarde le live dans le train et ça coupe toutes les 5 secondes. Oh, quel enfer! Coucou Noon Moon, salut Esli. Incroyable, Machinima du nouvel épisode. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, quand dira-t-on, pour le 5e mois d'abonnement. Je viens de finir la vidéo YouTube sur le Let's Play Génération et ton travail est toujours aussi incroyable. Merci bon beaucoup. Bon live à tous et Nessex Cœur. Merci infiniment, ça fait trop plaisir, quand dira-t-on, et merci pour ton 5e mois d'abonnement. Coucou Alia, première fois que je parle juste pour dire qu'on se dit comme ça, PS, j'aime trop tes vidéos YouTube construction, mais ça me fait super plaisir, bienvenue dans le chat. Bienvenue. Coucou Allons-y gaiement. Moi, quand je me rends compte que je vais au concert de Coldplay et Taylor Swift dans le même mois et que je pense à mon compte en banque, tu m'étonnes. Vraiment, tu m'étonnes. Coucou Marine Art. La vidéo était incroyable et bravo au monteur, des barres de rire avec les montages, ça fait du bien au moral. Oh bah c'est trop cool, ça fait plaisir. Coucou My Way. L'idée c'était l'idée qu'on s'est dit avec Lucas, on a envie que ce soit une chaîne vraiment où on essaye de faire des choses hyper pro au niveau de la qualité, que ce soit visuel, je sais pas si vous avez vu, mais quand vous la regardez sur un téléviseur, il y a écrit 4K en dessous et ça c'est beau. Du coup on voulait que ce soit le plus quali du côté au niveau de la caméra, on a pris des micros, bon il y a encore des petits réglages de son à faire, mais on a essayé d'investir un peu dans du matos pour que ce soit sympa. Et on a voulu aussi qu'au montage ce soit vraiment bien carré pour que ce soit drôle, justement pour éviter qu'il y ait des trucs qui soient trop qui soient soit pas assez cut, soit trop cut, enfin peu importe. Et du coup je suis trop contente franchement. Quand j'ai regardé la dernière version, à un moment du coup il y a eu des ajouts parce qu'il y avait des choses qui avaient été coupées et on était en mode en vrai ce serait trop bien que ça y soit, par exemple le moment où je reste bloquée comme ça et que j'attends, et que je vois que Lucas il me regarde, et que d'un coup j'oublie tout ce que je devais dire, et donc je reste juste bloquée comme ça. Mais vraiment, je pleure de rire quand je regarde ça, je me dis, mais mon dieu. Enfin bref, je trouve ça hyper drôle. Voilà. À 10h30, quand je dessine en attendant ton live, je réalise qu'on est dimanche et qu'il va falloir attendre 2h. Je me suis abonnée avec Prime, mais je crois pas que ça ait repris mes anciens mois. Ah bon, si, normalement ça fait tout. Talinemo actualise, normalement ça reprend les anciens mois. Moi j'ai pas vu ton abonnement là, c'est peut-être pour ça que ça les prend pas. Bleu clair et violet s'il te plaît. Alors attends, parce que je vais faire ça tout de suite. Le violet, voilà. Il va y avoir un petit peu de violet aussi derrière moi ici, plutôt comme ça. Et du bleu clair, il va y en avoir au-dessus. Non. Comme ça. Voilà. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Quand je rentre des courses et que j'ai oublié le seul truc dont j'avais besoin. Oh, ça arrive tellement tout le temps. C'est horrible. C'est vraiment horrible ça. Coucou MyWay, salut Oslan. Je viens de regarder la nouvelle vidéo de ta nouvelle chaîne avec Lucas. J'ai adoré vos streams sur GTA. Oh, mais ça fait trop plaisir. Coucou Masha Maolia, merci beaucoup pour les 7 streams consécutifs. Coucou Myrilla, Irem, Tilia. Moi quand j'entends le bébé se réveiller, quand je me pose enfin pour manger. Coucou Terra.
Génial ton premier épisode de ton dernier épisode de Génération, la première vidéo sur la chaîne. Merci. Mais là, je suis contente parce que vous êtes tous contents. Attends, je suis ravie. Ah, ça fait trop plaisir. Coucou Dylan Sixin, salut Stelia, coucou Sopalin Cotonneux et Katchan Kifi. Merci beaucoup, hey, Kimiko. Je passe faire un coucou avant de poser mon lurk pour bosser sur un futur article mode accent circonflexe. J'espère que tu vas bien. J'ai regardé la vidéo de la nouvelle chaîne avec Luc. On a Elle vu ton commentaire. Vous êtes top. Ça fait trop plaisir, Kimiko. Merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement. Merci infiniment. Mais écoute, ça fait plaisir. Bon lurk à toi. Bon lurk et bon article. C'est quoi comme mode? Coucou Triwi. Triway. Merci beaucoup pour le follow. Et coucou Jaja Yediu. Coucou à Milo Chan. Merci pour ton follow. Milo, c'est le surnom que je donne à mon chat. Salut Chino et coucou Caro. Il y a un nouvel épisode du Génération sur YouTube. Ah bah oui, on est à l'épisode 4 déjà, Lily Chou. C'est sorti ce matin à 9h30. Moi, quand je pense que mon bobo à la cheville était presque guéri, puis qu'on me dit que je dois retirer la fibrine. Mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir parce que ça me fait des frissons dans le dos, d'accord? Non, ça me fait des frissons ici, sous les bras, c'est pas très agréable. C'est dommage qu'on ne puisse pas réagir avec des émotes au message parce que les POV sont excellents. Mais de ouf! En vrai, j'adore! Ça, j'aimerais trop le faire. Parfois, j'ai envie de mettre un j'aime sur un message ou un petit cœur. Et tu vois qu'il y a, sur les messages, sur le bord, il y a un petit cœur qui puisse apparaître en mode ah, c'est trop drôle. Mais en même temps, ça pourrait rendre des gens tristes parce qu'imaginez, genre les messages des autres, ils ont tout le temps des cœurs, vous postez un message et il n'y a pas de cœur. Genre, c'est hyper triste. Moi, je le prendrais trop mal, hein, perso. Donc, je comprendrais que vous le preniez mal aussi. Ah non, en fait, ce serait horrible. Ce serait horrible parce que du coup, il y a des gens qui se sentiraient trop aimés et des gens qui se sentiraient pas assez aimés. Et ce serait trop triste. Genre, vraiment. En fait, c'est une mauvaise idée, ok? C'est une mauvaise idée. Voilà. Tu te rends bien compte qu'à force d'en parler, j'ai envie d'aller la revoir. La chaîne en duo est incroyable, ça fait trop plaisir. Quand j'ai vu les poses de NS, dans le vide avec Lucas, c'est vrai, vous avez rigolé aussi à ça? Ça vous... Accent circonflexe, ça me fume. Bisous Gluan, bon appétit. Un mode sur la satisfaction des Sims. Ok. Moi, quand j'ai vu les poses de NS... Ah oui, ok, ça j'avais déjà vu, attends. En même temps, comment ne pas l'aimer le dernier épisode? On sent que t'as tellement bossé sur le machinima. Bon, ça fait trop plaisir. Coucou Stan Momic. Dans la vidéo, tous les deux, ta vidéo n'arrête pas de descendre. Je vis que c'est que ça, mais la vidéo était trop bien. Mais mes vidéos, mes lunettes descendent tout le temps. Elles glissent un peu, puis je les remonte et c'est tout, hein. Et puis voilà, hein. Mais même si je les mettais tout en haut, regardez comment j'ai l'air con. Bonjour. Si je les mettais, genre, le plus haut possible, elles tomberaient quand même, hein. C'est juste que mon nez, il est glissant. Voilà, c'est comme ça, hein. Coucou Vanilla. Et salut Prunel 5. Salut Julie Fille. Je pourrais pas rester aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Bon anniversaire à elle. Vous allez voir quoi? Coucou Paolina, salut Mflex, salut Tricorion et coucou là, j'espère que vous allez bien. J'ai vu le dernier épisode de Génération de la transformation de Lucie, il m'a choqué, j'ai adoré. Oh bah c'est trop cool. Alors attendez. Merci beaucoup Prunel5 pour le 13e mois d'abonnement, merci infiniment. Merci et Manon, merci pour les 5 streams consécutifs, merci à tous. Coucou Carmelise. J'ai téléchargé la tienne même si j'avais pas tous les packs. Est-ce que quand j'achète des packs que tu as utilisés, les éléments sont mis à jour? Non, il faut la retélécharger, caramélise malheureusement. Coucou Maëlle. Bon appétit. Moi, quand je vois ma coupe de cheveux dans le miroir chaque matin. Ah, j'adore. Je viens de regarder tout le dernier épisode et genre toujours et encore de bonnes surprises. Moi, je suis contente. Ça me fait plaisir. Non mais vraiment là, vos messages, ils me mettent un boost de bonne humeur et de positif. Mais regardez comment quand les lumières changent, j'ai l'impression d'être très très sombre là, c'est un truc de ouf. Mais non mais vraiment merci parce que je suis trop fière là de ce que je vous ai proposé ces derniers temps. Je vous ai proposé beaucoup de contenu et je suis hyper contente d'avoir pu vous en proposer autant et c'est aussi grâce à mon frère donc c'est trop cool. Et surtout, je suis contente parce que j'ai réussi enfin à sortir des choses que je vous prépare depuis pas mal de temps. La chaîne en duo, on vous la prépare depuis quelques temps avec Lucas. La vidéo qui est sortie sur le Génération, je vous la prépare depuis quelques temps avec le machinima et tout. Vite que je ponde mon poussin INSX et Sniff NSX. Merci beaucoup, Melona Wadiams. Merci infiniment pour le 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Moi, quand Noémie m'envoie un message à 3h du matin pour me dire on va faire un tour. Ah, finesse. Les souvenirs. J'ai vu le dernier épisode, tu m'as totalement surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, bah c'est trop bien. Franchement, tant que tu prends plaisir et surtout que tu te mets pas la pression. Oh, je me suis un peu mis la pression cette semaine, je vous avoue. Je vous avoue que je me suis un peu mis la pression parce que des gros machinimas comme ça, ça met de ouf la pression. Et j'ai pleuré cette semaine. Parce que vraiment, faire un machinima de ce style avec beaucoup de choses qui se passent, ça prend beaucoup la tête. Je ne pouvais pas vous le cacher. Donc, je me suis mis la pression cette semaine.
Normalement, ça devrait aller d'ici la semaine prochaine parce qu'il y a plus ce gros machinima qui me prenait beaucoup la tête depuis quelques temps et je me disais, oh, mais comment je vais faire ça? Mais est-ce que j'étais même pas sûre de qui on allait jouer à cet épisode parce que moi je voulais jouer Reel, je voulais faire le début avec Reel. Il était censé y avoir une partie avec Reel dans le machinima d'ailleurs, sauf qu'il n'y avait pas le temps parce qu'en fait tout le reste a comblé toute la musique. Du coup, il n'y avait pas le temps de mettre Reel dans le machinima. Donc j'étais en mode ok bon bah on va jouer avec Lucie alors. Et du coup il devait aussi avoir une partie avec Louis et d'ailleurs je le disais au début de l'épisode mais j'ai dû couper ça. C'est pour ça qu'on commence assez brutalement d'un coup avec Lucie. Mais parce que je disais bon on va commencer du coup dans cet épisode à jouer avec Lucie. Après on ira voir Louis mais du coup on n'a pas pu faire la partie avec Louis au niveau du gameplay. Parce que j'ai tourné beaucoup trop longtemps et que la vidéo aurait été beaucoup trop longue et que j'ai envie que les vidéos soient un peu plus courtes parce que j'ai pas envie en fait que les vidéos me prennent autant de temps que ce qu'elle me prenait avant à faire, donc j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes et je trouve que 24 minutes c'est très bien pour un let's play, même si c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des vidéos plus longues comme ce qui a été le cas pour l'épisode juste avant du let's play. Je veux pas que ce soit non plus monnaie courante et du coup, j'ai pas pu faire exactement tout ce que je voulais, donc pareil c'est des trucs où je dois refaire fonctionner après et donc voilà. Mais je suis trop fière, en vrai je suis trop fière. Oui, je me suis un peu mis la pression cette semaine, j'avoue. J'ai pas trop suivi mon truc vivre en foi, hein. Franchement, j'ai vécu en foi, hein. Mais je me suis un peu mis la pression, donc j'ai pas réussi cette semaine à être trop chill. Mais je suis trop contente de tout ce que j'ai accompli. Voilà. Et je sais que c'était un peu exceptionnel à cette semaine, donc voilà. C'est top aussi car tes vidéos sont super quali et vraiment on prend du plaisir à les regarder. Mais merci! C'est pour ça que je me demandais si la partie de Louis dans ton machinima c'était juste pour nous tenir au courant ou si c'était parce qu'on allait le voir. Oh non, vous étiez censé le voir, mais au final ce sera la prochaine fois. Et ça me saoule un peu que du coup il soit dans le machinima mais pas dans l'épisode. Mais en même temps ça permet de voir un petit peu ce qu'il fait et ce sera très bien. Le machinima était super, on voit que t'as donné une malle pour faire chaque plan. Mais de ouf! Et vous savez qu'il y a une coquille dans le machinima. Ok, je vais. Les personnes qui n'ont pas vu le machinima, mutez s'il vous plaît. Mutez et je vous fais ce signe. Quand vous pouvez démuter, ok? Il y a une coquille dans le machinima. Vous pourrez le regarder si vous voulez à nouveau. Après l'évanouissement, le plan d'après l'évanouissement, on voit une tête qui n'est pas évanouie. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, vous connaissez la coquille. Et après, quand on regarde cette coquille, c'est très drôle. Mais je devais le dire, ok? Il fallait que je sorte. Voilà. Alors attendez, je descends un petit peu. J'ai pas encore regardé ton dernier épisode, j'irai après le live, mais connaissant ton travail sublime, je sais que je vais pas être déçue. Mais ça fait trop plaisir! Muté! Ah punaise! Moi en train d'aller voir la coquille! J'ai pas capté, bah oui! Oh, j'avais pas vu, mais personne ne l'a vu! Heureusement d'ailleurs, parce que c'est un peu de la même couleur! Vous allez voir que les couleurs se fondent ensemble, mais c'est très rigolo de voir la coquille. Coucou Lali, salut Alili Sims! On va pas tarder là, bienvenue dans le chat. Et coucou Athénalizou, salut Maël, coucou Anna, merci beaucoup pour le follow, salut Aréline et coucou Alidé Saïka, Solilem Mew, bienvenue dans le chat, coucou une louloutre de France et salut Manon, coucou. C'est quoi déjà le code de NS? C'est NS. Premier degré Tricorion, juste deux lettres, NS, hyper simple. Voilà, moi quand je vois que t'as dead ça dans le machinima, ah c'est un kappa. C'est bien, ça veut dire que dans son ensemble c'est tellement captivant qu'on fait pas attention à ces petites choses. Oui, je suis contente. En vrai, j'ai eu peur et je me suis dit si moi je l'ai pas vu quand j'étais en train de tourner, vous le verrez pas quand vous serez en train de regarder. Et c'est pour ça que j'ai rien fait, que je l'ai pas modifié parce que le plan aurait été trop chiant à retourner. T'aimes bien les nouveaux kits? Oh, je les ai pas installés. Ça montre à quel point j'étais hype par ces kits. Ouais, il y a des nouvelles emotes, une louloutre de France. Est-ce que je les attache? J'étais déjà dans le jeu. Est-ce que je télécharge les kits avant qu'on se lance dedans ou pas? Sachant que je vais pas les découvrir là maintenant, hein. Mon but c'est pas de les découvrir. Comment tu vas niveau santé? En ce moment pas très bien, hein. En vrai. J'avoue que j'ai l'inflammation qui reprend un peu, c'est chiant. Et je sais pas pourquoi. Mais ça va, enfin ça va, mais ça va pas trop, mais ça va. Bah quand vous ne lisez pas les règles. Comme tu veux. C'est pas très utile, on va pas les regarder dans tous les cas, mais ils peuvent y être. C'est quoi la coquille? Ah, je dis plus, parce que là sinon on va spoiler les gens. Il y a pas grand chose dans les kits, donc pas trop utile. On fait un petit sondage. Evie, tu veux bien lancer un sondage ou Elodie? Un petit sondage. Ça fait plaisir, Tilia. On verra peut-être des PNJ avec les nouveaux vêtements. C'est vrai, peut-être possible. Attendez, mais on va faire un petit sondage. Santé, Popopo, pardon, j'ai bu, mais...
Coucou Isabelle, Youm21, Théo, Gzz, Lilou mange McDo, Sunshine Avocado, j'espère que vous allez bien. Tu les découvres quand les kits, j'avoue que je les découvre généralement juste de mon côté, je fais jamais des vidéos dessus et tout. Pour moi, c'est du petit contenu. Si jamais le contenu vous plaît, vous regardez juste le contenu, vous le prenez ou non, mais c'est pas un contenu qui mérite des vidéos, je trouve. Hein. Vraiment, les kits. Voilà quoi. Le stress peut avoir un effet inflammatoire. Ouais, mais là, je crois pas que ce soit. Je pense pas que ce soit une question de ça. Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit le stress en tout cas, parce que c'était pas cohérent par rapport au moment où j'étais stressée. Par exemple, j'ai eu des grosses douleurs hier, alors que j'étais pas du tout stressée. Hier, j'étais trop bien, justement, j'étais hyper détente. Donc, que je mette dans le sondage. Alors, Elodie, dans le sondage, tu vas pouvoir mettre est-ce qu'on installe les kits, oui ou non, sachant qu'on ne va pas les regarder. On va pas les. Le but, ça va pas être de regarder tout ce qu'il y a dedans. Je les regarderai de mon côté, je pense. J'ai même pas vu de coquilles, mais c'est pas grave! Tant mieux! L'idée, c'est de pas les voir. T'as réintégré quelque chose dans ton alimentation? Rien du tout, Audrey. Rien du tout. Je me prive toujours. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant de ouf. Comment je fais pour découvrir un kit? De quelle manière tu t'y prends? Je regarde juste tous les objets. Hein. Vraiment, je le prends et je regarde les petites étoiles et je regarde tous les coloris et puis voilà. Et j'ai pas d'avis sur les kits. Pour moi, les kits, c'est vraiment des trucs que t'as... en plus, ça dépend des goûts vraiment de chacun, donc... Est-ce qu'on installe les kits? On va pas les regarder. Oui, non. Ah, vous êtes en 50-50 un peu. N'hésitez pas à répondre dans le sondage. La coquille m'a tué de rire, vraiment. Incroyable. Bah tant mieux. C'est rigolo en vrai. Coucou de Lauriane et salut Charlie. Charlie, pardon. Je vois pas la coquille. Quelqu'un peut me chuchoter? Non, 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 non. Non, tu re-regarderas. Voilà. Tu la trouves. T'as essayé le régime FODMAP? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'avoir une application. Moi, vous savez, je suis très... je suis très psy. si je fais une fixette sur quelque chose, c'est la merde. Par exemple, j'ai une fixette sur les numéros de téléphone. Et je peux facilement faire des fixettes sur les chiffres. Donc par exemple, je ne regarde pas beaucoup les stats et ce genre de choses, parce que je peux très vite faire une fixette dessus et ça devient très vite malsain, parce que je suis comme ça. J'ai toujours fait des fixettes sur les chiffres, à essayer de trouver des corrélations, des qu'est-ce que ça fait, ça va. Vraiment, j'ai un truc avec les chiffres. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais le trouver trop stylé parce que je vais réussir par A plus B à vous assembler tous les chiffres pour que ça fasse un truc cool. Je suis comme ça. Bon, ça m'arrive, voilà. J'ai toujours été comme ça dans ma famille, on aime bien regarder les chiffres. Mon père, il est exactement comme moi avec les chiffres. On adore trouver les combinaisons satisfaisantes pour le cerveau. Pareil avec les jeux de mots. Hein. En fait, c'est comme les jeux de mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des jeux de mots, mais avec des numéros de téléphone. Et ben, c'est exactement pareil. On fait ça avec les jeux de mots et avec les numéros de téléphone avec mon père. C'est notre truc à nous. Attends, je vous dis ça pour les chiffres. Et voilà. Et donc, exactement pareil, si je commence à faire une fixette sur mon poids, sur quoi que ce soit d'autre, sur de la nourriture, sur Lucas, là, il calcule les calories, je ne l'écoute pas vraiment, je bouche mes oreilles dès qu'il parle de calories, dès qu'il parle de qu'est-ce qui est quoi ou quoi, parce que ça me stresse, et que moi, c'est le genre de truc qui pourrait me faire vriller, mais vraiment très rapidement, dans un surcontrôle et quelque chose de très malsain de l'alimentation, du corps, de tout ça. Et je sais que ça c'est très pas bon pour moi, parce que moi, je suis une personne qui peut devenir très mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut devenir très... avoir des fixettes sur des choses et que ça peut vraiment me niquer la santé ou me faire vriller dans des délires pas dingues. Donc je ne fais pas ça. Et hors de question, hors de question d'avoir une application qui me dit des... qui me dit qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui fait des choses comme ça. Le régime FODMAP aussi... Ah oui, j'avais lu. Il y a des gens qui m'ont proposé de la nourriture qui vient du syndrome de l'intestin irritable. Sauf qu'en fait, la plupart des recettes contiennent à chaque fois des choses que je n'aime pas, parce qu'il faut savoir que j'ai des restrictions alimentaires et qu'en plus de mes restrictions alimentaires, j'aime pas la moitié de la nourriture qui existe sur Terre. Donc, autant vous dire que c'est compliqué, je me nourris de pas grand chose de différent, mais voilà. Mais ouais, je suis un peu comme ça. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est une coquille? Une coquille, c'est quand, tu sais, par exemple, dans une copie, quand tu rends une copie avec une disque... Enfin, c'est une faute, c'est une petite erreur. Une coquille, c'est, ouais, une petite faute. Tu manges de l'eau, en fait. Non, mais après, ça va, quand même, pas de l'eau, mais voilà. Trop mental, on n'a pas besoin d'appli. Mais oui, mais parce que ça me fait, tu sais, ça me fait angoisser un peu. Et ça m'angoisse parce qu'après, vous voulez que j'installe les kits? Attends, merde. Hop là, alors 2 secondes, faut juste que j'aille sur le créateur network. Alors, attendez voir. Quand j'y pense, il s'est passé tellement de choses cette semaine. On a tellement organisé plein de trucs avec Lucas, c'est un truc de malade. Je suis contente que cette semaine soit passée parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Alors, voyons voir.
Vous savez ce qu'on va faire? Attendez deux secondes. J'ai une idée là d'un coup. Je vais ajouter le petit collaboration commerciale. Est-ce qu'il y a des gens par ici? Qui ont un ordinateur, qui ont les Sims 4 et qui n'ont pas pris à louer mais qui ont envie de le prendre. Parce que EA, avec tous les trucs d'affiliation, m'a donné un petit code que vous connaissez le délire. Hein. Je vais mettre un message dans le chat. Vous allez tout préparer. Là, je vous laisse le temps. Hein. Je vous le dis, là, je vous le dis et tout. Je vous laisse le temps. Grâce à EA, j'ai un code pour vous. Sur PC seulement. Je vous en avais déjà offert un sur... c'est EA. Je vous en ai filé un pour quelqu'un sur console. Là, j'ai un code PC à vous faire gagner, mais ça fait longtemps en plus que je vais vous faire gagner. Je suis désolée. Ça fait hyper longtemps qu'il dort dans mes notes. Mais du coup, j'ai un code. Et je vous propose du coup de préparer votre truc IA. Si vous savez pas comment on fait, il faut chercher ajouter un code. Vous préparez votre truc, ajouter un code. Vous allez coller le code dedans. Le premier qui colle le code dedans, c'est lui qui a le code. Et du coup, 3, 2, bah il y a le code en fait, il est là. C'est bon. Je vous laisse. Et il faut le dire, si vous l'avez, il faut que vous le disiez. Hein. Vous êtes en mode, c'est moi, je l'ai eu. Et si jamais il faut que vous fassiez la vérification numéro de téléphone, vous avez juste à mettre plus 33 si vous êtes en France, par exemple, avant votre numéro de téléphone, plus 33.6 ou plus 33.7. Battez-vous! Je l'ai eu. C'est vrai, Charlie? Mais est-ce que tu l'as eu en mode, il est en train de s'installer? Parce que s'il n'est pas en train de s'installer, tu l'as pas eu. Oui, c'est toi? Charlie, bravo. Bravo, Charlie. Coucou Nuage06, salut Brisa Hélène. Ce matin, gros coup de stress au réveil, on est lundi, j'ai oublié de mettre mon réveil, je vais être en retard. Oh non! T'imagines? On était bel et bien dimanche, c'est que je n'avais pas vu de nouvel épisode de Lola. Je t'ai sauvée! Sinon, t'aurais été au bureau comme ça un dimanche, en mode, mais pourquoi y'a personne sur la route? Bravo! Sachez que, tant qu'on y est, on peut dire merci IE pour le coup. Tant qu'on y est, avant que j'installe mes kits, je vais en profiter. Parce que j'ai également un code. Alors attendez, merde, c'est où? Normalement, j'ai des codes pour les kits aussi. Là, pour le coup, ça peut être sur Xbox, sur console, sur tout. Ah mais merde, mais du coup, ça, il faut que je le fasse gagner. Je vais pas vous le donner comme ça, du coup. Je vais pas vous les donner comme ça. On va essayer de faire un petit truc en mode giveaway là-dessus. Alors attendez. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. Let's take each other out. You cannot lie over my tie. You cannot lie over my tie. Ou la 22 mois sur Twitch. Je me souviens plus exactement combien de temps sur Royalty, mais j'étais déjà là avant que tu montres ta tête. Pardon, c'est la musique qui me... c'est la musique qui m'emporte, je suis désolée. Ah putain. Merci beaucoup Panda et Twitch pour le 30e mois d'abonnement. J'adore tes chorés. Merci beaucoup pour le 30e. J'ai entendu la musique, je me suis dit...
Je sais ce qu'il me reste à faire. Merci beaucoup pour ton 30e mois. Merci beaucoup Belette pour le 4e mois d'abonnement. Et merci Taline Emo pour le 22e mois d'abonnement. Voilà, voilà. C'est bon, on va pas faire ça tout du long quand même. Merci beaucoup Doloriane pour les 3 streams consécutifs. Merci infiniment. Merci, merci. Le nom de la musique, c'est Mai Tai. Mai Tai de Particle House. Voilà. C'est rigolo. Pourquoi il y a une collaboration commerciale? Alors justement, parce que je suis en train de vous faire gagner des codes. Du coup, je vais faire un petit truc. C'est que si jamais vous avez envie... Alors attendez, je vais faire avec Twitch Chat, parce qu'il fait des fonctionnalités qui sont quand même assez stylées. Je vous propose de créer un tirage au sort. Ça va être un tirage au sort. Donc, pour tout le chat, la commande, ce sera point d'exclamation... J'avais envie de mettre caca, mais je me suis dit, je m'appelle pas Lucas. Point d'exclamation, G-O-T-H, goth, G-O-T-H, G-O-T-H, ok. Point d'exclamation, alors, non, ne faites pas tout de suite, hein. Attendez, le faites pas tout de suite, mais pourquoi vous le faites tout de suite? Là, vous rentrez pas dans le truc. Ah, participer via une récompense de points de chaîne. Oh, un petit sauvegarde. Attendez, j'ai encore mieux. Bougez pas. Je peux le faire avec des points de chaîne, c'est-à-dire récompenser les personnes qui me suivent. Mais attendez, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Danse. Oh, mais je vais grave faire des... Attends, Evie, putain. Mais fais pas tout de suite. Mettez pas tout de suite. Attendez, tata. Ah. Vous faites n'importe quoi. Attendez, je me lance. Bougez pas, je suis en train de regarder. Sauvegarde, c'est 1000 points de chaîne, donc c'est pas énorme. Mais je pourrais carrément faire une récompense giveaway. Genre pour quand j'ai des trucs à vous faire gagner. Oh, mais attendez, mais c'est incroyable. Comme ça, vous arrivez, vous pouvez avoir des points de chaîne et les points de chaîne peuvent servir à avoir ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Est-ce que je fais une petite récompense giveaway? Genre... Je peux en créer une rapidement. C'est une bonne idée en vrai. Comme ça, ça évite aussi. Je sais que moi, ce qui me gêne au niveau des concours, c'est que potentiellement, il y a quelqu'un qui soit tiré au sort et c'est quelqu'un qui suit pas du tout ce qu'on fait, qui est pas du tout souvent avec nous. Moi, j'ai envie de régaler la commu, quoi. Et du coup, c'est pour ça que généralement, je les fais gagner assez rapidement comme ça, en vous lâchant le code dans le chat. Parce que bah, pour moi, c'est le moyen que les gens qui sont à fond sur le chat, hop, c'est eux qui le chopent le plus vite, quoi. Mais du coup, ça peut être trop bien. Alors attendez, du coup, je vais faire une petite récompense nouvelle. Combien de points de chaîne vous pensez qu'il serait intéressant de mettre cette récompense? Alors. Les modos, avant tout le monde, est-ce que vous avez une idée du nombre de points de chaîne? Alors, je vais faire une nouvelle récompense. Ajouter une récompense personnalisée. Ça va être giveaway. Giveaway. Et la description, ça va être... 5000, je pense. Elodie, est-ce que tu confirmes? 10 000, tu penses, toi? Pour un kit, peut-être un petit peu moins quand même, non? Je sais pas. Est-ce qu'on fait ça, on fait que ça varie en fonction du truc? Grave, 10 000 en vrai. C'est que t'es bien resté sur les lives? 5 000 vu que c'est 5 euros. Ouais, mais du coup, un pack à 40 euros, ce serait 40 000. Attends, ça fait beaucoup quand même. 5 000? Moi, je pense que 5 000, c'est un bon compromis pour commencer. Et après, on peut varier. On fait 5 000 ou 10 000. 10 000, ce serait, par exemple, pour des plus grosses choses. Mais 5 000, moi, je trouve ça bien, quand même. Vous les gagnez facilement, là, 5 000. Quand même, ça se gagne en longtemps, 5 000 points. 10 000, c'est un peu abusé, je suis d'accord. Jus, dernière modo, qu'est-ce que t'en penses? Une récompense pour participer à un giveaway. 5 000 points de chaîne pour pouvoir entrer dans le giveaway. Mais attendez, mais 5 000 points de chaîne, t'es pas sûr de l'avoir, en fait. 10 000, c'est quand même donné. En étant 5 plus spectateurs, souvent autour de 15 000. Oui, mais Evie, alors toi, en plus de ça, il y a la modération. Si t'es abonné, tu les gagnes encore plus facilement. Ben, c'est pas grave. Oui, en fait, tes points de chaîne, ils participent à ça. Je pense que 5 000, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire une petite prédit, genre un petit sondage? C'est comme une loterie, c'est ça? Vous participez à la loterie, vous êtes pas sûr de l'avoir. Je pense que je mettrai 5 000 pour tout. Et comme ça, si jamais vous préférez garder vos points de chaîne pour un pack d'extension, c'est quoi un giveaway? Genre, j'ai des packs à vous faire gagner, et je les fais gagner, et vous rentrez dans le giveaway, et c'est tout bon. Va falloir que je participe, que j'arrête de regarder. Mais normalement, si tu regardes sur la télé, Claire, tu peux avoir des points de chaîne aussi, hein, c'est pas que quand on est dans le chat.
C'est pas grave, c'est une loterie. C'est vrai que c'est une loterie. T'as dit quoi, Kaedine? C'est pour espérer le prix gagnant. 5000 on valide 5000. Alors attendez, je vais faire 5000. Participe. Non, je vais juste mettre giveaway comme ça. Demandez au spectateur de saisir du texte. Oui, le texte en gros précise. Quand vous cliquez sur la récompense, il faut absolument que vous mettiez précise console, PC ou Xbox. C'est obligatoire, sinon vous êtes disqualifié. Non, c'est horrible. Je peux pas vous disqualifier. Je suis pas un tyran. Obligatoirement. Quoique, si vous le faites pas, vous êtes disqualifié. Vous êtes obligé, vous lisez les règles, ok? attendez, l'image de la récompense, c'est bien, c'est ce petit truc. Ok, giveaway, tac, tac, tac. Passez la liste des récompenses. Délai d'attente limité, délai d'attente pour la récupération. Ok, non, je pense que c'est pas mal. Alors attendez, 5000 points, créé. Normalement, vous avez une toute nouvelle truc, c'est giveaway. Est-ce que vous pouvez... Ok, parfait, vous pouvez le faire. Donc, attendez. Ah ! Mais je sais pas si ça va marcher, là. Oh ! Mais non, mais vous êtes en train de gaspiller vos points. Attendez que je crée le tirage au sort. J'ai juste créé la récompense. Non, mais arrêtez. Oh, en plus, il y est même pas. Non, mais arrêtez ! Mais vous êtes... Vous perdez des points pour rien ! Bouliou ! Attendez, c'est la mise en place, là. On est sûr de rien. Hein. Là, c'est un test, je vous dis. Alors, attendez. Attendez. Parce que du coup, créer un bingo. Non, pas du tout, c'est pas un bingo que je veux créer. Créer un tirage au sort. Alors, avec une récompense de points de chaîne. Sélectionnez giveaway. Durée du tirage au sort, 10 minutes. Je mets 5 minutes. Autorisé à participer plus faible recevoir, non. Limiter le nombre de participants, non. Pondérer les participations, non. Participer à la commande via une commande de... Ok, normalement c'est bon. Démarrer. Là, le tirage au sort est démarré, il y a zéro entrée, vous avez gaspillé. Attendez, il faut que je vous rembourse. Ok, bougez pas, je vais rembourser toutes les personnes. Si jamais vous pouvez réinvestir des points de chaîne, allez-y, parce que... Attendez. Ah, mais non, c'est trop vite. Attendez, c'est quand? Oh non, je sais plus quand c'est. Compte à rebours lancé pour 5 minutes. Ok, donc c'est juste avant. Donc, Meliora, pendant que vous êtes en train de lancer, d'entrer dans le giveaway, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de vous rembourser les points de chaîne d'avant. D'accord? Si les modos, vous pouvez le faire, let's go. Je sais pas si c'est possible. Merde, attendez. On va m'entendre en double, je suis désolée. Ça va durer 2 secondes. Voilà, Noémie Stinguette, on me mute. Ok, et comme ça, je vais pouvoir regarder au niveau de l'affichage modérateur. Est-ce que les modos, vous pouvez mettre un message si vous pouvez rembourser toutes les récompenses qui ont été demandées avant Meliora et Meliora comprise? C'est déjà remboursé? Oh, mais vous êtes trop forte! Oh bordel! Mais qu'est-ce que vous êtes douée! Mais c'est... Ça, c'est des modos en or. Oh là 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 là, incroyable. Non mais merci beaucoup hein. Non mais incroyable. Mais je vous dis incroyable. Bon alors du coup là, on va pas pouvoir beaucoup parler. Elles sont bonnes hein, elles sont bonnes, elles sont délicieuses. Là on participe pour les 2 kits ou pour un seul? Pour 1 kit sur 2. Donc il va y avoir un autre giveaway. Vous pouvez participer qu'une fois hein, donc n'essayez pas de participer 2 fois, ça marchera pas. Il y a 169 entrées pour le moment, il reste 3 minutes 36. Oh, vous êtes trop fort. Donc normalement vous avez été remboursé, n'hésitez pas à réactualiser les personnes qui ont fait la récompense giveaway avant. Voilà, les modos, non mais vraiment. Les modos. Ouh, ah, ouh. C'est quel kit? Le kit gothique que vous essayez de gagner actuellement. Et il y aura aussi tout à l'heure l'autre kit, donc... l'autre kit sur les châteaux. Par contre, je sais pas s'ils vont me donner tout de suite le code, donc peut-être que je vous recontacterai genre plus tard. Là, pour le coup, c'est moins immédiat, puisque je ne peux pas savoir si vous êtes sur console ou PC. N'oubliez pas de préciser PC, console, Xbox, sinon vous ne rentrez pas dans le giveaway. Bien sûr, je tiens à vous répéter ça. Donc voilà, on fait ça avant de commencer comme ça, et après on peut se lancer dans Lola. Moi, il va falloir que je les installe. Attendez, quittez le jeu, quittez le jeu. Je vais installer les miens.
Je vais installer mes kits à moi. En tout cas, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'on puisse utiliser des points de chaîne. Franchement, j'adore. Alors, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui se disent « Oh, mais moi, je te suis depuis YouTube, sur YouTube. Je suis tout le temps là sur YouTube, mais je suis juste pas là sur Twitch et tout. Et du coup, c'est chiant. » Mais vous voyez, le truc, c'est que bah, l'idée, c'est de trouver un moyen de récompenser les personnes qui suivent les lives de ouf. Et peut-être que si vous mettez le live en fond de temps en temps ou quoi, et bah, vous pourrez potentiellement récupérer plus tard un autre pack parce que vous aurez assez de points de chaîne pour le giveaway. 5000 en vrai je trouve que ça va, c'est bien, genre c'est pas vous êtes pas obligé d'être là trop souvent non plus et voilà, et vous pouvez aller sur Discord pour proposer des nouvelles récompenses de chaîne, bien sûr. Alors attendez, oui, faut pas juste dire PC, faut faire la récompense de chaîne aussi. Merci beaucoup Anna Lappel pour ton Prime, bienvenue parmi nous, bienvenue, et merci beaucoup King Iblis pour le 5e mois d'abonnement, merci infiniment, merci à vous, merci beaucoup. Si on s'abonne et qu'un jour on veut arrêter, vous pouvez dire comment ça marche. Alors Manon, tu vas en haut à droite sur Twitch, sur la page de Twitch, en haut à droite, tu vas dans, normalement, quand tu es, attends, retournez sur Twitch. Donc, quand t'es sur Twitch, vraiment Twitch même, en haut à droite, tu cliques sur ton image, tu fais abonnement, tu cliques sur abonnement. Une fois que t'es dans abonnement, tu peux supprimer, annuler l'abonnement. Il y a à côté de la tête de la personne à qui t'es abonné, il y a annuler l'abonnement. Et du coup, tu peux absolument faire ça. Voilà. Donc, si jamais t'as envie, let's go. Voilà. Voyons voir. C'est assez facile de supprimer tout ça. Combien il y a de participation? 202 entrées pour le kit. Nickel, merci. Voilà. Et ben, merci beaucoup à Aeria pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous. Merci infiniment. Merci, ça fait plaisir. Faut absolument avoir le téléphone avec le chat ouvert. C'est vrai, Hello Helsing? Ah, c'est chiant ça. C'est bien de récompenser les gens qui sont actifs. Ouais, même si je peux pas participer parce que je travaille tout le temps et j'ai pas de chance à regarder les lives. J'adore, je regarde toutes les rediffusions sur YouTube, j'adore ça. Mais ça fait trop plaisir, Dave Daffy. Et je suis désolée, forcément, il y aura toujours des gens qui seront pas avantagés par une manière de faire. Mais là, au moins, ça permet de garantir un petit peu plus. Pour les codes que je peux avoir juste comme ça, je peux les balancer aussi dans le chat et ça permet que tout le monde ait ses chances. Mais j'aime bien le côté tirage au sort, je trouve ça stylé. C'est trop cool. C'est trop bien. Comment on reçoit le code après le tirage au sort? C'est moi qui vous envoie un message privé avec le code sur Twitch. Voilà. Alors voyons voir. Je vais pouvoir tirer au sort, attendez. Ça va faire un truc trop stylé normalement le tirage au sort. Il reste 12... Ah mais c'est trop bien, il y a le timer au-dessus de moi. Oh, mais j'adore. Ah ça fait plaisir Justine. Coucou Ombre de Nuit, salut Ambrine, Salinoche, Meliora, Steph, Jean de Vie. Comme ça, ça vous donne une raison aussi d'utiliser vos points de chaîne, j'adore. Coucou Starlight Midnight, salut Unhumaine, Ubu. Non, on a juste discuté et là on fait des tirages au sort pour les kits à gagner. Coucou Aria, salut Laura, BF Kams, coucou Bisou, Jenny Good, Miss Mimi, Lucie, Gwen, Lily, Melika, M, Lali, Histoire, 3 étoiles d'histoire, pardon, Amortensia, Luntifé, Céliavi, Mélinie. Du coup, il y a plein de monde qui a parlé dans le chat, c'est trop stylé. Attendez, tirez au sort, on va faire le tirage au sort. Ouah, c'est la roue! Qui aura donc ce premier code? J'espère que je vais pouvoir trouver ce que la personne a dit comme PC. Frencher! Qui récupère le premier code? Est-ce que Frencher... Alors attends. Faut que je te trouve maintenant pour savoir où est-ce que tu es. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Bravo Frencher! Alors attends, Frencher en plus c'est en bleu, je devrais te trouver, normalement t'es bleu foncé, c'est ça? Il faut que je retrouve maintenant ton ticket. Est-ce qu'on peut regarder? Attends, si je clique sur toi... Oh, oui, je le trouve direct. Ok, j'essaye de voir. PC. Donc là, c'est facile. Oh, mais c'est trop cool, je peux trouver tout trop facilement. C'est trop bien Twitch chat, vraiment. Frencher, alors PC. Pour le kit... Gothique. Hop, next. J'ai mis PlayStation, n'importe quoi. EA App, Worldwide, next. Join. Et j'ai ton code. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Pour une fois, il y a les codes qui sont déjà mis. Alors, Frencher. Ah mais non, t'es en jaune, pas du tout en bleu foncé. Oh, ça craint. Attends, je vais t'envoyer un petit chuchotement. Alors, voyons voir. Petit chuchotement. Par contre, il n'y a pas de truc. Merde, il n'y a pas de truc pour envoyer facilement un chuchotement, là. Hop là. Frencher 26.
Voilà, c'est bien toi, compris. Voilà donc ton petit code pour le kit gothique. Voilà, parfait, bravo à toi. C'est que pour hier. Non, justement, c'est pour ça que vous me précisez si vous êtes sur PC, sur console, sur tout ce que vous voulez. Il faut le préciser parce que moi, je demande en fait le code à ce moment-là. Voilà. Donc, on va faire un autre giveaway maintenant. Créer un tirage au sort. Alors, attendez avant de participer. Hein. Vous allez me dire, cette fois-ci, je vous fais gagner grâce à IE, bien sûr, qui me propose de vous faire gagner des codes, le kit Castle Estate, là, le kit Château Médiéval. Je sais pas comment il s'appelle. Donc attendez un petit peu. Attendez un petit peu. On fait un tirage au sort qui dure encore une fois 5 minutes. Je vous dis quand il est démarré. Tac, via la commande giveaway. Démarrer. N'hésitez pas à participer. Ça y est, c'est en cours. Du moment que vous voyez le timer sur ma tête, c'est tout bon. C'est pour avoir celui du Château Médiéval maintenant. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez, que vous ne l'avez pas encore, bien sûr. Et je vous enverrai ce code. Et moi, pendant ce temps, je suis censée, normalement, si tout se passe bien, récupérer mes codes à moi et les installer. Alors attendez, je vous laisse giveawayer. Oh, mais attendez, mais ça cache du coup toutes mes notifications. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je vais pas pouvoir vous dire bonjour à tous parce que là, j'ai beaucoup trop de messages de bonjour qui viennent de s'en suivre. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Blanchemi pour l'abonnement offert à Morghis. Merci infiniment. Est-ce que je peux retirer limite les participations giveaway? Merci beaucoup Émilie. Merci infiniment pour le 8e mois d'abonnement. Ça fait super plaisir. Attendez, je vais mettre les filtres. Je vais retirer du coup des filtres. Comment on fait? Ah mais non, je peux pas retirer ça. Merde, je peux pas les retirer les récompenses en fait. Merci infiniment. Alors attendez. Je crois que j'ai raté des... Aeria, merci infiniment pour le 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci Anna Lappel. Merci beaucoup pour ton Prime. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir lâché ton Prime ici. J'essaye de rattraper. Est-ce que j'ai raté des abonnements pendant le giveaway? N'hésitez pas à vous manifester, à dire moi, je me suis abonné, t'as pas vu. Dites ça si jamais je vous ai raté. Coucou Alex Lm et salut TSM, coucou Estia, salut Lesloot, j'espère que vous allez bien, coucou Ditandra, salut Numorico, Niricoro plutôt, et Giginto, salut Carotinali, coucou Erdis, salut Lagalou, et coucou Maeglis, coucou Lakai, salut Gerda, Zara et Justine, coucou Ick, salut Chloé, salut Marmotte, Kaiwata, Nonoruto, j'espère que vous allez bien, coucou Felianor, Goldia, Zinakjn, et Tia, coucou Alaska, salut Lolo, et coucou Marguerite Empo, coucou Giraffe Chan, salut Molabou, coucou Monsieur Saturne, merci beaucoup pour le follow, salut Neptunium, coucou Alexandra Lalilou, merci beaucoup à tous de participer au giveaway, ça me fait trop plaisir de voir les petits points de chaîne qui partent et toutes les récompenses dans tous les sens, c'est trop cool. Attendez par contre, hop là, merci beaucoup Utopia pour ton prime, bienvenue parmi nous, merci infiniment, merci merci. Alors perso, en début de live j'ai pris mon prime mais il n'y a pas eu de message. Clarinette, réactualise ta page Twitch et ça va te permettre de pouvoir mettre ton message normalement. Merci beaucoup Alexia pour le 24e mois, les 2 ans d'abonnement, ça fait trop plaisir, merci, j'ai merci. J'ai pas beaucoup de temps pour venir sur les livres en travaillant de nuit, mais l'abonnement suit quand même à chaque fois. Merci, ça fait trop plaisir Alexia, merci infiniment. Merci beaucoup pour les 2 ans d'abonnement, c'est beau. Merci, merci. Attendez, je vous explique après comment ça se passe pour les points de chaîne. Merci beaucoup, du coup, bonjour Bruxia, coucou Ivrine, salut Molly, coucou Lodibou et coucou Muriel. Salut Isira, coucou Chloé Gm, salut Chloé Fr, salut BLN. Coralie, Kelly, Sandra, Tite Fleur, It's Giada, Ambre Magique, Miss G86, Zo Elephant, Caro, Nawakediem, Idem Letty, Anna Lappel, merci encore pour ton prime, bienvenue parmi nous, coucou Gaël, DMS, coucou Marina, salut I'm Ted, Maman Corne, et coucou Yousra sur Twitch. Et Yousra sur Twitch, c'est toi aussi, t'as les émotes, elles sont faites par Chucky. Et ça va continuer, NSX danse, NSX danse. Ou je me trompe complètement. Coucou Solitel, salut Coconois, et coucou Aloram. Salut Aeria, merci encore pour le 2e mois d'abonnement et merci beaucoup Zaza Oh pour ton 2e mois. Merci, merci. Merci infiniment. Alors attendez, on a encore 1 minute 30. Alors moi, il va falloir juste que je fasse. Donc plus. Alors pour ajouter vos jeux, si jamais vous récupérez un jeu par le giveaway, vous allez dans votre bibliothèque et vous pouvez faire un petit plus avec IEAP en haut à droite, utiliser un code. Et une fois que vous utilisez un code, vous avez juste à coller le code à l'intérieur et c'est tout bon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors confirmer, télécharger. Je suis en train de télécharger mes extensions en même temps.
suivant, téléchargé. Merci beaucoup, merci Clarinette, pour le deuxième mois d'abonnement. En tout cas, trop contente d'être là pour le live. Ça fait super longtemps que je n'ai pas suivi en direct. Ça va être un plaisir. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci infiniment. Et merci beaucoup, du coup, Lunetifette, pour ton abonnement. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Il y a 120 entrées au tirage au sort pour celui-ci. Merci infiniment. Alors attendez, moi je vais juste récupérer aussi du coup mon autre code. Comme ça, ça s'est fait parce que il faut... mine de rien, il y a pas mal de petites choses à faire. Je suis contente de le faire maintenant parce que ça fait hyper longtemps que je suis censée. Ça fait hyper longtemps que je suis censée vous faire gagner tout ça. Et du coup, enfin hyper longtemps, en tout cas le premier code. Et à chaque fois j'oublie. Et là j'ai pas oublié. Je sais plus qui m'a fait penser, mais merci beaucoup. Alors attendez, je vais juste aller dans ma bibliothèque, utiliser un code. Merci beaucoup Belette pour le tir, beaucoup trop de flow. Et Penjam, merci infiniment pour ton abonnement. Merci, merci, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue parmi nous. Hop, télécharger. Voilà, là on est tout bon. Hop, Castle Estate, c'est tout bon pour moi. Ça, c'est tout bon c'est pour moi. C'est toujours aussi agréable ça, de regarder okay. tes livres, même si ça fait un moment que j'ai pas pu regarder tes livres. Ta douceur et ta bienveillance, toujours au rendez-vous. Ça fait trop Visage plaisir Chloé souriant. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup pour le sixième mois d'abonnement, merci infiniment. Merci à tous, mais là vous abonnez en masse, mais merci infiniment. Merci JSAVM, merci infiniment pour ton prime, pour ton deuxième mois, ça fait trop plaisir. Merci et merci pour tout le travail que tu fais, NS. Tu es mon nuage de bonne humeur après les journées difficiles en ce moment. Continue, ne change rien, tu es parfaite. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir Dying Toobin. Merci infiniment pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à tous. Santé Lex Dabi. Santé. Alors, je crois que j'ai téléchargé. Il faut juste que je télécharge celui-là. Suivant, téléchargé. Mes kits sont téléchargés. Le tirage au sort est fermé. Je vais donc, on va retirer le giveaway. Là, c'est plus la peine du coup de participer. Je vais pouvoir enlever ça. Alors attendez, comment on fait pour retirer Clore le... Alors attendez, je vais retirer la récompense de chaîne, je crois qu'il faut que j'aille là. Gérer les récompenses. Giveaway, désactivé. Normalement, vous ne pourrez plus l'utiliser. Je vais pouvoir faire le tirage au sort. Merci beaucoup Jenny, merci infiniment pour ton prime. Bienvenue parmi nous, bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Et merci Kalan pour ton prime aussi, merci à tous. Bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue avec vos nouvelles émotes. Sachez que du coup, les points de chaîne, comment ça se gagne? C'est en restant sur les streams, vous n'êtes pas obligé de rester, vous n'êtes pas obligé d'être abonné ou quoi que ce soit. Mais en gros, vous gagnez des points de chaîne, vous gagnez des points de chaîne de manière générale quand vous êtes sur un stream, quand vous êtes là, quand vous regardez le stream, vous en gagnez. Typiquement, quand je regarde un stream sur lequel je parle pas, bah, j'ai plein de points de chaîne qui s'accumulent. Si vous parlez dans le chat, ça vous permet d'avoir normalement plus rapidement des points de chaîne parce que plus vous parlez dans un chat et plus vous en gagnez. Et les abonnements peuvent permettre d'en avoir plus, mais c'est pas grâce aux abonnements que vous avez des points de chaîne, mais vous pouvez en gagner plus parce qu'il y a un petit multiplicateur qui vient s'ajouter aux abonnements, c'est-à-dire que si vous avez un abonnement niveau 1, je crois que vous avez les points de chaîne qui se multiplient fois 1,5 ou fois 2 qui se gagnent, en fait, plus vous restez sur un stream avec un abonnement, et plus vous avez de points de chaîne, ça se gagne un petit peu plus. Si jamais vous avez un abonnement tiers 2, ça se multiplie à 1,2, voilà. Si vous avez un abonnement tiers 2, ça se multiplie encore plus, et si vous avez un abonnement tiers 3, ça se multiplie encore plus. Les abonnements tiers 1, tiers 2, tiers 3, quelles sont les différences? Vous débloquez différentes émotions. Bon, sur ma chaîne, là, je les ai pas encore les émotes, je les ai toutes commandées, donc elles arrivent bientôt. Mais vous débloquez différents types d'émotes en fonction du niveau d'abonnement que vous avez. Et en plus du niveau d'abonnement que vous avez, il y a aussi... en plus du niveau d'abonnement que vous avez, il y a aussi le fait que ça coûte plus cher forcément. L'abonnement tiers 1 il coûte 4,99. Prenez pas sur téléphone d'ailleurs vos abonnements, évitez parce que ça coûte vachement plus cher pour vous et au final moi il n'y a pas de différence. Mais en gros sur ordinateur c'est 4,99€, c'est en fait une taxe Apple ou une taxe Android qui est prise et c'est dommage sur téléphone. Du coup sur ordinateur c'est 4,99€, l'abonnement suivant le tiers 2 il est à 11,99€ si je me trompe pas et l'autre il est à 20,99€ je crois ou 19,99€. Ah oui, 3,99€, autant pour moi. 3,99€, donc c'est un abonnement d'un mois. Vous pouvez prendre des abonnements des mois d'avance, comme ce que vient de faire Vanilla. Merci beaucoup pour les 3 mois d'avance. Merci, merci. Et ça vous fait des réductions. Il y a aussi des mois où il y a des réductions sur les abonnements. Vous pouvez prendre des mois d'avance. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent, parce que c'est un revenu aussi supplémentaire pour les créateurs. Typiquement, c'est trop cool, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent. Sur ma chaîne, vous êtes nombreux à vous abonner par vous-même. Et par exemple, là sur Twitch en ce moment, si t'as 350 personnes,
personnes qui s'abonnent par elles-mêmes en payant, donc rien à voir avec le Prime pour le coup, en payant d'elles-mêmes et pas en ayant un abonnement offert, bah, ça permet de débloquer le 70-30, à savoir qu'il y a une répartition de l'argent qui est différente, où Twitch prend moins d'argent et en donne plus aux créateurs. Et on a réussi à débloquer ce palier, et tous les mois on arrive à débloquer ce palier, donc merci beaucoup parce que vous soutenez énormément, et il y a beaucoup de personnes individuelles en fait qui s'abonnent, et ça fait trop plaisir, vraiment, le collectif fonctionne trop bien, et du coup merci beaucoup, parce que c'est aussi grâce à ça que bah, je peux vous faire du contenu, je peux vous créer des vidéos, je peux vous faire des lives, parce que bah, vous êtes là de ce côté-là, et vous soutenez avec de l'argent, et vraiment merci beaucoup, et merci d'être là, même ceux qui ne peuvent pas soutenir avec de l'argent, il n'y a aucun souci, merci beaucoup à vous d'être là, et de faire vivre aussi les streams, même en parlant dans le chat, en étant là. Moi si j'étais toute seule en train de jouer, je peux le faire, hein. Je fais des vidéos, je veux dire, je sais ce que c'est, je peux être juste toute seule en train de parler, mais c'est vraiment grâce à vous que les streams sont là, et grâce à votre activité aussi dans le chat. Si jamais vous êtes par exemple, j'en sais rien, si vous étiez 500 sur un stream mais qu'il n'y avait personne qui parlait dans le chat, je me sentirais tellement seule, vous imaginez même pas à quel point. Donc vraiment merci à vous, merci infiniment, et du coup voilà, donc pour les points de chaîne c'est comme ça que ça peut se savoir. Vous avez aussi des prédictions, généralement quand je lance des prédictions pour savoir s'il va se passer quelque chose ou non au cours d'un live ou autre, vous prédisez des points de chaîne, c'est un peu comme si vous faisiez des jeux d'argent, sauf que c'est pas un argent que vous payez, vu que vous pouvez les avoir en restant sur un stream sans forcément besoin d'abonnement. Et du coup, vous pouvez dépenser des points de chaîne sur une prédiction, sur une possibilité, et à la fin, il y a un gagnant, et ce gagnant récupère tout l'argent qui a été, tous les points de chaîne, c'est pas de l'argent mais vous voyez, tous les points de chaîne qui ont été misés sont donc pour tous les gagnants et sont partagés entre les gagnants. Donc voilà, c'est aussi une manière de gagner des points de chaîne avec les prédictions, et du coup voilà, donc c'est cool. Et je suis trop contente qu'on puisse faire les giveaways avec les points de chaîne, franchement ça fait trop plaisir. Merci beaucoup encore une fois Dying to Bleed pour le deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Lex Dabi, je vais boire, santé. Junifer, merci pour ton Prime. Kalan, merci pour ton Prime, merci à toi aussi, merci beaucoup. Léane pour les 6 mois d'avance, merci beaucoup. Merci infiniment Meg, merci infiniment pour le cheer, beaucoup trop de flow. Il y a aussi les cheers que vous pouvez prendre, c'est en fait pareil, c'est de l'argent, donc vous payez des bits et vous les envoyez après au streamer. Et je vais vous débloquer toutes les émotes pour que vous puissiez débloquer aussi des émotes avec ça, ça va être trop bien. Et elles vont arriver du coup d'ici le mois prochain. Donc j'ai vraiment très très hâte de tout cela. Voilà. Merci beaucoup Saïka pour le 6e mois d'abonnement et Lumipom pour le 2e mois. Merci, merci, merci Vanilla pour les 3 mois d'avance. Et merci Arthur Nouille pour ton abonnement. Là c'est la première fois que tu discutes dans le chat, t'as ton abonnement qui suit, c'est incroyable. Merci beaucoup Arthur Nouille, merci infiniment. Et merci à tous, vraiment merci à tous, merci à tous pour votre soutien, que ce soit mental, que ce soit par votre présence, que ce soit par des abonnements, merci beaucoup, voilà. Voilà, merci beaucoup. Je voulais faire des mots interdits, mais les giveaways sont passés par là. En vrai, je trouve ça trop bien. C'était quoi le giveaway? C'était les nouveaux kits, et je vous ai aussi fait gagner un pack, enfin IE vous a aussi fait gagner du coup, un pack Sims 4 qui est alloué. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, tant que la collaboration commerciale est là, si vous n'êtes pas au courant, j'ai un code d'affiliation sur EA. Donc si jamais vous prenez un jeu sur EA App, ou si vous prenez un jeu sur Origin ou sur le site officiel des Sims, vous pouvez, au moment de payer, ajouter un code promotionnel. Le code promotionnel, c'est NS, deux lettres. Alors malheureusement, ça ne vous fait pas de promotion et pas de réduction à vous, mais il y a 5% du prix que vous payez et que vous auriez payé quoi qu'il arrive, qui est reversé au créateur que vous choisissez, parce qu'il y a pas mal de créateurs qui ont un code créateur maintenant. Donc si vous décidez de rentrer NS, bah, ça permettra qu'il y ait 5% du prix que vous payez qui soit reversé là-dedans, et c'est trop cool, et merci à tous ceux qui le feront, vraiment c'est trop bien. Et du coup je vous dis ça, il y a souvent des soldes sur EA, donc attendez plutôt les soldes de manière générale pour prendre des packs ou des kits. Je vous conseille, si vous n'avez pas trop les moyens, attendez les soldes, ils font toujours des grosses soldes, et c'est trop bien. Ouais, t'as raté le tirage au sort petit chat, mais parce que... Non, t'as pas raté le tirage au sort, pardon. On va faire le tirage donc. On est parti pour le tirage au sort. Qui aura le dernier kit à faire gagner? Attention, attention. Ce sera Maman Corn. Alors, nous avons donc Maman Corn. Est-ce que je dois te retrouver aussi? Maman, mais t'es juste là. Oh, t'es une des dernières personnes sur Xbox, Maman Corn. Une des dernières personnes à avoir participé, c'est fou. Oh, c'est trop stylé. Ok, Maman Corn juste ici. Join. Est-ce que sur Xbox, les codes viennent un petit peu plus doucement? Je ne sais pas. Bravo à toi, en tout cas. Félicitations, il y aura bientôt une émote pour fêter ça, ok? Alors, Xbox. Worldwide, next. Join.
Il n'est pas encore prêt. Généralement, ils mettent... je dirais qu'ils mettent 2 jours à envoyer le code. Du coup, Maman Corne, je te note. Je vais noter exactement ton pseudo. Tu sais quoi, je vais même t'envoyer peut-être un message. Je sais pas si je te l'envoie maintenant. Parce que je pense que je vais juste noter vraiment ton pseudo mot pour mot. Enfin, tirer pour tirer. Maman Corne, tout simplement. Maman Corne. Giveaway. Je te note. Le code est pas encore prêt du coup pour les consoles, mais je te l'envoie dès qu'il me le partage, je te l'envoie. Voilà, c'est une promesse que je te fais. Surveille tes messages Twitch, et de toute manière, je te préviendrai au prochain stream si c'est tout bon. Voilà! J'espère que ça vous aura plu ce petit fonctionnement. En tout cas, moi, je suis très contente, je vous l'avoue. Je suis très contente qu'on puisse faire ça comme ça. J'ai tout installé, moi, normalement, de mon côté. Donc, je vais pouvoir relancer mon jeu. Et comme ça, on est tout bon. Ça nous aura fait patienter pendant tout ça, au moins. C'est l'avantage. Coucou, du coup, Tanae. Salut, Katia. Coucou, Avacine Angel. Justine Coquillette. Coucou, Lulu, la grosse fourmi. Actinidia. Actinidia, c'est pas l'arbre qui fait... Attends, c'est l'arbre qui fait des kiwis, l'Actinidia, non? Bienvenue dans le chat, coucou, 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 salut, Marie Pix et coucou... Non, l'Actinidia, c'est un autre. C'est ça ou pas? C'est peut-être pas les kiwis. Si, c'est ça! Oh! Oh là là, je suis trop forte! Salut, du coup, coucou, 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 Marie Pix, bienvenue dans le chat et coucou, Rim, salut, Aurore! Coucou, Garance officielle! On peut vérifier son adresse mail sur Twitch, mais normalement ton adresse mail est vérifiée, sinon tu pourrais pas parler dans mon chat, hein. C'est l'arbre à Actinidia, c'est pas le kiwitier qui fait des kiwis, non, c'est l'Actinidia, voilà, vous le saurez. Je me fais spoiler par le chat, ça apparaît avant ce qui se passe, sur l'écran, je crois que je vais pas le regarder quand on sera avec Lola. Tu te fais spoiler sur le chat de... Ah, de ce que je dis! Essaye d'actualiser la page peut-être, merci beaucoup Yukodina pour ton 19e mois d'abonnement, merci infiniment! Merci, merci, je suis amoureuse du Kid Ghost, je l'adore. Écoutez, on va regarder un petit peu, juste au moins les images qu'il nous propose. Mais je pense pas qu'on va construire quoi que ce soit parce qu'on sait exactement où on va déménager. À moins qu'on ait un relooking à faire, on ne testera pas tout de suite le kit. Mais voilà quoi, les kiwis c'est des fleurs à la base, bah c'est un fruit quoi. Coucou Elsa la Rosta et salut Manon. Coucou Lumipom et salut Reim, Frozen Chaos, merci beaucoup pour le follow, Emily, merci encore pour ton prime, coucou Mao Panda, Raton Laveur, Mezza Mezza, Allison, Eilatana, Marmag, Bramble Roses, CC27, Gwookitech, Jojo Lune, coucou Chloé, salut Mikili, salut Penjam, Val07L, coucou Indiana Jones, je viens d'avoir une play, j'hésite à participer, bah tu aurais pu, bah la prochaine fois peut-être, la prochaine fois, merci beaucoup Utopia pour le prime, bienvenue parmi nous, et coucou Kali, salut Lisa Kimchou, 5e compte. Salut Blue, coucou Zazao, merci encore pour le 2e mois d'abonnement, coucou GG, merci pour ton follow, salut Luluxa, Clémence, Miss Rebi, Isio, Mayline, Malo, MPF 1994, Jisa, merci encore pour ton 2e mois d'abonnement, coucou Emma, Isio, Sirzeli, Oniko Kiko, Jennifer Lm, merci beaucoup pour ton prime encore une fois, et coucou Caméléon, Lucie, le Pikachu fou, salut Jade, coucou Saika, merci encore pour ton 6e mois d'abonnement, je remercie tout le monde à nouveau, coucou Alix, salut Joanne, coucou Angel, Angeles, Lrl, merci beaucoup pour le follow, coucou Moka, Melissa Moussa, Melina, Alio plutôt, je viens de sortir d'une séance Mario Kart avec mon copain, j'ai perdu, oh non, coucou Buildup, merci beaucoup pour le follow, et salut Nonokar, grrr. Coucou Lorisen, salut Bibi Lapinquois, et coucou Josiane, Milef, coucou moi, 990, et salut Yutoda, merci beaucoup Yukudine encore une fois pour le 19e mois d'abonnement, coucou Ilana, ce n'est pas du tout fini, on commence à peine, enfin on commence depuis 1h27, mais là on va se lancer dans le jeu, ne vous en faites pas, merci encore, merci tout simplement, Alice Naïve, merci infiniment pour l'abonnement, bienvenue parmi nous, bienvenue, bienvenue, ça y est, j'ai enfin vu la coquille. J'ai un Actinidia chez moi, il a mis des années avant de faire des kiwis, quasi 10 ans, et cette année il en a enfin fait, ils sont incroyablement bons. Oh, mais trop bien, j'adore les kiwis, j'aimerais trop en avoir dans mon jardin, ce serait incroyable. Coucou Letty. Et merci du coup à Alice Naïve pour l'abonnement, coucou Iorael. Et salut Thomas, bienvenue, merci pour ton follow, merci Maëlys pour le follow aussi, coucou Mister Pistou, j'analyse. Peut-être que tu n'es pas commencé à jouer, je viens de rentrer de l'escalade, c'est parfait. Coucou le farmer, salut Belinda Leslie. Ça va très bien et toi? Coucou Ali Lyon. Pour une fois que je suis à l'heure pour regarder Lola en live et nous en rediff. Ah, oh, mais c'est trop cool. Coucou, petite lune.
C'est plutôt décevant. C'est quoi qui est plutôt décevant? Flûte. J'ai regardé de loin ce qu'il y avait dans le kit médiéval. Franchement, c'est pas foufou, trois fenêtres qui se battent en duel. Moi, j'étais pas non plus hyper fan de base. C'est pour ça que je les ai même pas installés encore. Coucou Alio. Mais du coup, j'ai le petit collaboration commerciale parce que je suis en train de récupérer un petit peu tout. Et du coup, bien sûr, ces kits m'ont été offerts par Electronic Arts. Et merci beaucoup Alio du coup pour le 4e mois d'abonnement et les 3 mois d'avance, c'est beau. Merci infiniment. Je vais clore le tirage. Oui, la liste des participants sera partie, c'est parfait. Coucou Tonyox. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma copine Chloé qui est fan de toi. Joyeux anniversaire Chloé. Joyeux anniversaire à toi. Coucou Perséphoneis. Merci pour ton 3e mois d'abonnement. Merci, merci. Tu es la première créatrice de contenu Sims que j'ai découvert et maintenant j'essaie de suivre le plus régulièrement tes lives. Ta personnalité solaire est une bouffée d'air frais à chaque vidéo et live. Merci, ça fait trop plaisir, Perséphoneis. Merci infiniment pour ton 3e mois d'abonnement et pour ton doux message. Merci, merci. L'arbre est trop beau, en plus, une plante grimpante sur notre mur. C'est trop cool, les oiseaux adorent se cacher dedans quand on passe devant, ils s'envolent. Mais c'est trop stylé, franchement, voilà, je veux cet arbre dans mon jardin. Je vous promets qu'on se retrouve juste pour regarder les petits... voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Ou. Donc on a juste ici, c'est des images qu'on a déjà vues dans les leaks hein, pour les châteaux médiévaux. Moi je trouve que ça ressemble trop à DCC Alpha malheureusement. Coucou Sev, merci beaucoup pour ton prime, bienvenue parmi nous. Très gosse cet écran de ouf. Merci beaucoup Sev pour ton prime. Merci, merci. Donc on a ça. Et au niveau du kit style gothique, sombre et original, la variété n'est pas toujours une question de couleur. Je trouve pas que ce soit un style gothique. J'ai plus l'impression que c'est un style... alternatif slash punk. Je sais pas. Mais bon. Je sais pas. Mais pas forcément gothique non plus. Et je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que les textures elles sont un peu cheloues. Mais bon, bref. De toute façon, on va pas regarder ça. Alors attendez 2 secondes. Je vais revenir par là. Je vais pas vous spoiler quoi que ce soit parce que là, mon écran de chargement de mon jeu, il est tellement spoilant du dernier foyer joué. Vous le savez. Si vous avez regardé le dernier épisode, vous savez. Vie parfaite, Lola, on va jouer. Merci beaucoup Ilan pour ton 7e mois d'abonnement, merci merci, et merci beaucoup Lorraine Ned pour le 5e mois d'abonnement, merci à tous, merci infiniment. Non c'est pas, c'est... Lucie ne spoil rien du tout, hein. Lucie ne spoil rien du tout, Lucie c'est juste son relooking mais elle ne spoil rien. Alors voyons voir, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie ce matin quand on finira ce live si vous voulez. Je vais juste charger la partie et je vous remets dans le jeu, hop là. On est tout bon. Tiens, tiens, tiens. Coucou Apollina Lips. Et salut, du coup, Nao. J'ai loupé beaucoup, on vient juste de rentrer dans le jeu. Coucou Eva. Je vais pouvoir retirer d'ailleurs, attendez. Oups là. Gora, 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 quoi? Gora quoi? Agoraphobe? Toi? Peut-être, si tu... Oh non, j'ai le MCC qui est installé. Ça m'a fait bugger mon cerveau de ouf. C'est la musique du machinima que j'ai eu dans la tête toute la semaine. J'étais en mode, mais j'ai pas lancé la vidéo là. J'ai pas lancé la vidéo, la vidéo. Tu lances? Si, je vais lancer sur TikTok. Mais attendez, en fait, je vais devoir quitter le jeu. Et ce live, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée, hein. Pauline au bois dormant, on la retrouve. Je suis désolée, il faut juste que je retire le MCC de mon jeu. Donc je quitte le jeu, je retire le MCC, c'est tout bon. Il me saoule le MCC. Voilà. Je boude le MCC. En plus, le MCC n'est même pas à jour, donc si vous avez des bugs, c'est peut-être à cause de ça. Ils l'ont toujours pas mis à jour parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir avec, les nouveaux appartements. Ils sont sûrement en train de faire un truc bête de complet. Mais. Alors, voyons voir. Mais voilà, il est pas à jour. MCC, tac, je vais pouvoir le mettre sur mon bureau. Tu dégages. Tu dégages. Ouais. Là, on est bien. Là, on est bien. Ouais, je l'avais dans la vidéo de ce matin, parce qu'en fait j'ai oublié de l'enlever après le machinima, mais il m'a servi vraiment juste à ça. Il m'a servi que pour le machinima, et c'est tout. Parce que, mais enfin oui, j'ai oublié de l'enlever, ça me saoule. Je le dis dans la vidéo, mais j'ai enlevé le moment où je le disais dans la vidéo, parce que j'étais en mode, vas-y, on s'en fout, j'ai envie que la vidéo, elle, ce soit pas trop des trucs externes, mais qu'on soit plus vraiment dans le gameplay. Donc au final, je l'ai pas mis. Mais ouais. Voilà. Coucou Bye Marilyn, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement, merci infiniment. Merci à tous, vraiment, merci beaucoup du soutien.
Lola va déménager où? Ah ah! Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez déjà où elle va déménager, Lila! Lila? C'est qui Lila? C'est qui Lila? Mais attendez, mais c'est même pas cette musique en plus que j'ai utilisée pour le machinima. Pourquoi alors elle me fait penser à elle? Ah, mais parce que j'ai hésité à mettre elle ou l'autre, je crois. Bref, c'est pas grave. Voyons voir. Je vais charger la partie du coup. Lila Bergeron, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Peut-être le prochain bébé. C'est elle. Je me trompe, mais ça ne va pas du tout. On va lancer, TikTok juste après. Je veux d'abord préparer. Le son est si fort! Waouh! Vous savez ce qu'on va faire? Je vais juste mettre en x3 avant de lancer TikTok. On va préparer la partie en faisant passer le temps pour que... Non mais je vous jure, elle n'arrête pas de tomber par terre et de s'endormir. Je veux juste qu'elle dorme un peu. Vous pourriez la mettre en veilleuse? Allez, on va lancer TikTok. On va lancer TikTok, démarrer le live. Voilà. Ça commence bien. Ça commence très bien. Je vais vous faire un petit récap avant de commencer l'épisode. Déjà, ici, nous avons Yumi. Yumi, vraiment, c'est la famille des relous. Yumi, Lou, ils viennent toujours nous dire « Eh, vous faites trop de bruit !» Alors que, genre, tout le monde dort. Elle était en train de dormir aussi, elle a juste tiré la chasse. Comment ça, elle nous dit qu'on peut faire moins de bruit? Non mais on se fout de ma gueule, vraiment on se fout de ma gueule. Il y a juste elle qui vient de tomber par terre. Non mais excusez-nous, elle vient de s'évanouir et commence à faire moins de bruit. Et du coup, on a 3 enfants avec Lola, si vous ne vous souvenez pas. Nous avons donc Pauline au bois dormant qui n'arrête pas de dormir tout le temps parce qu'elle ne sait pas dormir dans son lit, donc elle s'évanouit en permanence. Elle ressemble à ça, elle est beaucoup trop belle franchement. Elle ressemble un peu, je trouve, à Marion Caméléon. Et donc après, on a nos jumeaux. Juste ici, nous avons Chris. Non, c'est Benjamin. Non, c'est Chris. Ouais, c'est Chris. Donc on a Chris juste ici, ils sont différenciables par leur coupe de cheveux et leur style. Chris de ce côté-ci et Benjamin juste à ce niveau-là, vous verrez. Attends, lui, il a toujours la haine du monde dans le regard, c'est un truc de malade. Donc voilà, cette coiffure, elle vient avec le kit en plein air. La coiffure du coup de Chris, elle vient avec le jeu de base. Et voilà, si vous vous demandez. Et la coiffure de Lola vient aussi avec le jeu de base. Celle de Benjamin, quand il n'a pas le petit chapeau sur la tête, le petit bonnet de nuit, elle vient, il me semble, avec Escapade enneigée. Et voilà. Voilà, il a l'air en colère. Il est toujours en colère. Vraiment, c'est un truc de ouf. Coucou Justine, salut Anna Kerman et salut Julianne. Merci Julien beaucoup Julien pour le tir. Salut NS, comment tu vas? Ça va et toi? Moi ça va, j'ai fait une grasse mat. Sinon j'adore votre première vidéo avec Lucas, j'ai bien rigolé. Ça fait trop plaisir Julien, merci beaucoup pour le tir et pour le message. Et ben c'est trop cool si t'as fait une grasse mat. Moi aussi un petit peu j'avoue. Je me suis réveillée à 10h05, j'ai dû prendre un médicament et du coup après je suis restée au lit jusqu'à 11h et quelques. Coucou Marie et Gabriel et salut Julien du coup, coucou Med. J'ai au moins 2 épisodes de retard sur le Let's Play Génération, je suis perdue là. Mais il faut les regarder. Il faut les regarder tout simplement. Coucou Afferlog, salut Poupib, j'espère que vous allez bien. Voilà. Du coup, je vous propose... Alors, attendez, je vous propose qu'on laisse passer un petit peu le temps. Bonjour TikTok, ça va très bien et toi? Personne dont je ne vois pas le pseudo parce qu'il est écrit d'une autre couleur. Merci beaucoup Laura pour ton prime, bienvenue parmi nous. Merci, merci. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est un cheer et un prime? Un cheer, c'est... Tu dépenses de l'argent, en fait, pour avoir une monnaie virtuelle, la monnaie de Twitch, et tu peux l'envoyer au streamer pour lui envoyer de l'argent. Et le prime, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez relier votre compte Twitch et votre compte Amazon Prime pour pouvoir avoir un abonnement gratuit, le prime, donc, et le lâcher tous les mois chez un streamer de votre choix. Il ne se renouvelle pas automatiquement, donc il faut le relâcher tous les mois si jamais vous voulez chez un même streamer ou c'est chez d'autres streamers, peu importe. Vous pouvez le changer à chaque fois. Et ça permet... En fait, c'est Twitch, Amazon, qui donne l'argent de l'abonnement à Twitch. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, si vous voulez tout savoir, nous, on va pouvoir accélérer un petit peu pour que tout le monde dort. Il est actuellement samedi, si on regarde un petit peu au niveau... Oh putain, mais elle s'endort encore, je vous jure, c'est pas possible. Actuellement, on est jour fin de l'été, et après, on passera en automne. Oh ! Mais elle vieillit aujourd'hui, Lola ! Elle devient adulte ! Grandir ensemble, mon pack préféré entre Alloué, Grandir ensemble et Année lycée. Non mais attendez, c'est ouf, non? C'est un truc de malade. Adulte seulement? Ah oui, adulte, attendez, elle est jeune adulte. Non, c'est vrai qu'en soi, elle a fait plein de trucs dans sa vie de jeune adulte. Quelle mauvaise voisine, vous venez de faire une grosse... Je dors! Qu'est-ce que tu veux me faire chier là? Tout le monde est en train de dormir en PLS évanoui ou dans son lit. Elle me saoule, je vous jure, elle me saoule. Déjà, ben, en même temps, avec une enfant ado, logique... Bah oui, de ouf, c'est vrai. C'est vrai, parce que là, au final, sa fille, c'est comme si elle avait quoi, 15 ans 16 ans? Donc, elle a eu sa fille peut-être à 20 ans? Non, remarquez, elle est toujours jeune adulte, là. Hein.
Adulte, pour moi, c'est à partir de, je dirais, 40 ans dans les Sims. C'est de 40 à 60 ans, adulte. Et ouais, mais non, mais même pas. En fait, il manque des stades de vie, ok. Il manque un stade de vie. Le stade de vie pré-ado, il le manque, ok, c'est sûr. Mais après le stade de vie pré-ado, il manquerait peut-être, vous voyez, un âge entre personne âgée ou après personne âgée. Un âge avant personne âgée et un stade après personne âgée. Ce serait bien ça, hein. On est en mode de vie court, toujours. Toujours en mode de vie court, mais au final, vu que je prends plus le temps de jouer en live et qu'il y a moins de temps qui passe parce que on est vraiment ensemble. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Elle est endeuillée pendant 3 jours. Qui est mort? Tout le monde, mais qui? Attendez, Lou. Oh, notre ennemie est morte. Elle est morte. On s'est battu avec elle la dernière fois. J'aime pas les modes. J'aime pas jouer avec des modes, donc j'en sais. Mais attendez, Lou. Lou est morte. Non mais attends, ça se fête. Elle est morte. Mais c'est incroyable, c'est pour ça que c'est pas elle qui est venue nous faire chier en fait. C'est pour ça, merci beaucoup Cassandra Raphaël. Bonjour pour le 11e mois d'abonnement. Non, c'est pas pour elle qu'elle est triste, je pense. Même si ça fait plusieurs années que je te suis sur YouTube. Continue d'être comme tu es, tes vidéos et ta façon de jouer m'inspire NSXcoeur. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup Cassandra, merci infiniment. Merci, merci, merci pour ton 11e mois d'abonnement. Non. Mel, tu arrêtes avec cet emoji, là, ton petit chapeau. Tu mets mes émotes, d'accord? Ok, Mel? Oh, alors, hein? Tu fais 3 clics pour les mettre autant que quand tu mets cet emoji. Alors là, voilà, hein? Alors attendez voir, parce que du coup, j'aimerais voir qui est mort. Toi, t'es pas notre pote. Darling, c'était pas vraiment notre pote. Oh, c'est Luna. Mais tout le monde meurt. Luna, elle est morte. Notre ennemie ici, elle est morte depuis longtemps. Non, je crois que c'est Luna, hein. Luna est morte. Mais attendez, mais il y a tout le monde qui meurt. Mais je ne comprends pas, bougez pas. Vous savez quoi? Oh, on a du courrier, trop bien. J'aimerais regarder... on va trier le courrier indésirable d'abord, et après on va prendre le courrier. J'aimerais afficher, non, consulter les histoires de quartier. Le foyer pasteur, on s'en fout. Je vais en faire plusieurs fois, et comme ça on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la partie de mes Sims, pendant que moi, je jouais que avec Lola. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, Enfordon Bagley, pasteur a adopté un chien. Elisa et Bob attendent un bébé. Lucia et Matteo du foyer Markovic ont eu un bébé. Laurent a adopté un chien. Lou Howell du foyer Cro Sauvage a commencé à travailler. On s'en fout. Darling Walsh est morte. Elle a ri. Elle a... Attends, quoi? Elle a ri pour la dernière fois. Oh non, c'est la pire mort. Elle est morte de rire. Elle est... Camilla de la Vega du foyer de la Vega est morte. Elle a mis le doigt dans une prise et en a sorti de il en a sorti de l'électricité. Oh non! Isma Brami, du foyer Brami, est morte. Elle a été prise en grippe par un lapin. Luna Villarreal est morte. Elle a glissé en faisant de l'escalade et est tombée de haut. Notre amie de lycée, une de nos meilleures potes de notre groupe de potes, est morte en glissant d'une falaise. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans un immeuble du quartier des Arts. Quartier des Arts ici, et on a ajouté des petites fenêtres. Regardez, ça fonctionne bien vu que c'est l'avant-dernier étage. Il y a un petit flow sympathique, et je pense que je vais faire ça dans ma sauvegarde aussi pour ajouter pas mal de lumière en plus. Et je vais très probablement aussi modifier quelques petites choses par ici également. Voilà, comme ça, ce sera sympa. Et on aura plus de fenêtres. Mais attendez, mais c'est ouf! C'est ouf! C'est mieux ou pas que de glisser dans la douche? C'est moins bien parce que là tu meurs, tu vois. C'est peut-être pas le mieux non plus. Mon rip il est passé où? Sache. Putain mais arrête de chialer toi. Arrête de chialer, je vais réparer ta maison. Sache que ton rip a été remplacé par Evie hier et qu'elle n'a même pas pris la peine de le re-remplacer. Je dis ça. Voilà. Donc il va falloir que tu le refasses, Elodie, parce que moi j'aimais beaucoup ton rip. Ok. Evie, maintenant, tu as des comptes à rendre à Elodie, ok? Coucou Edfinex, salut Axel, Marina, Jade, Ilana, oui c'est ça, merci beaucoup pour les follow, merci infiniment. Et salut sur TikTok, ton personnage est enceinte? Non, elle n'est pas enceinte. L'esprit de Lily est en train de disparaître. Chez! C'est tout ce qu'on a besoin de dire. Oh, j'ai cru qu'elle allait donner un coup de... Illusion parfaite là, hein. Allez hop, ça va te remettre les idées en place mon fils. Boum boum. Bon c'est vraiment vide là-dedans, hein.
sonne creux de ouf. Ça m'a fait trop peur. Ça m'a fait tellement peur. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vas-y, dis-moi. Allez, vous avez un choix à prendre. J'ai reçu un cadeau que je trouve nul. Est-ce que ça nous étonne venant de Benjamin? J'ai envie de l'échanger avec un ami ou de le ramener au magasin. Est-ce que je peux faire ça? Petit 1, ce cadeau est pour toi, fais preuve de gratitude. Petit 2, bien sûr, donne-le à quelqu'un d'autre. Petit 3, d'accord, ramenons-le au magasin. Qu'est-ce que Lola conseillerait à Chris, à Benjamin, pardon, qui n'a pas aimé son cadeau? 1, 2 ou 3? Vous pouvez voter sur TikTok aussi. Merci beaucoup d'ailleurs, les personnes d'être là sur TikTok. Coucou, elle, ça va très bien et toi? Et ça va très bien et toi, Tintin? Alors, vous avez plutôt tendance... 3 ou 2? Oh, vous hésitez entre 3 et 2? Wow! 2, 3, 2. 2, le 2 est plus que le 3 quand même. Hein. Le 2 est plus que le 3. Vous voulez qu'il le donne à quelqu'un d'autre? Oui, parce que le ramener au magasin, c'est pas forcément bien. On sait pas ce que le magasin peut en faire. Hein. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Allez, on part sur 2. L'empathie augmente, les manières diminuent. Waouh! Ok, alors attends. On va se renseigner sur l'école. Ça se passe bien, l'école? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Admirer. Non, non, t'admires pas ton chevalet. Tu vas. Mais. Parler d'art. Vas-y, va parler d'art à ton fils. Nuage nocif, pète-lui dessus. Ça fait toujours plaisir. Il est hébété. Elle est où la moisissure? Elle est où la moisissure? Elle est pas ici, on est d'accord? Elle est pas là, ok. Elle est pas ici, elle est pas là. Elle est pas là non plus. Oh putain, y a pas de moisissure là, on est d'accord hein. Y a de la moisissure, vous l'avez vu? Vous l'avez vu ou pas? Vider la lessive, mettre au sèche-linge, propre et humide. Ici y a quoi? C'est tout bon. On va pouvoir faire un petit peu les machines pour une fois, comme ça elle sera contente. Allez, on y va. On peut mettre ça là-haut. On va assécher le linge par ici. On va aussi venir déjà se changer de tenue. Changer de tenue. Hop, tu vas pouvoir te mettre en quotidien. Voilà, normalement au niveau... Mais pourquoi mon jeu, il bug? Eh oh! Tu arrêtes, hein! Sachant que le jeu, en ce moment, il bug pas mal. Et il quitte au dernier moment. Je vais quand même sauvegarder. Merci beaucoup, Kittissimi. Je sais pas si je t'ai remercié pour ton 16e mois d'abonnement. Mais merci infiniment. On va pouvoir fouiller les poches ici et faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Ça fait plaisir, quoi! Allez, incroyable. Merci beaucoup, Evie. Merci beaucoup, Elodie, pas Evie. Parfois, la moisissure se cache sous des meubles. Après, il est peut-être hébété pour autre chose, hein. Non, 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 c'est ça, sporéose. Peut-être qu'il a toujours eu la sporéose, après, hein. On va espérer qu'il ait toujours eu la sporéose. On va demander ce qu'il pense le cube du futur. Est-ce que mon fils, il a toujours eu la sporéose? Poser une question. Vas-y, dis-moi tout, s'il te plaît. Par contre, elle est très triste, va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, Lola. Laver le linge, il faut que tu fasses ça aussi, parce qu'une fois que t'as mis ça dans la lessive, le mieux c'est de s'occuper de tout le reste. Allez, mademoiselle! Alors? Est-ce qu'il a la sporéose depuis toujours? Eh bien, vous allez en payer une bonne tranche! Comment on interprète ça? On va lui apprendre la responsabilité à notre fils, on va aussi l'inciter à aller se laver, parce que là ça va pas du tout. Aider à satisfaire les besoins, inciter à, obliger à. On va l'obliger à prendre une douche parce qu'il pue le mort, c'est un enfer. Plus de choix, est-ce que tu peux prendre une douche? Oui. Voilà, tu vas faire ça, parce que là ça ne va pas du tout, hein, c'est un enfer. Mais pourquoi t'as pas fait ça, Lola? Lola, je te demande de laver le linge, pas de juste être devant ta machine. C'est terrible. Coucou Dorian Brûl. Ah trop cool, salut Marion Titi, merci beaucoup pour le follow. Et coucou, du coup, Cassandra et Raphaël, merci encore pour le 11e mois. Coucou Cindy, bzz, salut. Tiffany, il se prennent la tête. Allez, va prendre une douche. Allez. Lola, sois pas sur ton téléphone, s'il te plaît. Lola. Coucou Tiffany, merci pour le follow, salut. Moss. Elle est pas morte la semaine dernière? Peut-être que c'était la semaine dernière, ouais. Coucou, everybody, mais il me semble que le dernier message était maintenant, donc je sais pas trop. Lola, est-ce que tu peux... Oh, elle est en adoration. Pourquoi mes actions ne se font pas comme je veux? Discuter des jouets. Non, 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 non. C'est pas lui qui décide. Tu vas prendre une douche maintenant et t'essayes pas de faire passer les trucs pour plus important avant. Tu pues, là, c'est horrible. Il y a un nuage vert qui se dégage de toi. C'est un enfer. Sentez les Capri. Pardon? Et santé une deuxième fois? Ça va très bien et toi, Inalem, comment tu vas? Non mais quel enfer! Va prendre une douche! Allez! Et tu te dépêches? Il y est pas allé ou je rêve? Il en a rien à foutre? Oh non. Oh non. C'est depuis que tu lui as pété dessus qui pue! Quel enfer! Ah, je supporte pas que les Sims soient en train...
On s'en fout. C'est bon, on s'en fout. Là. Une fois que t'es dans la salle de bain, lance la machine, tu vois. C'est bon. Allez, hop. En plus, il y a leur linge qui pue, là. C'est un enfer. Vraiment un enfer. Le divertissement, ça va pas du tout. On est samedi, c'est la fin de l'été. Et si... Oh putain. Il pète encore. Non mais c'est un enfer ce gamin. C'est un enfer. Je vous propose qu'on amène... Oh, je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Que faire? C'est pas grave, exagère pas. Mets un peu de maquillage ou cache-toi. Un, deux ou trois. Dites-moi tout. Coucou Moss, du coup, salut everybody. Salut Kittissimi, merci encore pour le 16e mois d'abonnement. Coucou Caro 23. Merci beaucoup pour le follow. Deux. Vous avez plutôt tendance à dire deux. Ok, très bien. Ok, ok. Coucou Nevermind. T'as rien raté, t'inquiète pas. Coucou Lala. Et oui, c'est trop cool. Coucou Danou, Danette, Honora, Louane, Adima. J'espère que vous allez bien. Coucou Lucide. Bienvenue dans le chat. Bienvenue aussi Mathis. Coucou Laurie. Salut Amanda Chan. Salut Mina. Juts. Ju. Élise Odd, vous avez tendance à voter deux. Coucou Naëlicio. Salut Eno. Coucou Tiju. J'espère que tu vas bien. Allez, parfait. Bah, peut-être à tout à l'heure. Coucou Naoshi. Les bugs en ce moment, c'est infernal, je peux plus aller au restaurant ou au bar et pourtant j'ai retiré tout. C'est trop chiant ça. Coucou Lina, salut Einalem, coucou Siri. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Salut Christine. Merci beaucoup, elle est trop belle. Mais oui, elle est trop belle en plus Pauline. Merci beaucoup pour le 19e mois d'abonnement, merci infiniment. Mets un peu de maquillage. Allez hop, en plus elle en a déjà du maquillage. Elle est incroyable, merci infiniment Christine. Merci beaucoup pour ton 19e mois. Alors, ce que je vous propose donc qu'on fasse, c'est que... Alors, prendre et emmener le linge, propre, sec et chaud. On va prendre et emmener le linge. Le courrier a été distribué, je crois qu'on a les factures. Niveau 9 de la compétence éducation, c'est beau! Regardez le linge tourner. Alors, pas vraiment, on va finir les tâches ménagères. Prendre le courrier ici aussi. Je sais pas ce qu'on avait tout à l'heure, sûrement des jouets. Regardez tous les jouets qu'on a. On va pouvoir les donner à nos enfants. Est-ce qu'on a un coffre à jouer? Ouais, on va mettre donc tous les jouets par ici. De ce côté-ci, à ce niveau-là. Oh, ils jouent aux billes! Mais c'était trop stylé! Du coup, on a eu plein de jouets. On va pouvoir faire ça comme ça. Et elle a pris quoi, là, dans la boîte aux lettres? Ah, c'était un énorme trilobit. Ok, je crois qu'on en a déjà un. Hein. Ouais, juste ici. Faudrait qu'on le vende, mais en même temps, je pense qu'elle vendrait rien, Lola. Donc, je sais pas si j'ai envie de lui faire vendre. D'ailleurs, quand on va devoir emménager avec Malcolm, ça va être sympa, le style de la maison avec tous les meubles de Lola. En tout cas, non, tu ne vas pas pleurer. Aujourd'hui, c'est la fin de l'été, je vous disais tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller à la piscine municipale, peut-être de Windenburg. Je me dis que ça pourrait être trop stylé de pouvoir aller à la piscine pour profiter un petit peu des attractions. Et donc, ça nous permettrait de changer un petit peu d'endroit. C'est pas sans Maishuno que je veux aller, c'est à Windenburg. Ça nous permettrait de changer un petit peu d'endroit. Ah oui, j'ai un mot interdit, tu. Alors attendez, il faut que je le fasse. Slash timer start. Hop là. Et je ne peux plus dire ce mot. Pendant. Voilà. Voilà. Lola. Carrément, ami. Lola. Il n'y a pas une piscine, chez Malcolm. Oh, mais c'est vrai. Mais vous avez grave raison. Alors, on va aller chez Malcolm. J'ai l'impression de peser tous mes mots à chaque fois, c'est terrible. Donc, on va aller chez Malcolm. On va organiser un événement social. Se déplacer, ce n'est pas là. Ce n'est pas là non plus. Ce n'est pas là. Ni là. C'est où? Je sais pas où c'est. C'est vrai que je voulais faire ça la dernière fois, j'avais complètement zappé. Invité à venir sur le terrain actuel, organiser un événement social. C'est ça que nous voulons faire. Donc, nous allons organiser ce super événement social et ce sera parfait. Voilà, alors... Oh, elle est assortie à son téléphone, c'est incroyable. Oh, j'aime trop, c'est trop cool. Coucou Mephisto Juno, Madison, Black Butler, Florana, Jade, Clo, Aspela, Btix, bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Christine Sims, merci encore pour le 19e mois d'abonnement. Coucou Docteur Mikan, Bijou. Mule, Lola lit dans l'au-delà, ma jolie Lola. C'est absolument ça. Coucou une fille rêveuse, salut Saliponio. Je viens de sortir du ciné, je suis allée voir Anatomie d'une chute. Ah, oh, je connais pas du tout. C'était bien? Coucou Vavatori, comment ça va? Quel joli look d'Italie. Quel joli look d'Italie lui a fait du bien. J'ai l'impression que je vais le dire, attendez. Arrêtez! Vous n'êtes pas très gentil d'essayer de me faire dire le mot interdit. Donc, nous allons aller. Pourquoi elle se colle autant alors qu'elle a un micro de studio? Pourquoi tu poses une question?
Alors que la réponse, elle est très vite répondue toute seule. Hein ? Hein ? J'ai dit, je l'ai dit, bordel de merde. Pourquoi tu poses une question comme ça ? Je me colle si je veux. En fait, maturité, t'es pas du tout mature d'abord. Pardon. Excuse-moi, je me suis emportée. je sais pas, parce que j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je préfère... tu vois, je préfère parler... je préfère ne pas parler comme ça et être loin de mon micro et du coup parler fort. Et je préfère du coup parler comme ça à côté de mon micro, en fait, tout simplement. Parce que du coup, ça fait moins d'écho et je trouve ça plus joli. Parce que ça sature... Ça arrive, ouais, parfois que ça sature la maturité. Ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Faut baisser le son et c'est tout, hein. Dans leur inventaire, dès qu'il y en a un à faire, tu le places dans le monde. Le projet scolaire ? Oui, ça, oui. J'ai perdu, oui, je sais que j'ai perdu. J'ai perdu tout à l'heure quand j'ai dit tu. Parce que je répondais à un message en plus. Rose et vert. Alors attendez, on va mettre tout ça comme ça avec ça en vert. Non, je suis merdée, attendez. Il faut lui mettre ça en vert aussi. Alors qu'est-ce que c'est mon gage ? Qu'est-ce que c'est mon gage, Fanny ? Dis-moi tout. Faites au bord de la piscine. On va tester de faire ça. Hôte. Moi. Invité. Alors, Malcolm. Et mes enfants. Benjamin. Chris. Pauline. Et c'est tout. On se fait une petite après-midi en famille. Enfin, future famille. Mixologue. On va prendre un mixologue aussi. Hop, je vais le mettre comme ça. Non. Gemma. Jay. Oh, on va prendre... Jay va mourir aujourd'hui, c'est sûr. On va faire ça comme ça. Hop. Et on fait ça. Boîte de nuit. Résidence Plénosas. Oh, parfait. C'est ce que je voulais faire la dernière fois et j'avais complètement zappé. Tout le monde aura plein d'idées, ouais, c'est sûr, Fanny. Fanny demande des idées de gage, n'hésitez pas à lui en proposer. Voilà. Pourquoi tu poses une question ? Mais oui, j'ai merdé ! Pourquoi Jay va mourir ? Parce qu'il est vieux. Les vieux, ça sait faire quoi par mourir ? Je ne sais pas. Oh, mais regardez, elles sont assorties ! Oh, il est trop content de nous voir ! Oh là là, remercié d'être là ! Oh, premier baiser, donc ça n'avait pas parlé de la température très chaude, ça n'avait pas compté comme premier baiser non plus. Mais oui, il pue mes gosses, je suis désolée ! Oh, mais les deux en plus, c'est un enfer ! Oh non, on va lui remercier d'être là chez lui, quoi. Socialiser en nageant, aller nager, se détendre sur un fauteuil flottant ou un fauteuil d'extérieur. Eh bien écoutez, je vous propose que nous allions tranquillement nager ici, nager avec Malcolm, Pauline, Chris et Benjamin. On va tous nager ensemble et on va tous faire un gros plouf dans la piscine. Ça va peut-être laver les gamins qui sont dégueulasses, quoi. Merci beaucoup Pupus pour le 4e mois d'abonnement. Super contente de fêter les 4 mois. Merci infiniment, merci. Coucou Yukokoko et salut Tsuki. Coucou Ambre Lebourg, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Elle doit jouer debout sur un pied. Quoi ? Idée de gage. Ok, vous donnez des idées de gage. Fanny, je te laisse avoir un bébé. C'est pas... Non, ça, c'est pas un gage. Non. Les gages peuvent impacter le gameplay très légèrement, mais pas sur des décisions aussi grosses. J'ai dit que je voulais pas qu'elle ait d'autres bébés pour le moment, donc elle aura pas d'autres bébés pour le moment. En tant que jeune adulte, elle n'aura pas d'autres bébés. Peut-être quand les enfants seront très grands et on décidera d'en avoir un autre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Regardez, tout le monde y nage ! Et il passe sous le... Bon, ça, c'est, j'avoue, c'est la partie qui est un petit peu moins jojo. D'ailleurs, peut-être que je pourrais essayer de faire une forme à la piscine pour qu'ils évitent d'aller nager par là, parce que là, ça fait un peu bizarre. On est d'accord que ça fait un peu chaud. Oh non, ça fait un bug, les plafonds, ici. Oh, c'est dommage. Faudrait que j'essaye de faire ça différemment. Mais plutôt un gage sur moi que sur la partie, comme ça, ça permet de faire quelque chose d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Sauf quand on est dans le créer un sim où on peut mettre en noir et blanc et où c'est fun, des trucs comme ça. Mais des trucs sur la partie en soi, non, ça je les prends pas parce que c'est des gages qui sont censés durer 5 minutes. On va pas avoir un enfant 5 minutes pendant qu'elle est enceinte et après dire « Ah mais bon, c'est bon, l'enfant va à l'adoption !» Wouhou. Merci beaucoup Pupus pour le 4e mois d'abonnement encore une fois. Coucou Lena Sml. En idée de gage, peut-être placer des objets dans la future maison avec un style très différent, mettre 5 objets de Wickpack Batou. Dans la future... C'est elle, notre future maison. Voilà. On va conquérir le petit Malcolm. Et puis après, faudra qu'on ajoute, les affaires de Lola là-dedans. Voilà, tout simplement. Elle va aller pleurer dans un lit, pas du tout. Tu vas aller te réconforter en faisant quelque chose. Bien sûr que Pauline adore le fitness. C'est super. Continue à nager, toi. Faire des longueurs. Voilà, fais des longueurs. Profite d'être dans la piscine. Fais quelque chose, c'est toujours trop bien. Il faut que tu fasses quoi ? Socialiser en nageant. Ah oui, non, t'as pas fait ça. Alors attendez, nager avec. On va nager, donc tous ensemble. Et on va pouvoir venir mettre un petit peu de musique déjà, peut-être. Est-ce que j'ai mis de la musique ? Ah mais il y a un mixologue. Attendez, on va prendre une petite boisson aussi. Mais d'abord, il faut qu'on socialise en nageant. Alors, où il est, Malcolm ? Là. On va pouvoir venir obtenir un vote. Éclabousser, voilà. Éclabousser, ça pourrait être pas mal. On va aussi se plaindre de la météo. Non, on va remercier Malcolm. On va également pouvoir parler de mariage. Juste comme ça. Yannis est mort ou... Elle a super...
Personne ne voit tes larmes dans l'eau. Ne t'en fais pas, Lola. Ça devrait aller. Tout devrait très bien aller. En plus, les enfants, ils développent leurs compétences facultés motrices. Non, mais je comprends qu'elle pleure ici, par contre. Hein. Non, mais là, c'est... pas du tout angoissant. Vraiment pas du tout. Aucunement angoissant. Là, d'être ici... oh, ça, c'est vraiment ma hantise. Hein. Non, mais je vous le dis direct. D'être sous un truc comme ça, c'est ma hantise. Vraiment. C'est horrible. Jouer sans le clavier... oh. En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok. L'avantage... c'est que j'ai un clavier. Hop, qui sent la... qui sent... là, regardez. Il est là, le clavier, il est derrière. Vous pouvez le voir. Pas très pratique, hein. Si j'en ai besoin à un moment. Merci beaucoup, Unity Serenity, Serenity pardon, pour le deuxième mois d'abonnement. Merci, merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais pouvoir... comment je fais timer start? Sans clavier? Bon, bah, il n'y aura pas de timer. Minuteur, 5 minutes. C'est con! Ah! Vous aurez pas le timer sur la vidéo? C'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, je le fais avec ma montre, c'est pareil. Ah bah voilà. Coucou Grenouille! Salut Petit Penny! Coucou Spirula! Et salut Yulna! Ça m'est arrivé quand j'étais enfant dans un lac, c'était terrifiant. C'est horrible, hein! Moi, une fois, j'étais à la piscine là pour faire les épreuves. Non, Lola! Arrête! Mais en même temps, t'as besoin de plus être très triste. Tu veux pas te détendre? Y a pas de flotteur, malheureusement. On va se faire un peu bronzer dans la tenue actuelle en maillot de bain. Non, t'es déjà en maillot de bain, donc tu vas te faire bronzer comme ça. Tu peux pas? Attends, tu peux sur celui-là, peut-être. Hop, se faire bronzer dans la tenue actuelle. C'est bon, tu peux? Ouais. Donc, ce que je disais. Si je peux cliquer sur play, donc c'est bon? Si, si, bien sûr, je clique. J'ai une souris quand même, je joue sans clavier, mais avec une souris. Mais oui, ce que je disais, c'était quoi? C'était que... bah, je sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh non. Coucou Mimi Lala, merci beaucoup pour le follow, salut Drew. Est-ce que ça fait wand quand on s'abonne? Quelle est la différence? Attends. Qu'est-ce que ça fait quand on s'abonne, je suppose? Quelle est la différence? Ça permet de... ah mais non, 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 non! Tu bronzes pas dans cette tenue, Lola! Non, non! Tenue, changer de tenue, tu te mets un maillot. Voilà, hop. Et après, tu pourras bronzer. Voilà. Se bronzer dans la tenue actuelle, c'est pareil. Ou alors, tu te bronzes... mais non, ça risque de choquer tes enfants. Je voudrais pas les choquer non plus. Alors, quand tu t'abonnes, Drew, pardon, ce que ça fait, c'est que bah, ça permet de soutenir un streamer, tu débloques des émotes à utiliser, et t'as des superbes lunettes en badge à côté de ton pseudo, ce qui est quand même assez stylé. Et voilà, ça permet de soutenir globalement un streamer et de récupérer les émotes, et d'avoir des points de chaîne plus rapidement. Et à partir de maintenant, elle bronze sur le seul transat qui a l'ombre quand même, c'est quand même fort. Hein. À partir de maintenant, ce qu'on fait... ces enfants sont déjà choqués d'être enfermés dans un jeu. Mais comment ça? À partir de maintenant, plus vous récupérez de points de chaîne, qui sont des points que tu as gratuitement, mais dont le résultat se cumule quand tu es abonné ou tiers 1, tiers 2, tiers 3, et bien tu vas pouvoir participer à des petits tirages au sort pour gagner des petits packs et ce genre de choses. Voilà! Elles sont trop belles, ces lunettes, ouais. Franchement, ça lui va tellement bien. J'adore. Regarde. Oh putain, je peux même pas mettre tab. Si, je peux! Mais comment je fais pour quitter le mode caméra libre? Oh, non, je pourrais pas quitter le mode caméra libre. Oh, ça va être un... heureusement que j'ai réfléchi à ça avant. Heureusement. Mais heureusement, ça aurait été l'enfer. Santé, Brudelza. Santé, santé. A acquis la compétence jeu vidéo. Ok, c'est parfait. Écoutez, il faut qu'on socialise dans le bain à remous. Il y a un bain à remous ici. Il n'y a pas de bain à remous. Ils font quoi, les enfants, là? Ils sont en train de visiter leur prochaine maison? Il est où, Malcolm? Malcolm, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo par ici, ok, très bien. Malcolm, où es-tu? Es-tu par là, quelque part? Là, il y a ma fille, ok, très bien. On pourrait venir se baigner sans aucun vêtement, mais Malcolm, t'es où? Attendez deux secondes, je me sens un peu perdue, son clavier, alors que j'ai même pas besoin de l'utiliser en soi. Il est là, ok, Malcolm, attends deux secondes, viens, propose un massage. Matteo Fusini, la S. Je voulais juste te dire qu'on déménage... quoi? Il déménage où? Ce sera plus notre voisin? Oh, Matteo déménage? Non, ils ont pas de bain à remous, ils ont un onsen, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour le côté détendant, vous voyez? Par contre, arrête de bronzer, j'aimerais bien que t'ailles proposer un massage à Malcolm, ce serait quand même bien. Et il faudrait qu'on aille boire un petit coup. Y'a rien qui a marché, y'a rien qui a marché, vraiment, on a rien qui... Matteo nous appelle. Oui, si tu veux, on peut discuter un petit peu. Prendre des chips, commander une boisson pour Malcolm. Et on va pouvoir commander une boisson pour nous aussi, commander sa boisson préférée. Comme ça, on pourra voir, même si je crois qu'on l'a sait. Oh, il y avait le petit massage. Vous pensez qu'il a bien aimé?
On va lui proposer un plan fou aussi. Attendez, on va pas répondre à notre frère. On est en plein dans la discussion là. Il faut qu'on en profite. Pourquoi elle a des moins rouges? Je comprends pas trop, j'avoue. Il y a plus rien dans son appart. C'est vrai. C'est vrai de ouf. T'as raison. Groomod, merci beaucoup pour le follow. Et coucou 14h06. Salut Jen Sao, Clara, Léana. Merci à vous pour les follow. Coucou Mai Chang. Elle est dans ta sauvegarde, sa jolie maison. Ouais, dans la dernière sauvegarde, elle y est. Coucou Amalia. Alors. Se vanter de sa famille. Elle est bien, ma famille, hein. Ça te dirait d'en faire partie? On pourrait dire ça. Il est trop stylé. Bon moment qui rapproche. Je crois que c'est ça. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les sentiments la dernière fois. Il y a tellement de sentiments qui sont possibles qu'on n'a jamais. C'est un enfer. C'est trop dommage d'avoir créé des sentiments pour pouvoir les développer que si peu souvent. Genre, même des sentiments par rapport au mariage. Vous avez déjà eu des sentiments avec les mariages? Genre, s'il y a quelqu'un qui meurt à son mariage, tu peux avoir un sentiment en mode « Tu es mort à mon mariage !» Genre, la personne est trop vénère, ce genre de choses. C'est trop stylé. Comment au jour de jour avec l'UI Cheat? Oh, c'est trop chiant à faire. Faut que tu cliques droit dessus et après tu sélectionnes une heure et puis tu fais passer les heures petit à petit. Mais tes persos peuvent complètement mourir. C'est terminé, je peux récupérer mon clavier! Wouhou! Ok, on est tout bon! Et moi non plus, et regardez, en fait, c'est avec le UI Cheese qu'on peut voir ça. Si jamais vous voulez pas être spoilé, regardez pas cette partie. Mais en gros, dans les styles de vie. Non, c'est pas les styles de vie, n'importe quoi. C'est dans quoi que je disais qu'il y avait ça? Dans les étapes. Non, dans les sentiments. Alors attendez. Hop, si je viens cliquer sur Malcolm. Ouvrir le profil. Sentiments. Add to Lola. Il y a tout ça. Et pourquoi on a toujours les trois mêmes? Il y a tout ça. Regardez, tu t'es battu à mon mariage. Tu es mort à mon mariage. Tu as mangé le gâteau en avance. Tu as interrompu la série. Il y a plein de trucs qui viennent avec mariage. On les a jamais vus. Trahi, trompé, tellement adorable, suspect, style de vie. Ok, celle-là, je l'ai déjà eue. Se sent coupable d'avoir rompu le pacte du bal de promo. Réticence post-morsure. Refus de cohabitation. Rivalité violente entre les meutes. Ruine romantique. Rancunière à propos de l'échec d'une ascension à la montagne. Rancune à cause du divorce. Rancune envers le collectif. Rancune après un. Il y a plein de trucs. Vraiment proche après une catastrophe. Ok, plus proche en habitant ensemble. Bon, là, ça, ça doit être des nouveaux trucs. Premier baiser au Festival des Lumières. Oh, c'est. Oh, venez, on essaye de faire ça. Négligé, ok, ça, oui. N'a pas été invité au mariage. Mon animal chéri a été vendu. Mis dehors d'un mariage. Mis dehors, on peut mettre dehors des gens. Genre, c'est trop bien, mais on les débloque jamais. L'amour est dans le fumier. Jalouse de son frère, ok. Inspiration épique. Impressionné par l'invitation. Honteuse à cause d'une fête catastrophique. Heureux de la nouvelle décoration. Furieuse à cause du mariage annulé. Bref. Énergisé par le soutien, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et du coup, j'ai découvert ça la dernière fois, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop cool. Go faire le mariage pour débloquer ce sentiment. Mais ouais, il faudrait qu'on se batte. En fait, vu qu'on peut contrôler que Lola, on va pas pouvoir gérer s'il y a des gens qui se battent ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voyons voir. Promouvoir la politique. On va faire ça avec lui. On va demander un petit pot de vin. Consoler à propos de la mort. On va faire ça. Elle est plus triste d'ailleurs, Lola, c'est trop bien. Et ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est quand est-ce que c'est le Festival des Lumières, si on a envie de faire le premier baiser au Festival des Lumières. Festival de la neige. Festival des enfants. Oh putain, c'est pas là. Journée du football. Je crois qu'il n'y a pas. Oh, c'est chiant. Journée des pom-pom-si. Foire aux légumes. Mais attendez, mais il n'y a pas. Y a jamais? On l'a passé? Festival des enfants, ok. Oh non, il y est pas. La journée, ok. Ici, c'est quoi? Journée pom-pom sim. Ici, festival de Finch Week. Non mais c'est quand? Attendez, on va filtrer les événements déjà. On va juste mettre événements ou les festivals, plutôt. Festival... Mon Komorebi. Bah, il y est pas. Ils sont embrassés déjà, mais en fait... Attendez, quoi? Quand les gens vous font confiance, Lola, ils vous... Merde, non! Non, elle est politicienne! Non, 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 on peut refuser. De toute façon, ça c'est même pas dans les règles du vrai challenge de base. On a revu. Ouah, j'ai glissé, je voulais faire accepter. Oh mince!
Malcolm m'a semblé très réceptive. Pourquoi c'est tout collé comme ça? Aux arguments de Lola, les actions politiques devraient être plus faciles avec ce sim maintenant. D'accord, on va le flatter. J'ai glissé, pardon. Bah mince alors! Oh mince! On va avoir une conversation profonde avec lui. Oh, c'est trop cool! Il faudrait qu'on s'amuse. Bon, on n'a pas de bain à remous. Il faudrait qu'on boive un coup. On va le remercier à nouveau d'être là. On va faire que ça, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Et qu'est-ce que je voulais faire? Il n'y aura pas de festival des lumières. Ouvrir le profil ici. Alors, voyons voir. Oh, mais c'est trop bien, ils ont plein de sentiments. Contraire qui s'attire. Amitié pendant un deuil. Connexion profonde. Contraire qui s'attire. Connexion profonde. Pareil. Et plus proche, garde ça des souvenirs heureux. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut qu'on boive. Commande ta boisson préférée. S'il te plaît, il faut que tu boives. Il reste un seul verre à boire, Lola. Dépêche-toi avant que la fête soit terminée. Arrête de parler. Ferme-la. Chris, tu m'énerves. Allez, madame. Non, c'est pas celui de Tomarang? Non, ça, c'est le marché nocturne. Le Festival des Lumières, normalement, c'est au Mont Komorebi, dans la neige. C'est trop joli, d'ailleurs. Sophie appelle pour discuter, répondre. Oui, si tu veux, on peut répondre. Mais attends, d'abord, je veux boire. Oh non, elle a un moins rouge. C'est relou quand ça fait ça. Allez, dépêche-toi, c'est presque terminé, là. Vite, madame. Lolita jolie, on se dépêche. S'il vous plaît. Gros, Lady Kiwi. Le Let's Play Génération, c'est celui de YouTube. Oui, c'est absolument ça. Médaille d'argent. On n'a pas fait une fête extraordinaire. Fais chier. C'est relou. Regardez en plus, c'est le plasma Marie, son truc préféré. Bois-le. Vas-y, il faut boire des boissons de toute manière pour cette journée. Comme ça, on aura une belle journée. Oh, l'esprit de marraine est en train de disparaître. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Normalement, le Festival des Lumières, il est quand même renseigné dans le calendrier. Hein. Il est quand même renseigné là-dedans. Donc, on devrait l'avoir, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Coucou, Genso, Clara, Léana Fanta, merci beaucoup pour les follow. Salut, Mai Chang. Et coucou, Amalia, salut, Marie. Coucou, Océane, merci pour le follow. Salut, F2LT, merci pour ton follow aussi. Coucou, Camille, salut, M4Ma, merci pour ton follow aussi. Et coucou, Jaléo, salut, Adèle. Coucou, Pyromane, Aïcha, Faerli, Amoul, j'espère que vous allez bien. Coucou, Calypsi, Loup, merci beaucoup pour le follow. Et coucou, Lady Kiwi, salut, Léa, merci pour ton follow aussi. Merci à tous. Pour le challenge, je devais tout accepter. C'est moi qui me suis jeté ça. En fait, tu dois accepter les trucs généralement qui changent le tempérament de ta Sims. Et moi. Pour une fois, on est content. Mais quoi? Mais moi, j'ai décidé qu'on allait essayer de se donner le challenge de dire oui à tout. Mais là, c'est la première fois que je déroge à la règle, je crois. Mais attendez, mais. Est-ce que si... Oui, j'adorerais ça. Ok. Et que je mets tout le monde là. Et que je vends... Non, je veux pas les vendre, je veux les récupérer. Non, je veux pas les vendre, justement. Je veux qu'elle récupère... Est-ce qu'elle va récupérer ses photos aussi? Là, normalement, c'est bon. On les vend pas, ça veut dire qu'on les récupère dans notre inventaire. Ah, alors comme ça, oui, j'ai rien dit. Non mais attendez, c'est trop bien. C'est trop bien qu'ils nous proposent ça. Les photos, mais pas vendre. Non, je mets pas vendre, justement, je les garde avec nous. Et comme ça, on les a dans l'inventaire. Ok, ok, les photos aussi, j'espère. Laisse une personne. Pourquoi vous voulez que je laisse une personne? Non, 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 au pire, on achètera l'endroit. Au pire, on achètera l'endroit avec les sous de Malcolm. Je crois qu'on peut pas, en fait, non. En fait, je suis pas sûre pour les photos. Mais je suis pas sûre pour les photos. Au pire, on ira les récupérer vite fait. On fera un déménagement express et puis on reviendra. Ok, et eh bien écoutez, on emménage dans cette superbe maison. C'est incroyable, il est très entreprenant. Non mais de ouf, il déstabilise Lola, mais complètement quoi. Je vais sauvegarder tout de suite, c'est trilt. Je viens de regarder le Festival des Lumières, normalement c'est un vendredi sur deux, donc il y avait peut-être lieu... Ah mais ouais, il doit être... En fait, il devait être le vendredi et on n'y est pas allé. Je pense que c'est ça. Coucou Romane, merci pour ton follow, salut Tismé. Et coucou Sophia Sampel et Noémie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous avons une nouvelle maison. Bienvenue. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Waouh! Incroyable, non? J'ai sauvegardé ou pas? Les objets suivants ont été remis dans l'inventaire de votre sim ou de l'inventaire du foyer après avoir laissé sur un autre terrain devoir pour l'université. Merci, c'est vrai qu'on en avait vachement besoin dans cette histoire. Alors voyons voir. Le jeu, les 2 FPS, c'est bien quand ils y sont pas. Écoutez, c'est pas grave, on aura 2 FPS. Bon, alors, on a pas mal de bouquins, on a nos photos... Ah non, non. Je croyais qu'ils avaient réglé ce bug.
Je croyais qu'ils avaient réglé ce bug. Ils avaient dit qu'ils avaient réglé le bug. Ils avaient dit qu'ils... Oh merde, je suis pas avec le bon perso. On a perdu toutes les photos de Lola. On a perdu toutes les photos de Lola depuis qu'elle est gamine. Je m'appelle Lenny Bar et t'habites à Durcy, c'est ça? Coucou Alarina, salut Gwen Snow et coucou Matisse. Oh là 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 là. Recharge une sauvegarde. Ah non non non, on modifie pas, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, on a tout perdu. On a tout perdu. Oh bordel! Y'a pas moyen de retourner dans la save et garder de la maison et remettre dans ta save? Non, parce qu'en fait, les décisions vont être prises différemment. J'ai grave envie que ça se passe comme ça. C'est juste qu'on a perdu toutes nos photos. C'est pas grave, écoutez, après, hein, on a perdu toutes nos photos dans le déménagement. Bon genre, bon elles ont été perdues dans les cartons. Merci pour ta bienveillance, voilà. Ton enthousiasme et cette belle communauté beaucoup, en or. Visage souriant. Ça fait plaisir, merci pour le quatrième mois d'abonnement. Tu reprends l'ancienne save. C'est toi qui as mis le message avant? Oui. Pourquoi tu t'appelles Loading? Bah, je me disais, c'est rigolo, il a le badge ambassadeur comme Lucas, et là tu t'appelles trois petits points, loading, trois petits points. Je m'appelle chargement. Bref, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Noémie, tu vas dans ton ancienne save, tu sauvegardes la maison avec toutes les photos dans ta bibliothèque. Tu vas dans ta save sauvegarder, tu places la maison, tu récupères toutes les photos et tu la mets là. Bah, je me demande si le fait d'enregistrer dans la galerie, ça va pas bugger, mais peut-être que ça fonctionnerait. Dans ta bibliothèque. Ouais, ouais, mais peut-être que ça va... Je vais essayer... Ouais, non, mais je vais essayer de ouf. Je vois écrit Lucas. Ouais, ça doit être ça. Je vais essayer, attends. Alors, ce que je vais faire, effectivement, comme ce que dit Lucas, tout à fait, je vais venir enregistrer sous. Je suis désolée, je veux pas vous spoiler. Bonjour. Sur TikTok, ça doit être vraiment magnifique, hein, de toute beauté. Je vais donc enregistrer sous. Créer une nouvelle sauvegarde, appelée Vie Parfaite Lola. Vie Parfaite... Tout court, je vais pas l'appeler Lola. Donc vie parfaite, c'est ma sauvegarde que je viens de sauvegarder actuellement. Je vais aller maintenant, menu principal. Aller dans le menu principal. Oh là là, je sais que vous adorez les gros plans. Hein. Ça va? On est bien là, hein. On est bien, n'est-ce pas? Je vais pouvoir aller du coup charger la partie. Mais attendez, j'avais sauvegardé 2 minutes avant. J'avais sauvegardé 2 minutes... Je vais... J'aime bien que les gens me voient un gros plan. Alors du coup... Non, ils habitent déjà là. Merde. Menu principal. Allez dans le menu principal. Le gros plan sur la télé, c'est iconique. Je suis sur une télévision et sur des téléphones sur TikTok. Et je suis en gros plan. Alors, voyons voir. On va récupérer la partie ici. Vie parfaite Lola récupérée. Ok, ok. Nous allons pouvoir donc... Qu'est-ce qu'on ferait? C'est une très bonne idée qu'il a eue, effectivement. GG Lucas, j'espère que ça va marcher. On va pouvoir venir dans leur appartement, récupérer toutes les photos. Mais est-ce que je vais réussir à toutes les... Attendez. On va espérer que ça marche. On va espérer que ça marche. Voilà. Alors. Ici, en plus on a notre certificat de mariage et tout. On va retirer ça. Tac. On va retirer ça aussi. On va retirer ça. Ça. Tout ça, ça barre. Tout ça, ça barre. Ok? Allez, move object. Ok, on est tout bon. On va récupérer donc. Hop là. Ces photos, elles sont là. Est-ce que j'ai d'autres photos qui sont affichées quelque part? Ici, non. De ce côté-ci, j'aimerais bien au moins... Mais non, ça sert à rien si je le récupère, on s'en fout. Ça, elle va le récupérer. Ça, elle va le récupérer. Y a pas des photos là? Non? Ah bah si, y en a plein. N'importe quoi moi. Ok, donc ici, je vais pouvoir prendre tout ça. Hop là.
Imaginez, ça marche pas. Bah, ce serait quand même très dommage. Hop là, on va pouvoir tout mettre sur un seul pan de mur. Et comme ça, on va pouvoir sauvegarder ce pan de mur et ce sera très bien. Ça, je vais pouvoir le mettre ici, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ici, là, de ce côté-ci. Et la dernière photo. Ok, j'oublie rien. Vous en voyez d'autres ou pas? Il n'y a pas d'autres photos là, on est d'accord. C'était les seules photos qu'on avait dans notre appart, elles étaient là. Donc... ensuite, on va faire une pièce qu'on va venir sauvegarder. Voilà, on va l'appeler photo. On va aussi changer. Hop, voilà, comme ça on est sûr de bien les voir. C'est pas une cuisine, c'est des photos. C'est pas grave, ce sera une cuisine. On va sauvegarder ça dans notre pièce à nous. Maintenant, je vais aller dans le menu principal. Vous arrivez à voir combien de mentons quand vous faites une grimace comme ça? 1, 2... 3, 4. Moi j'arrive à en avoir 4. Allez-y, comptez vos mentons. Ça fait passer le temps. On va revenir avec vie parfaite ici. Ok. All is good. Je pense que ça devrait le faire. 5. Vas-y, je vais essayer. C'est quand même une belle perf 5. Ouais, j'arrive pas, hein. Lui, compte quoi? Regardez là, lui. 1, 2, 3... Non, ça fait 4, putain! Quoi? Ah non, c'est bon, ok. Attendez, je remets... Pardon. Excusez-moi. Donc, maintenant, je retourne dans le mode de vie, ici. Voilà. Coucou, Alarina, salut Gwen Snow et salut Matisse. Alors, attendez, il y avait un message en avant. Les moins rouges sont peut-être dus à l'impensociable. Ah, c'est vrai que c'est peut-être dû à ça, effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Regardez. Du coup, ça, c'est la tête de Benjamin sans son bonnet de bain. Il a l'air si... franchement, on dirait presque un peu Malcolm. Ça pourrait être son fils. Voyons voir. Du coup, maintenant, le moment de vérité. Le moment, the moment of truth. Est-ce qu'il y a mes photos? Oh, je crois que ça peut marcher. Oui. Quoi? Oh non, il n'y a pas celle avec Romy! Il n'y a pas celle de la cabine photo! Ça marche, mais pas tout le temps. Hein. Bon, ça marche pas pour celle-là. Mais les autres, on les a! Oui! Merci, Lucas! Merci beaucoup! Ah, on va pouvoir toutes les récupérer. Alors, attendez, on va pouvoir aussi supprimer donc toutes celles qu'on a dans notre inventaire. En plus, ce clip, genre c'est ce clip qui tombe de tous les clips, hein, c'est celui-là, le SO parfait. Coucou Taliana, merci beaucoup pour le follow, salut Apis Morfema, coucou Atestia, salut Clivens, et coucou Yukiro, elles sont là, ok, attendez, je vais pouvoir tout supprimer du coup, tac, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, ok. Au moins, on gagne un petit peu d'argent, c'est pas comme si on en manquait, mais bon. Ok, ici, 1... ok, 21. Bah là, on est tout bon. Et puis, on va pouvoir décorer. On va faire un petit peu de décoration, je vous propose. Merci beaucoup, Yukiro, pour le follow. Salut, Aoro Forever. Il se passe quoi? On a changé de maison parce que Malcolm nous a proposé d'emménager ensemble. On va pouvoir lolifier un petit peu sa maison. Parce qu'elle en a quand même besoin, hein, cette petite maison. Est-ce qu'on mettrait pas plein de photos ici, là? Ça pourrait être sympa. Attendez. Hop, mettre ça là. Ce sera plus simple. Donc, si je viens récupérer un petit peu toutes les photos. Hop, comme ça. Comme ça. On va mettre celle-là ici. On va essayer de les mélanger un petit peu. Voilà. Avec Lola qui fait des bisous à d'autres mecs aussi. Ça, c'est vraiment sa spécialité de mettre ça dans les maisons dans lesquelles elle vit avec, les hommes les hommes de sa vie. Donc, on va mettre ça ici. Est-ce qu'on a une autre photo? Attends, mais limite, je pourrais mettre elle par là. Celle-là, comme ça, ici. Ok. On va essayer, même si les photos, elles vont pas être dans le bon ordre, ni dans le bon sens ou quoi que ce soit, on va essayer de toutes les mettre par là. On peut même en mettre une ici avec notre ex-mari. Non, c'est parfait, vraiment. Non, je trouve ça vraiment très bien. Et ici, avec notre petite amie de lycée. Celle-là avec notre sœur, bien sûr. Juste là, une autre avec notre sœur.
Voilà. C'est pas des gens qu'on aime beaucoup, hein, notre famille, mais bon, ils sont quand même partout sur les photos. On a vécu une grande partie de notre vie avec eux, hein, après tout. Voilà, c'est quand même très important de le représenter sur les photos. Donc, on va pouvoir mettre ça ici. On va pouvoir mettre celle-là. Oh, elle va être... Ok, très bien. On va mettre celle-ci ensuite un petit peu plus bas par là. Voilà, parfait. Que des photos avec d'autres hommes. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, personnellement. Ça montre que la vie peut vite changer et que Lola est là aujourd'hui. Mais peut-être qu'elle sera pas là demain. Il faut que Malcolm y fasse tout pour la garder. Parce que en fait, elle a envie, elle a besoin de renouveau. Elle a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Voyez, Lola. Donc c'est important. On va mettre une photo de Lola quand elle était petite ici. On va en mettre une autre là. Ok. Celle-là, on va pouvoir l'ajouter. C'est vraiment moche hein, ce que j'ai fait. Je suis désolée. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus joli maintenant. Non, j'ai aucune photo de ses enfants. Non, 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 c'est que vraiment, c'est le mur de Lola. Si, il y a des photos de Pauline. Regardez, c'est la seule photo de ses enfants, c'est Pauline. Ça montre qui elle préfère. C'est important de savoir qui elle préférait. Je trouve que c'est même une information qui est primordiale, mais bon, après, ça n'engage que moi. Pourquoi cette photo, elle bug? Ok, je vais la mettre un peu plus haut. Je vais essayer de les organiser un peu mieux pour que ce soit moins bizarre, parce que là, je trouve que ça fait un peu trop bordélique. Hop, ici, comme ça, je vais pouvoir mettre ça aussi de ce côté-ci. Et peut-être essayer de... C'est chiant quand ça fait ça. Peut-être essayer de les séparer différemment. Non, mais dans tous les cas, je pense que ce sera bizarre. J'avais réussi à faire un beau mur tout à l'heure. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Attendez, c'est la même série de photos. Elles sont toutes les trois ici. Je pense pas que je vais mettre elle, du coup. Attendez, je vais plutôt mettre ça ici. Celle-là, je vais pouvoir la mettre là. Ok. Comme ça. Avec celle-là, juste au-dessus. Celle-là, comme ça, juste là. Peut-être celle-ci. Il m'en manquerait une par là. Mais du coup, si je fais ça, je vais peut-être mettre celle-là en haut. Et celle-là un peu plus basse. Et celle-là en plein milieu. Comme ça. Mais ça laisse un petit trou quand même ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une photo, genre celle-ci, que je pourrais mettre par là? Mais là, du coup, elles sont toutes trop collées. Et celle-là ici. Alors, en même temps, c'est pas très gênant non plus. Il y a celle-ci que je pourrais caler aussi par là. Genre en dessous ici, avec elle un peu plus comme ça. Ok, c'est pas mal. Enfin, c'est pas dingue non plus, mais c'est pas mal. Je pourrais peut-être en ajouter une là. Comme ça. Et pour finir, une autre au-dessus. Une ici et une là. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas du grand art, mais... Au moins, il y a un peu de photos. Aucune autre dans le reste de la maison en mode marquer le territoire. Non mais c'est bien d'avoir tout réuni à un même endroit. Et après on a des trucs de nos enfants. On a pas mal de petites choses ici au niveau des lits des enfants. Ça ce sera la chambre je pense de notre petite Pauline. Et ici on aura la chambre des jumeaux. Et limite quitte à mettre la chambre des jumeaux ici, je me dis que ce serait peut-être bien de leur mettre des lits simples. Comme ça hop, au lieu d'avoir un lit double, ils ont deux petits lits simples. Attends, c'est sur une plateforme? Non, c'est bon. Donc, un lit ici et l'autre là. Voilà. Comme ça, ils ont chacun leur lit. Ils partagent la même chambre. Ils sont vraiment... Ils dorment à côté, quoi. Je sais que la maison a beaucoup de chambres et tout, mais ce sera comme ça pour le moment. Ok. Ici, ensuite, on a donc la chambre de Malcolm et de Lola. Oh, merde, ils dorment pas ensemble pour le moment. Oups. Attendez, on va mettre un petit peu de notre ancien appartement. On va remplacer ce tapis, par exemple, juste ici. On va mettre notre contrat de mariage avec un autre homme. Aussi, c'est important, quand même. On va peut-être pouvoir le mettre... Ah, il manquait une photo. On va le mettre ici, avec la petite photo de Lola en mode drama queen par là. Peut-être même que je pourrais la placer ici. Genre devant la télé, pour bien faire chier tout le monde. C'est parfait. Non, vraiment, je trouve ça parfait. Le projet scolaire, je vais pouvoir le retirer. Pour la cuisine, on va pas en avoir besoin non plus, parce que celle-là est déjà très bien. On va pouvoir retirer aussi les appareils électroménagers. Ici, là, l'alarme incendie, j'en ai pas besoin non plus. Ça, je peux retirer. La petite étagère avec... Enfin, la petite... le truc avec des livres. Est-ce que ici elle pourrait être sympa? Il y a quand même pas trop d'espace. J'avais tout laissé. Vous vous souvenez à quel point on avait galéré à faire ce bureau? C'était un enfer, je me souviens. On savait plus quoi mettre. Oh, il y a une autre chambre ici. Bah, c'est parfait. Ce sera pour l'enfant qui sera puni. Il dormira sous l'escalier. Ici, il y a une télé. On peut supprimer, je pense, cette bibliothèque. Ou pas. On la garde dans notre inventaire au cas où on sait jamais ce qui pourrait se passer. Vous voyez? Je trouve que c'est important quand même de prévoir le pire. Est-ce qu'il y a un micro-ondes chez les Plénosas? Genre, il n'y a pas de micro-ondes chez les Plénosas? Non mais vraiment, leur cuisine,
elle fait peur. Hein. Elle fait peur, moi je vous le dis. On va prendre ce micro-ondes là, en blanc. Voilà, ce sera très bien. Ensuite, côté château médiéval, on va pouvoir mettre ça dans la chambre des enfants qui est juste là. Voilà, ils vont pouvoir récupérer ça peut-être ici. On va pouvoir aussi mettre cette armoire, on l'avait mise où ? Elle est trop belle. Est-ce qu'il y a moyen de la placer quelque part ? Je crois que ça risque d'être compliqué de trouver un endroit où la mettre. Peut-être dans la salle à manger. Ou alors là, à la place de ce miroir qu'on va pouvoir placer ailleurs. Si on mettait cette armoire ici, avec du coup ce miroir là. Voilà, ça me semble bien comme ça. La bibliothèque. Quelle bibliothèque ? Le truc des livres. Bah quoi ? J'ai fait quelque chose ? J'ai pas compris. C'est quoi le problème ? Attendez, je vais faire ça comme ça. Je vais récupérer du coup les petits jouets. Je vais les mettre à la limite dans la chambre des garçons. Comme ça, il faudrait juste qu'on mette un bac à jouets. Donc à la limite. Alors, attendez voir. Ça, on garde dans l'inventaire. Ces œufs, on va les prendre avec nous. Et est-ce qu'on pourrait les caler quelque part ? On va peut-être pouvoir faire une petite collection comme si c'était des œufs de Fabergé. Voilà, c'est magnifique comme ça. Voilà, très bien. Et celui-là. Donc, on va peut-être même pouvoir le mettre en plus gros. Ici. Avec des œufs un peu petits sur le côté. Ah, allez ! Allez ! Viens là, ok, très bien. Non, pourquoi ? Mais vraiment, il y a des tellement gros bugs en mode construction, c'est un enfer en ce moment, vous trouvez pas ? Je trouve que c'est infernal, tous les bugs qu'il y a. On a aussi des petites assiettes ici, on va pouvoir mettre ça là, parce que c'est Mimi. Ici, les jouets pour enfants, on n'en a pas besoin. On a ce meuble là. On n'avait pas ce meuble dans notre appartement. Oh ! Ah, je trouvais plus le mot bibliothèque. Bah écoutez, on va mettre ce meuble ici. Voilà. Il fonctionne bien, je trouve, par là. Faut juste que j'ajoute des petites décos par-dessus. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme déco ? Peut-être une lampe, comme celle-là. Éventuellement, changer de couleur, ce serait sympa aussi. Si je prenais, par exemple, elle en tout blanc. Ou alors une en jaune, s'il y en a une. Je suis pas sûre. Il y a celle-ci, à la limite. C'est pas non plus incroyable, celle-là. Hein. Celle-ci ou bien en tout noir. Je pense que je vais partir sur du tout noir. Ça peut être sympa. C'est pas les meubles de Mathéo. Non, non, c'est pas les meubles de Mathéo, je crois pas. Hein. Je pense pas, hein, en toute honnêteté. Alors, on va pouvoir venir placer du coup dans les chambres des enfants. Ici, on a tous nos certificats de naissance. Pour le coup, les certificats de naissance, je pense qu'on va les placer par là. Vraiment, Lola s'installe. Hein. C'est sa maison maintenant. Ça, on peut le vendre, on n'en a pas besoin. Ça, mais on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Je comprends pas. Je comprends pas. On n'a jamais eu ces trucs-là. Ça, j'ai pas besoin de le placer. Le petit jouet, juste ici, je vais le mettre dans la chambre des garçons. Ici. L'ordinateur. Normalement, on devrait plus avoir besoin de cet ordinateur, mais on va le garder quand même en souvenir. Le petit cadre de photo, je vais vendre ça de toute manière, c'est gratuit. Les petits plans de travail. Ah, ça, c'est Mathéo, par contre. Je crois. Ça, c'est à nous. C'est à nous ? Mais on a fait tellement de métiers en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Et ouais, c'est les récompenses de carrière, c'est ça. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On va virer le bureau de Nancy. Bah, ce sera le bureau de Lola, ok ? De toute façon, elle est politicienne, elle a besoin d'un bureau comme ça. Donc, on va pouvoir, à la limite, ça c'est le bureau de Malcolm, donc. En haut, c'est le bureau de Lola, mais elle a besoin d'endroits pour faire sa peinture aussi. Donc, où est-ce qu'on pourrait mettre ça ? Bah, vous savez quoi ? On va retirer cette chambre. Hop là ! On va retirer cette chambre et on va en faire l'atelier créatif de Lola si elle en a envie. Donc, il nous faudrait ce genre de choses-là. Hop, comme ça. Voilà, parfait. On va pouvoir récupérer aussi son chevalet. Et je pense que je vais aussi mettre sa petite lampe. Voilà, elle sera Mimi ici. Une petite lampe comme ça. Elle avait aussi ce meuble. Est-ce qu'on pourrait le mettre quelque part bah, par exemple, ici. Non, ça fonctionne pas très bien parce que ça bouffe au-dessus. Bah, pas ici. Pas ici, pas ici. Je sais pas où le mettre. On va le mettre dans son atelier. Hein. Et son atelier, limite, on pourrait lui mettre les murs qu'elle veut. On pourrait lui mettre les murs qu'elle veut. Je vais juste mettre ça de ce côté-ci, comme ça, avec ça un peu plus loin. Ok, très bien. Ici, on est très bien. Et je vais pouvoir mettre ici. Hop là. Peut-être du bleu. Genre un joli bleu, comme par exemple. Ou un bleu vert. Oh, j'aime pas trop ces coloris, malheureusement. Ah, c'est dommage. Je sais pas du tout. Elle dort où, Pauline ? Ici. Ça, c'est la chambre de Pauline.
sa chambre de Pauline avec sa salle de bain et tout. Franchement, nos enfants, ils sont gâtés, là. Hein. Ils sont gâtés, ils ont plein de trucs trop stylés. Comment est-ce qu'on fait pour son studio? Est-ce qu'on lui met un motif de mur avec plein de petits trucs dessus? Oh, je sais pas. Et en même temps, je suis pas hyper fan. On peut laisser du marron. Je suis pas hyper fan de cet objet-là, donc je pense que je vais le vendre. Elle se met grave bien, Pauline, en vrai. Hein. Elle a le meilleur endroit. Elle a trop le meilleur endroit. Il n'y a pas de machine non plus. Je pourrais peut-être les ajouter. On a, bah, en fait, la pièce de Lola. Ça va vraiment être juste une buanderie. Donc ici, on a une machine. Je vais pas mettre d'évier, par contre, à moins que... Franchement, je vais tout mettre. Je vais pas mettre deux toilettes, ça on en a pas besoin, ça on n'a pas besoin non plus. Les chauffages, je vais pas les mettre, on est à Oasis Spring, ça devrait aller honnêtement. Je pense que tout ira bien. Donc on retire ça, j'ajoute ce petit miroir ici, les petites serviettes, je n'en ai pas besoin, ça je n'en ai pas besoin non plus, ça non plus, ça devrait aller. Au niveau des enfants, je vais leur mettre leur petit Yeti qui les suit quand même depuis pas mal de temps. Il va pouvoir venir ici. On va pouvoir ajouter aussi les petits dessins là. Et si on les mettait au-dessus par là? Ça, ça pourrait être sympa. Voilà, très bien. Bleu canard, violet. Ouais, mais je sais pas. Le petit lit de Lola. Aïe, aïe, aïe. C'était le lit de Lola, ça, on est d'accord, hein? Oui, c'était le lit de Lola. Est-ce que je le mettrais pas dans la chambre de Pauline? Et en même temps, non, elle est bien celle-là. Écoutez, le lit de Lola va être vendu. Voilà. Je tiens à vous dire que le lit de Lola n'est plus. C'est triste. Il y a tant d'objets qui partent. Et oui, elles apportent à la maison de plus de vie. Bah de ouf, c'est ça qui est cool. Ça, je peux le garder, ça, je peux le retirer. Ici, je peux le retirer aussi. Le sapin de Noël, on n'en a pas besoin. Ici, je vais pouvoir mettre des petites, hop, comme ça. Il y a le projet scolaire aussi, qu'on va pouvoir venir ajouter dans la chambre des enfants. Comme ça. Ici, on a une autre affiche que Lola a pu collectionner. On va la mettre juste en dessous par ici. Les lumières, on peut toutes les retirer. Pour ce qui est de notre jolie table. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de notre table ? Est-ce qu'il y a moyen, à la limite même peut-être, de la mettre dans le bureau de Lola? Non, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la mettre peut-être dehors, de faire quelque chose? Je suis pas sûre de bien aimer. Je suis pas sûre du tout. On va la laisser dans l'inventaire parce que elle, j'aimerais bien la garder. La bibliothèque, je vais la supprimer. On va pouvoir récupérer par contre son fauteuil. Lui, je le garde. Lui, je le garde, il est trop beau ce fauteuil. Peut-être même que je pourrais le mettre dans le salon. Hop, voilà. Comme ça, ce sera parfait. On enlève un pouf. Et on met ça à la place. Ok, nickel. Le fauteuil de Lola est bien placé dans la chambre des enfants. T'as pas fini de placer les certificats parce qu'il y en avait qu'un pour le moment. Mais dès que je retourne avec les certificats, on sera tout bon. Dans la chambre des enfants, je vais pouvoir leur mettre leur petit coffre à jouets et je pourrai ajouter les jouets après ça. Ce miroir, il y en a déjà plein dans la maison. Ici, on a des chaussures que je vais pouvoir venir placer. On est quand même une famille nombreuse. Il y a des chaussures par ici. On va en mettre d'autres par là. Hop, comme ça. Si toutefois c'est assez proche du mur, pas du tout. Je peux les mettre de l'autre côté alors. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ensuite, des petits cartons. Il nous faut des cartons d'emménagement quand même. Hein. On va mettre des cartons ici, on va en mettre un autre de ce côté-là. En mode on est vraiment toujours un peu en plein déménagement. Le bureau de Lola, je peux le retirer, ça je vais le retirer. Et en même temps j'ai envie de les garder au cas où, on sait jamais, vous voyez, garder quelques petits trucs. Ça je vais l'enlever, la table allongée, ça c'est les décos de Noël, je garde. Ici ça va être dans le bureau de Lola. On va pouvoir lui ajouter, hop là, une petite enceinte, on la laisse en rose je pense, c'est son enceinte à elle qui est comme ça depuis toujours. Le diplôme, le fameux, on va pouvoir l'ajouter maintenant par ici, comme ça. Peut-être que je pourrais ajouter d'autres choses au-dessus, donc je vais les garder là. Quoique... Oh non, sa toile, elle a été reset aussi. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, Pauline. Pauline, toi qui as ta belle grande chambre, est-ce que tu prendrais pas quand même une veilleuse parce que t'as jamais dormi seule et que t'as peut-être un petit peu peur? Ici, on va pouvoir avoir un petit tapis que je vais venir mettre en plein milieu de celui-ci pour que les enfants jouent aux billes. Je pense que ça pourrait être sympa. Oh! Avec ce petit détail, là, c'est Mimi. Ok, j'aime bien. On a des tigres, on a des petits ronds. Non, je pense que celui-là, il est bien. Il fonctionne bien avec la maison. Et en même temps... Non, j'aimais bien. Ok, je valide celui-là. C'est la maison des Plénoises. Absolument, ouais. Absolument. Et on vit avec eux, du coup. Il faudrait qu'on ait aussi une maison de poupées. La maison de poupées, elle va venir... Elle pourrait venir ici, hop là, pour que les enfants puissent s'amuser dès qu'ils montent l'escalier. Ça peut être sympa. En plus, elle est trop belle cette maison de poupée, je l'adore.
Ok, on va la mettre là. On a aussi avec ça un pot, celui-là, on ne devrait plus avoir besoin de l'utiliser. Les certificats de naissance, on peut continuer, ils sont là. Donc on en a un comme ça ici, là on a d'autres petites mains. On va pouvoir en mettre aussi de ce côté-ci avec un autre certificat de naissance et potentiellement le dernier en dessous comme ça. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup changer les couleurs parce qu'on en a des différentes. Donc je vais mettre ça comme ça. Ok, ça me semble bien. C'est cool! Belle évolution sociale, vous avez vu ça? C'est une rénovation dispo dans la galerie. Oui, oui, elle est disponible dans la galerie, cette maison. Là, on est en train de la pimper pour Lola, mais la rénovation, comme elle était avant, elle est tout à fait dans la galerie. Ça, c'est pour notre petite chérie Pauline. Donc, ça va pouvoir venir ici, chez les Plénosas, là-haut. On va pouvoir ajouter une petite bouteille. Notre premier encart nous avait quand même permis d'avoir cette magnifique chose. La petite, celle-là, je m'en fous. Je vais pouvoir aller dans la pièce de Lola en bas. Récupérer, hop là, cette petite affiche par là. On a aussi ce canapé. Le canapé, pour le coup, je pense qu'il va pouvoir virer. Cette petite table, elle est mimi quand même, cette table. Est-ce que je pourrais pas la mettre quelque part? Éventuellement, ici, hop, petite table, avec, au niveau des coloris, cela. Ça me semble pas trop mal. Ici, j'ai encore quelque chose à mettre dans la pièce de Lola. Je vais mettre ça là-haut. Ok, pourquoi pas. Et est-ce que j'ai pas mon autre machine? J'ai l'impression... Ok, c'est là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui disparaissent, j'allais dire. Mais non, tout va bien. Je vais pouvoir mettre une lampe. Je vais peut-être pas la mettre ici. La lampe qui grésille. Je pense que ça va faire tiquer un peu Malcolm en mode... Non. Cette lampe-là, je veux bien toutes tes affaires, mais cette lampe, pas trop. Alors du coup, peut-être que Lola, elle va la mettre dans son bureau à elle. Oh, ça pourrait être bien, ça. Elle est belle ici. Je vais même la mettre en noir et blanc. Ok, ça fonctionne pas mal, je trouve. Le fauteuil, ici. Est-ce qu'il y a un bureau dans cette pièce? Il n'y a pas de bureau? Oh non, la pauvre. J'aurais dû garder le bureau... Mais je l'ai gardé, non? Oui. Ok. On va pouvoir mettre le superbe bureau de Lola dans la chambre de Pauline. Comme ça, hop là, elle pourra, si elle le souhaite, travailler par là avec un petit bureau comme ça. Très bien. La plante, elle va pouvoir venir plutôt par là. Pas du tout, cette plante va venir ici. Ok, ça me semble pas mal. Avec le petit truc de Lola, on est bien comme ça. À la limite, non, je garde jaune, on est d'accord, ça fonctionne bien en jaune. Et ça, je vais juste le changer de couleur pour que ce soit plutôt... Peut-être en noir et blanc et en même temps... En rose, ça peut être pas mal, ça peut bien assortir ici. Je trouve que c'est sympa comme ça. Du coup, les parents de Malcolm vivent toujours là. Ils sont morts. Ils sont tous crevés. Pourquoi je rigole? C'est horrible. Je vais pouvoir mettre aussi... Ah bah limite, on peut utiliser les bibliothèques. Est-ce que je les ai toutes utilisées? Ah merde, l'autre, je l'ai vendue. Je pourrais utiliser la bibliothèque quelque part par là. Ça fait un peu bizarre quand même, le bureau de vie orange, mais c'est pas grave. Lola, elle tient à son bureau. Donc on va le garder. Je vais pouvoir mettre le petit éléphant ici. Il y a une petite lettre par là. Peut-être que je peux en ajouter une autre de lettre d'ailleurs en bas, comme ça. Très bien, avec un petit dragon qui a été fait par Lola, je crois, si je me trompe. Ah non, on l'avait acheté. Il me semble qu'on l'avait acheté. Je vais pouvoir aussi venir placer hop, un petit dessin par ici. Il me faut également des dessins pour la chambre des enfants. Je vais le mettre là-haut. Le micro de Lola, il va aller dans sa petite pièce. Elle fait un peu de la peine, la pièce de Lola, quand même, je vous l'accorde. Ah, c'est vrai qu'on avait aussi un punaise d'ordinateur. On devrait plus en avoir besoin maintenant, on en a des très très bien. Au niveau de la lettre d'admission à l'université, on va pouvoir venir la mettre dans le bureau de Lola aussi. On va mettre ça comme ça, par là. Et on avait aussi beaucoup de boules à neige qu'on va pouvoir venir placer un peu partout. Mais j'ai l'impression que ça va pas trop fonctionner. Je peux en mettre deux ici, comme ça. On en avait aussi d'autres. J'avais aussi plein de plantes. Ah, mais tout ça, c'est... Je crois que tout ça, c'était dans mes bacs. Je vais lui mettre une petite bougie aussi ici. Peut-être plutôt par là d'ailleurs. Je crois que c'était dans mes cartons. Donc il va falloir que je les remette. Le PQ, tu peux l'enlever. Hop, on retire les deux. Le petit cristal ici, on va pouvoir le placer par là. De ce côté-ci, il y a une autre boule à neige que je vais pouvoir mettre ici. On a des plats aussi qui sont censés aller au frigo. Ici, on a un trilobite. Je vais pouvoir mettre un trilobite par là. On se fait une petite collection de trilobites, c'est pas mal. Et ici, ce sont les plantes qu'on pourra peut-être planter plus tard. Oh, mais il y a plein de trucs, je peux pas les supprimer, c'est chiant. Je vais venir mettre tous ces trucs ici. Ici, là, de ce côté-ci, à ce niveau-là. Pareil pour les petites assiettes. Oh, mais elles sont toutes vides. D'accord, elles sont toutes vides. Ici, ce sont les jouets des enfants qui vont pouvoir aller dans leur chambre et potentiellement être rangés par la suite. Je vais tout mettre l'un dans l'autre. J'espère qu'ils pourront y accéder quand même s'ils sont l'un dans l'autre, sinon ce serait un peu embêtant. Comme ça, on a aussi un certificat pour les dents que je peux placer là. Ici, la cafetière, je vais pouvoir la supprimer. Il y en a une qui est mieux. L'évier, je peux le supprimer aussi. Les chaises.
elles vont aller avec la table, donc je vais les garder, la chaise haute je la garde aussi. Son magnifique truc du futur, je vais le mettre dans le salon pour le moment, et la petite grenouille, elle va être là. Voilà, parfaite. Parfaite. Pour les enfants, est-ce que je leur rajoute aussi leur petite carte dans leur chambre? Je suis désolée, je vous regarde pas du tout le chat. Je suis complètement absorbée par le fait de tout placer. Les devoirs d'université, je vais les supprimer, je pense. Et tous les livres, on devrait les avoir en double. Donc, ils devraient pas trop servir. Je vais récupérer aussi tout ce que je dois mettre dans mon inventaire. Bah, ça, en vrai, je vais pouvoir le caler dedans. Je vais récupérer toutes mes petites plantes comme ça. Hop, et on a aussi une baie de plantes vaches. C'est bon, c'est tout fini. On a aussi une baie de plantes vaches qu'on va potentiellement pouvoir planter. Oh, mais ça va être le début de la baie de plantes vaches. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Ok, je vais tout récupérer comme ça. Là, il me manque ces deux-ci. Ah, il y en a trois, je crois. Viens par là. Viens par là, je te dis. Allez. Ici et de ce côté-là. Normalement, dans notre inventaire maintenant, qu'avons-nous? Oh, on a un petit tableau. Bah, attendez, on va mettre ça aussi dans notre pièce. Notre pièce, elle est un peu vide, hein. C'est pas grave. On a un petit tableau comme ça ici, et puis je crois que c'est tout. Donc bah, cette pièce, elle va être modifiée petit à petit et on va y ajouter des choses. Mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Et là, les assiettes vont se faire laver, ripley sous. De quoi ripley sous? Ah oui, parce qu'il y a aussi cette petite assiette. C'est vrai qu'on pourrait faire ça comme ça. Comme ça, on gagne de l'argent vu qu'on est pas mal dans le foyer, c'est stylé. Oublie pas d'attribuer les lits. C'est vrai, t'as raison. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? On va pouvoir attribuer un lit. Celui-ci, ce sera celui de Benjamin. Attribuer un lit, ce sera celui de Chris. Ici, on va pouvoir attribuer... Pas comme ça. On va pouvoir attribuer le côté droit à Pauline. Et ici, on va pouvoir attribuer le côté gauche... à Malcolm et attribuer le côté droit à Lola. D'ailleurs, peut-être que maintenant qu'on vit ensemble, il serait temps de le pécho. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait pas mal. Voilà. On va pouvoir repasser dans le mode jeu. C'est tout bon. Non, je crois pas qu'il soit compatible. Par contre, fais gaffe, G-Shade, il a ouvertement dit, le gars qui volait les données des utilisateurs pour les revendre à des tiers et à des fins pas très chouettes. Donc fais attention avec G-Shade. Un bébé? Mais non! J'ai dit je veux pas de bébé pour Lola, elle en a déjà eu 3! Ça va, hein? Je pense qu'elle a eu, des bébés bien remplis, enfin une vie bien remplie de bébés! Il travaille Malcolm? C'est une bonne question, ça. Pourquoi ils me font chier les leçons? Merci beaucoup, Seb! NSX Ayet Chai, Alex Click, Resub, NSX Plume Bob. Merci infiniment pour les deuxièmes mois d'abonnement. Merci, merci. Merci beaucoup, Schmo, pour les 3 mois d'avance. Merci à tous, merci beaucoup. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée de. Je vous ai pas du tout lu, là, pendant quelques temps. Tu ne vas pas. Elle est en train de chercher. Comment ça, il a pas d'emploi? Comment ça, il n'a pas d'emploi? Alors, attendez. On va exprimer son admiration pour commencer. Bravo d'avoir réussi à maintenir la fortune de tes parents, hein? Voilà. Elodie, Evie, est-ce que vous êtes dispo? Coucou Léa, salut Canel, coucou Chacha, Chocolat Thierry, merci beaucoup pour vos follow, coucou C'est Juste, salut Elucidator, merci pour le follow aussi. Séchez le bal de promo. On va pas y aller avec elle, c'est chiant. Waouh. Bois ça. On va partager un secret avec Malcolm. Et on va aussi... Amical. Pensée profonde. On peut plus lui demander de faire le métier de ses rêves. On peut plus. Je crois qu'on peut plus. Merde. Écoutez, on va espérer. Qu'est-ce qu'elle a? Nausée? Comment ça, nausée, Lola? C'est-à-dire... Attendez, parce que... Est-ce qu'on fait le premier baiser maintenant? Est-ce que ça vient avec Destination Nature de regarder les nuages? Est-ce qu'on fait le premier baiser maintenant? Il nous a quand même demandé d'emménager chez lui, je pense que ça peut être bon. On est d'accord? On l'a assez fait patienter, genre là on a uni nos foyers et tout. Allez, premier baiser, on est tout bon. Regardez, dans la vue de rêve et dans l'endroit de rêve, il a envie de pisser par contre. Ça c'est peut-être le truc un peu moins de rêve, mais c'est pas grave. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à vendre partout avec la superbe poubelle à déchets. On va pouvoir aller mettre tout ça là-bas et ça, je vais pouvoir le mettre sur le plan. Mais c'est ça, mets dans la vaisselle qu'un seul verre, ne prends rien d'autre. T'as raison Lola, t'es une championne de l'écologie et du recyclage. La maison est dans la galerie, ouais. Elle est dans la galerie avec mon idée NS Production 99. On l'a faite sur Twitch d'ailleurs, cette rénovation, si jamais ça vous intéresse. Et on l'avait faite sur Twitch, toutes les rediffusions, elles sont disponibles sur YouTube, si vous voulez. Elle est trop bien cette maison, vraiment je l'adore. Est-ce que tu veux pas faire le premier baiser avec Malcolm? Plus de choix.
Amour demandait d'être son petit ami. Ouais. Tu veux pas lui faire un premier baiser d'abord? Pourquoi y a plus le premier baiser? Ils l'ont fait? Mais ils l'ont pas fait? Malcolm! Malcolm! Non, 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 non! Qu'est-ce que tu fais? Proposer un massage. Malcolm! Attends, comment ça? De quoi? J'ai pas compris là. J'ai pas compris pourquoi y a plus de premier baiser. Oh, elle a bronzé? Elle a bronzé? Vous le voyez qu'elle a bronzé? Regardez sa tête! Elle est trop stylée. Oh, je l'adore. Je l'adore! C'est lui qui l'avait embrassé. Oui, mais j'avais quand même l'option premier baiser. Je crois pas tout de suite. Y a un souci, Janelle? Y a un souci? Coucou, Vaimiti plutôt, et Lucifer, et Foulou, Foulouf, merci beaucoup pour le follow. Coucou, Spiderman, merci pour le follow, et Gilles Gabriel aussi, coucou. Triales, j'espère que vous allez bien. Elle est toujours en adoration, ok, on va parler de mariage. Premier baiser, ok, c'est bon. Vas-y. Attention, attention, et c'est le bisou. Enfin. Les enfants sont en train de mourir de faim, mais tout va bien. On va aller faire à manger. Mais je propose, on a attendu. Oh, il nous réconforte et tout. On a attendu depuis assez longtemps, on est d'accord. Hein. On est d'accord. On va faire un petit crac-crac avec Malcolm. Là, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment de mettre le couvert avant d'aller faire à manger et de mettre la table. Bien sûr. Mot interdit de dire Malcolm. Est-ce que pour ton Perfect Life, t'as activé le vieillissement de tout le monde? Pas que ton foyer. Oui, tout le monde peut vieillir. Effectivement, tout le monde peut vieillir. Alors attendez. / timer start. Je ne peux plus dire son nom. Vous êtes mariés quand même. T'as raison, Lucas. T'as raison. Non, mais t'as raison de ouf. Murmurez suavement. T'as raison de ouf. On fait quoi? On teste la marchandise avant de l'épouser? Ou on l'épouse et on teste la marchandise après? Qu'est-ce qu'on fait-on? Je sais pas. Coucou Kaonel, salut Nawel, coucou Neiti. Je t'avais DM sur ton Discord pour avoir... Oui d'ailleurs, il faut pas me tag, c'est dans les règles du Discord que c'est interdit de me tag pour avoir le reshade de Jeanne car il était superbe. Mon reshade c'est toujours le même, hein. c'est le Kiwiland, je l'ai pas changé. Et le reshade que j'avais pour les machinima de Jeanne, c'est un reshade que j'ai bidouillé comme ça, mais je crois que je l'ai même plus. Je l'ai fait sur le moment et je l'avais gardé et je l'avais mis petit à petit, mais j'ai plus reshade, j'ai juste bidouillé dans les paramètres. Coucou Maluna, salut Shrumg, et salut Anavez, coucou Viofido et Shrlnvz, coucou The Ghost of the Moon, et Milixia, merci beaucoup pour le follow, merci aussi Popilux pour ton follow, coucou Delusional, et Adèle, et Quichia, j'espère que vous allez bien, merci pour ton follow aussi. Alors, toujours tester la marchandise. On épouse d'abord, Osef, on veut de l'argent, on se marie avant. Je suis en train de réaliser... On n'avait jamais eu l'argent de notre premier mariage. Mais pourquoi elle a la nausée? Elle peut pas être enceinte, elle a rien fait avec personne. On n'avait jamais eu l'argent de notre premier mariage, on est d'accord? On l'avait jamais eu? On avait eu la possibilité d'avoir de l'argent? Attends, je reviens mon chéri, je vais vomir, d'accord? On reprend juste après. Hmm? Ça te va? On avait eu 800? Non, c'était la récompense du mariage, ça. Un montant ridicule. Ah ouais, ça arrive que ce soit aussi peu? 300, c'était pas la récompense de notre mariage? Vous mettez le doute, là. Tu veux lui mettre des sous-vêtements en blanc qui disent « Je veux qu'on se marie comme tu avais dit lors du relooking ». C'est vrai qu'on avait dit ça! Alors, attendez, j'ai une idée. Effectivement, mais non, des sous-vêtements comme ça. On va aller le retrouver là dans la chambre. On va être... Salut. Mon chéri, j'ai failli dire son prénom. J'avais oublié qu'il fallait pas que je le dise. Mon chéri, où es-tu? Dans mon bureau. Tu me fais pas confiance. Oh! Offrir une rose. Ne va pas sur mon ordinateur. non, vraiment. Tu sais pas ce que tu pourrais y trouver. Confronté à propos du secret. On va faire tout autre chose. On va venir lui jouer la sérénade. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Ok. Gosh, salut, j'ai une surprise pour toi. Il a l'air un peu choqué, mais ça va. Ça va. Ok, on va faire crac-crac dans les sources chaudes. Non, pas dans les sources chaudes. Pour une fois, Lola va faire ça dans un lit. Je pense que ça pourrait être sympa. Genre,
juste plus de choix, faire crac crac. Faisons cela. Je pense que ça peut être très bien. Elle était malade pendant ses vacances, c'est pas encore ça. Je pense pas que ce soit encore ça, mais c'est bizarre. Peut-être qu'elle est juste malade, hein. Avec au travail, c'est une des possibilités. Allez, allons-y, nous y allons. C'est pas le genre de Malcolm avant le mariage, non? Tu rigoles ou quoi? Malcolm, c'était trop un badass, c'est sûr qu'il a eu plein de conquêtes. Non! Je te déteste, Mélie Sucrée! Non! En plus, je gérais de ouf bien mon mot interdit pour une fois! C'est horrible! Oh, on est assortis! Regardez-moi ça! Sortez les bougies, créez une ambiance romantique. Malcolm va faire crac-crac pour la première. Baina. Ah. Demain, c'est mon anniversaire. Après-demain, c'est l'anniversaire de Malcolm. Il devient vieux. Première expérience. Bon. Malcolm, puceau, demande à ses potes. S'il est puceau, tu verras ce qu'ils vont te répondre. Demande à ses 11 meilleurs potes. Aïe, 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 aïe. On part sur un Black Widow Challenge. J'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Le premier crac-crac était-il agréable, décevant? La première fois sous les draps avec une nouvelle personne est toujours une expérience mémorable. Ok. Ok. Non, c'était correct. C'était correct, apparemment. Eh bien, écoutez, on va continuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils peuvent plus s'arrêter. Maintenant qu'ils ont goûté l'un à l'autre, ils s'adorent. Ils s'adorent, voilà, tout simplement. Par contre, les enfants sont toujours en train de mourir de faim, mais c'est pas grave. Pour une fois, ils dorment. Oh, mais regardez ça. Les enfants dorment. Tu parles, ils ont tellement faim, ils ont que ça à faire. Et nous, on se fait plaisir. Ce qui compte, c'est ce que Lola, elle fait. Ok, ok. Allez, allons-y. Nous allons y aller dans les sources chaudes en étant tout sale. Mais c'est pas grave, il a encore son petit sentiment, les opposés, c'est-à-dire. Pourquoi opposés? Parce que Lola, elle a tellement tous les traits qu'elle est opposée à rien. Ignoble, malveillant, snob, machine à danser... En tout cas, il a des traits sympathiques, hein, Malcolm. Je crois qu'on fait ressortir son bon côté, à savoir machine à danser. Voilà. J'ai l'impression, en tout cas. Hein. J'ai l'impression. Santé, Dadaï. Santé, santé. C'est quoi mon gage, du coup, à Eririri? C'est quoi mon gage? Il attendait le mariage et Lola l'a fait craquer. C'est sûr, en fait. Hein. T'as trop raison. Mettre le temps en x3 en jouant pendant 5 minutes. Oh, il est horrible, ton gage! Oh non! Non, il est horrible! Aïriri! Non, je peux pas! Je vais le faire, mais c'est horrible! Non! Si jamais vous savez pas, je ne joue jamais en x3, je ne joue plus en x3 du tout, je joue en x1! Sauf quand mes Sims dorment! Oh! C'est le pire truc que tu me demandes de faire! Elle va être vieille, lui, il va mourir! Non, mais là, c'est. Oh. Non! On va pouvoir rien voir! Non! Bon, bon, bon. Après ça, Lola, va falloir qu'on fasse vite, hein, parce que là, il va falloir que tu prépares le dîner. On va préparer un chili végétarien. Je sais pas, pourquoi pas. Ok, ils sont contents, c'est bon, ils sont contents, ils ont fait crac-crac. Non, mais là, j'ai... Bonjour, je suis Lucas! Mais non, regardez, elle est en train de sortir quelque chose de son frigo! Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des couteaux et elle est en train de faire les tomates et les petits oignons! Allez, Lola, tu peux le faire! On est dans un challenge pour cuisiner le plus vite possible un chili végétarien, là, c'est incroyable! Donc ensuite, tu vas pouvoir aller prendre une douche parce que tu pues, mais non, je m'en fous! Prendre la main. Allez, vas-y, on va essayer de se détendre malgré tout ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Allez, hop, le chili pour les. Elle a cuisiné. Pour elle toute seule. T'es choquée, Lucas? Elle a préparé pour elle toute seule? Mais Lola, tes enfants meurent de faim! Qu'est-ce que tu fais? À faire un adobo de porc pour tout un groupe? Tu vas exploser à cette vitesse! Les autres dorment de toute façon, alors elle fait ça pour elle et puis elle est bien contente. Alors attendez, parce qu'elle est trop bien cette salle de bain. Vraiment, j'adore. Je rêve ou j'ai vu un fantôme?
Geoffrey Plenosas est en train de pleurer sur sa propre tombe. Je suis mort. Oh non. La mort est si triste. C'est terrible. Allez Lola, c'est ton anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Coucou les enfants, je suis en train de vous préparer à manger pour aujourd'hui parce que je suis une bonne maman. Voilà. Je suis une... Oh oui, la plante vache, elle a parlé de plante vache. Je voulais qu'on la plante. Je voulais absolument qu'on la plante. On est en automne. Ok, très bien. On va pouvoir cuisiner une fois qu'on sera allé aux toilettes. On va cuisiner un petit gâteau et ça va être parfait. Je pense que ce gage est le moment parfait pour te dire que grâce à toi, je suis beaucoup plus en forêt, etc. Oh, ça fait trop plaisir, Bramble Roses. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies mis ce message et parce que ça me touche de savoir que vous prenez le rythme. Oh là là, mais tout est cassé. Que vous prenez le rythme du foie et que vous appréciez plus potentiellement votre jeu. Et oui, je voulais qu'on la plante vache, tout à fait. Regardez comment ça a l'air trop bon. On va appeler à table. Appeler à table. Voilà, on va faire ça et comme ça il y aura aucun souci. Non mais oui, mais elles s'entendent très mal en plus les deux, mais au moins elles restent avec sa maman pendant qu'on est en train de cuisiner, c'est trop cool. Et il y a tout le monde qui va venir manger. Allez, à table! Viendez tous, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors je suis de très très bonne humeur. Oh, quoi? Non, je peux pas mettre pause. Pauline a fait les premiers pas de ses voyages culinaires. Eh ben c'est parfait. Ok, Lolita, je dis, on s'en fout, c'est celle qui a fait la barmède. Ajoutez les bougies d'anniversaire. On va pouvoir souffler après. Est-ce qu'on ferait pas une grosse fête pour... Ok, une pause. Quoi? Mais attendez, Lola vit une vie d'aisance, ça a l'air qu'elle est frigane. Bah oui, pour le moment, elle vit une vie d'aisance. Et voilà, parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui est riche. Alors qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Tu veux qu'elle dilapide tout son argent? Non, non, absolument pas. Mais elle a récupéré tous ses meubles et elle les a mis chez lui, bien sûr. On a adopté la philosophie de vie en parlant de ouf. Merci beaucoup Mélissa Corsica pour le 3e mois d'abonnement. Merci, merci. Santé Aude. Santé à toi. J'ai suivi ton conseil du x1, c'est super agréable, j'arrive plus à jouer en x3. C'est dur après, hein. Quand t'as l'habitude, c'est hyper dur, je trouve. Ok, plus 3 minutes. Dynamique difficile, bah, j'ai pas le choix. Oui, elle est difficile. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais qu'on organise potentiellement une fête pour Lola, mais du coup, je vais pas avoir beaucoup de temps pour le faire, cette fête. Alors attendez, entreprise sociale. Oh, je suis en train de perdre tellement de temps. Organiser un événement social. Ok, on va faire une belle fête d'anniversaire pour notre Lola préférée. Donc, fête d'anniversaire ici. Nickel. Elle va pouvoir sim célébrer. C'est Lola, bien sûr. Invité. Nous inviterons donc. Elle s'entend tellement bien avec tout le monde, c'est un truc de ouf. On va pas inviter nos enfants. Nos enfants ne sont pas invités. Malcolm, je l'invite quand même. J'ai peur qu'après, sinon, il soit pas content. Adeline, Thierry, Adriana, Sophie. Faut qu'on invite Sophie quand même. Oh, et notre famille. Mais elle s'entend bien avec tout le monde. Comment vous voulez que je fasse un choix? Non, c'est une fête avec les copains. On n'invite pas la famille. Sophie, tu te dégages. Sophie, tu te dégages. Mathéo, tu te dégages. Je veux que mes potes ici. Ok. Y a pas ma sœur, j'espère. Non, y a pas ma sœur. Pauline, bon, je t'invite pas parce que t'habites là. Adriana, je peux t'inviter. Thierry, je peux t'inviter. Pania, je peux pas t'inviter. Bon, bah c'est bon. Non, Philippe. Philippe, attends. Philippe, je vais désinviter quelqu'un. Qui je désinvite? Adeline, je m'en fous. Hop, allez, hop, Philippe, tu viens ici. Qui est-ce qu'on pourrait inviter d'autres? Normalement, on est tout bon là. Hein. Oh, on a aucune relation avec Lola? Pourquoi y a une... Mais c'est nous? On peut s'inviter à notre anniversaire. On s'invite même pas à notre anniversaire, on va voir ce qu'on va faire. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Pas Max? Vous voulez pas qu'on invite Max? Attendez, mais là, il me restait 3 minutes, c'est ça? Je remettrai 3 minutes, sinon c'est pas juste pour le truc. Vous en faites pas. Mais du coup, on invite Max. Bah, bien sûr qu'on invite Max. Ok, on est tout bon. Traiteur. Au niveau du traiteur, on va pouvoir récupérer Sergio, vu qu'on a de la relation amoureuse avec lui. Ça va être fun, cet anniversaire. Et au niveau de la mixologue, Lolita, on l'avait bien aimé. Au niveau de l'artiste, on va pouvoir... Un fantôme. Pania. Non, on va prendre Diego Lobo. Ok. Il y a plein de vieux, ils vont tous mourir, ça va être trop fun. Ok, donc comme ça. Au niveau de l'endroit où on fait la fête, c'est... Et ok, ça a commencé. Donc... Allez, on va jusqu'à 7 minutes 30, je pense que ce sera bon. On va pouvoir faire souffler les bougies, faire en sorte que les Sims jouent à des jeux en même temps. Je rêve où il n'y a pas... Cadeau raté. Oh non. J'ai un cadeau que je trouve nul. J'ai envie de l'échanger avec un ami ou de le ramener au magasin. Est-ce que je peux faire ça? Ce cadeau est pour toi. Fais preuve de gratitude. Bien sûr, donne-le à quelqu'un d'autre. Ou d'accord, ramenons-le au magasin. 1, 2 ou 3. Dites-moi. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Le cadeau est pour toi. On l'a fait, mais cette fois-ci, c'est pas pour le même enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait-on? Est-ce qu'on élève nos enfants différemment en fonction ou pas du tout? Dites-moi tout. Dites-moi. Ah, vous êtes vraiment indécis. J'ai l'impression qu'il y a autant de 1 que de 3 que de 2. Non, il y a plus de 1 et de 3. Allez-y, dites-moi. 1, 3, 2, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 3.
1, 3. Il y a plus de 3. Allez, d'accord, ramenons le magasin. Ok, on est tout bon. Malcolm Penezo. Ah, il me disait un truc, mon frère, mais j'ai pas regardé parce que j'avais la flemme de savoir ce qu'il en pensait. Bonjour. Pourquoi t'es sur l'ordinateur, Lola? Lola, Lola, Lola. Attends, on va venir mettre enceinte. Hop, je veux une enceinte. J'aimerais qu'on mette ça. On va mettre ça au bord de la piscine. Là. Le jeu est complètement buggé. C'est vraiment très très agréable. Un des trucs préférés quand on joue aux Sims, c'est les bugs. Pourquoi vous jouez aux Sims si vous aimez pas les bugs? Ça, c'est une question que je me pose. Allumer. On va allumer ça sur de l'alternative, parce que c'est le premier choix. Il faudrait qu'on vienne jeter ce qu'il y a ici, et on va pouvoir venir danser tous ensemble. On peut pas danser ensemble? On va venir danser. Peut-être que les gens nous rejoindront. Regardez, la première personne qui vient danser, c'est Philippe. Non mais Philippe est vraiment incroyable. Philippe... Noémie Stinguette m'appelle! Je crois que je craque pour Paul Parker! Je craque pour l'ex-mari de Lola! Bah non! Non! Ah non, je dois dire oui. Putain, fais... Bah non! Mais non! Non, non, non! Mais... Bon bah... Ce sont des choses qui arrivent, d'accord? Ce sont des choses qui arrivent, voilà. On est en train de danser, c'est la fête pour tout le monde. La connexion avec l'esprit de papa est en train de disparaître. Qui est mort? Qui est mort? Ça fait combien? 7,42. Oh, je peux continuer. Ok, c'est bon. Je peux enlever. Qui est mort? Encore. Qui est mort? Encore. Mais personne. Oh, Alice. C'est toi qui es morte, Alice? Oh, c'est pas Poustache. Meuf qui a rien compris. Le timer est terminé, je vais pouvoir enfin rejouer en x1. Profiter un petit peu de la fête d'anniversaire, voilà. Jouer avec le Sim qui fête son anniversaire. Jouer, c'est-à-dire... Alors attendez, vous savez quoi? Défier un Sim, on va défier Malcolm. On va jouer avec notre amoureux. Allons-y! Allons-y, allons-y! Oh non, Yannis est mort! Merci beaucoup Estelec pour les 3 streams consécutifs. Merci Mango Eddy pour le follow. Coucou Petit Louche, salut Géon Chéria, merci pour le follow. Et coucou Shane Yoshay. Oh, bonjour monsieur le pianiste. Stylé de ouf. Coucou Mademoiselle Maladresse, Elina, merci pour le follow. Coucou Kougourm, Kougourm, Owalia et Schmo, merci pour les 3 mois d'avance, merci infiniment. Je sais plus si je t'avais remercié. Coucou Léane, merci pour le follow. Salut Reynana, elle est tellement dépitée. Putain, pour son anniversaire, ils sont morts, ils auraient pas pu attendre. Oh, c'est beau ici avec le petit parterre de fleurs, c'est vraiment très joli quoi. Les photos rentrent dans le plafond, c'était sûr, c'était sûr. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est que quand on joue, on les voit. On les voit et que ce soit tout bon. Merci c'est beaucoup, Léane, pour le follow. Coucou, Nana, Manwen, merci pour les 3 streams consécutifs. Ok. Non, mais ça va, hein. Non, mais ils vont bien. Ça va. C'était rigolo, c'était pour rire, en fait. Coucou Megan Little Plain, salut Soy Malo, coucou Bedmd et Lermuse, merci à vous pour les follow, coucou Wan, ça n'a rien à voir mais merci infiniment pour ta save et les manières. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas au courant, on refait actuellement une nouvelle, on est en train de préparer la prochaine version de la sauvegarde en faisant plein de petites modifications pour améliorer les anciens lieux. Coucou Clara Watt, salut Mélodie, coucou Kaibst, merci pour le follow, salut Nilakno et coucou Léa Poptoz, merci pour le follow aussi, coucou Kassan et Nanika, j'avais pas vu ton sauvegarde, attends je sauvegarde tout de suite. Je sauvegarde maintenant. Je sauvegarde, je sauvegarde. Bah aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lola, si jamais Nax. Coucou Lucie, merci pour le follow. Et merci Polo et LM pour les follow aussi. Salut Imkyo. J'arrive à temps, ça fait plaisir. Je peux voir le let's play. Et oui, c'est trop cool. Coucou Wanlo, salut Dollblood. Et coucou Melissa Corsica, aussi Kenzie, Morgan Rugt. Si c'est lui qui l'avait embrassé, mais c'était pas pareil avant. Coucou Emily, merci pour le follow. Salut Bagoton et Mirifis Enjoy. Coucou Zozo. Zoz, pardon. Oui, Zozo 3. Bienvenue dans le chat, pardon. J'aimerais bien qu'on fasse aussi le mariage. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'organiser un petit mariage après? Pendant que je faisais à manger, j'ai entendu que ta sim veut pécho Paul. Je comprends mieux pourquoi tu les as fait divorcer suite. Mais non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Alice, pour les 3 mois d'abonnement. Alice est morte. Visage avec des larmes de joie. Visage avec des larmes de joie. L'ambiance est trop bien, promis je parlais pas de toi. Mais regardez cette ambiance. Non mais c'est trop stylé l'ambiance. Elle est incroyable. Ah oui, faut qu'on lui demande d'être notre petite amie avant, effectivement.
on va devenir meilleurs amis, je pense. Et on va, amour, demander d'être son petit ami. On vit ensemble et tout. J'aimerais bien qu'on soit petits amis. Voilà, ce serait vraiment... Oh, on n'a pas soufflé les bougies. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Lola, on va pas refaire comme quand t'es devenue jeune adulte quand même. Attends, première chose. Tu veux bien qu'on devienne meilleurs amis? Oui, ils sont contents. C'est un scandale pour Paul. C'est horrible, hein. Ok. Et voilà, deviennent meilleurs amis. Est-ce qu'ils sont ensemble? Plus de choix, amour. Ah, ok, tout va bien. Soufflez les bougies. Allez Lola, you can do it. Je rêve où il y a quelqu'un qui est en train... Enfin Diego, qu'est-ce que tu fais chez moi avec mon micro à essayer de faire un sketch que personne ne regarde? Je ne comprends pas très bien. Allez, souffle! Il faut qu'on ait la médaille d'or, je n'arrive même pas à parler. Regardez ça! Oh là 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 là! Lola a vieilli. L'âge adulte, au programme rêve à réaliser, retraite à préparer, crise de la quarantaine, alors il n'y a pas de temps à perdre. Joyeux anniversaire, Lola! Oui, je sais, je l'ai pris comme artiste. Eh bien, écoutez... Elle est tellement belle, elle a pas changé. Aucun changement pour Lola, qui vieillit comme du bon vin, hein, voilà. Plus elle vieillit et plus elle est belle, voilà. C'est une simset qui était faite pour vieillir. Non mais c'est incroyable là. Let's go les crises de la quarantaine. Elle est trop belle. Franchement elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais pourquoi t'es crade toi? Oh, mais bordel. Convaincre de prendre un bain. Va prendre un bain, ma fille, parce que là, ça craint. Là, ça craint du boudin. Alors, on a effectivement oublié les petites photos à l'entrée de la maison. Je vais les retirer tout de suite. Hop, tac. Une, deux, trois. Voilà. Tout bon comme ça. On pourra repasser en temps de vie normale. Non, j'aime bien parce qu'au final, tous les dimanches, on se retrouve pour pas passer énormément de jours. Donc ça prend vachement de temps et je trouve ça cool comme ça. Elle est trop contente, regardez-la, elle est trop bien. Non, je suis contente. Tout le monde s'en va. C'est la fin de ce superbe anniversaire. Tout le monde part ravi d'une fête bien passée. D'ailleurs, est-ce qu'on a une notification? Mais oui, bien sûr. Il faut commencer à s'habiller différemment. Non, 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 on lui a déjà fait un relooking pour faire la transition entre les deux âges. Ça devrait aller. Alors, bon, ça, on l'a déjà. On a déjà une version. Et c'est tout. Bon, bah écoutez, voilà. C'est notre anniversaire. Benjamin a très faim, fais gaffe. Oh, mais il est bloqué. Mais Benjamin, mais crie la prochaine fois. Crie. Heureusement que vous m'avez prévenu, vous imaginez s'il meurt de faim? Il est resté bloqué dans la salle de bain tout notre anniversaire et personne s'en est rendu compte. Il est trop con lui! Il aurait pu retourner dans le bain pour sortir! Coucou Lucifer, salut Maddy et coucou Mayaway! Coucou Zil, la nausée c'est le plasma Mary, mais c'est sa boisson préférée pourtant. Coucou Mav, mais ça doit être ça, ouais. Merci pour les follow, coucou Jasminou. Salut Vix Biscuit Puceau, moi. Coucou Shotblock et coucou Angel Live. Alors attendez, elle a envie d'aller sur l'ordinateur. Je me demande si au niveau de sa carrière, je crois qu'on est tout bon, elle travaille dans 14h. Écoutez, c'est peut-être le moment d'organiser un événement mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Se déplacer. Alors c'est pas du tout ça, c'est dans maison. Acheter un service, commander une livraison. Non, c'est pas ça du tout. Bah, je sais pas où c'est. Organiser un événement social. Écoutez, je vous propose qu'on organise... Quoique... Est-ce qu'on se marie? On doit le demander en mariage. Effectivement. Je vous propose qu'on aille en date avec Malcolm pour proposer de se marier avec nous. Imaginez, il refuse. Oh non, il est en train de pleurer ses parents. Alors attends, on va plus de choix, amour... Intimité physique, non. Flirt, non. Affection, propose un rencard. Voilà, on va faire ça. On va lui proposer d'aller avec nous en rencard. Ce sera sympa. Demande-le en mariage avant. Non, oui, c'est peut-être un petit peu mieux, effectivement. Effectivement, demander quelqu'un en mariage avant d'organiser l'événement mariage, c'est quand même la première étape pour que ça se passe bien. Après, voilà, je sais pas, je ne suis pas mariée, donc j'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'on peut faire d'abord le mariage et après demander en mariage. C'est peut-être des coutumes dans certains endroits, hein, voilà. Il a pas son mot à dire dans cette... Bah si, vu qu'on va lui demander, bien sûr. Coucou Lucifer, salut Maddy, coucou Mayaway. Et salut Jasminou. Merci beaucoup Chatblock et Angel pour les follow. Dadaï, j'avais bu, il me semble. Hein.
Coucou Théo et salut Monaco, Fanny. Coucou Ox et salut Laurette, la fan de Stitch. Merci à vous pour les follow. Mathéo m'appelle. Je me demande contre qui il va répondre beaucoup de ragots. Hein. Salut Oxul, merci beaucoup Laetitia. Je viens d'adopter un chien qui déborde d'énergie. Est-ce que tu peux venir m'aider? Adeline, je suis désolée, là je vais à un rancard. Lola et Paul ont réglé leurs différends et ne sont plus ennemis. Juste avant que je demande Malcolm mon mariage. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Je me le demande honnêtement. Où est-ce qu'on va pour lui demander en mariage? On le demande en mariage dans le restaurant dans lequel on a fait notre premier date? Que lapin sociable est très actif! Bordel, faudrait que je désactive son lapin social en vrai. Hein. Elle veut sereinement passer à autre chose, voyons. Oui, peut-être. En vrai, de ouf. C'est pour les enfants. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour les enfants, effectivement. Est-ce qu'on n'irait pas au Velvet? Il est jaloux. On va l'inviter à notre mariage en tant que maître de cérémonie. Avec un mec, on s'est marié pour que je puisse le suivre à l'étranger où il y avait du boulot. C'est la veille du mariage que je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas eu de demande. Oh non! Mon mec. Oui, je me doute bien, everybody. Parce qu'avec un mec, il y a un mec comme ça, il partait travailler à l'étranger. On était obligés de se marier. Il y a des gens comme ça qui se marient avec leurs collègues de boulot parce qu'ils n'ont pas le choix et que s'ils doivent vivre ensemble dans certains pays, ils sont obligés d'être mariés. Voilà, donc il y a des histoires comme ça assez sympathiques. Donc, je propose qu'on se fasse un petit rencard dans le Velvet. Le premier endroit dans lequel on a rencontré Malcolm. Coucou Oxul, salut Laetitia et Soso, merci beaucoup pour les follow. Coucou Kirma, et c'est une NS Production 99 dans la galerie, c'est pas Noémie Stinguette si jamais. Vous cherchez. Et vous cherchez la taille du terrain, ce sera bon. Qu'est-ce qui se passe ici avec ce terrain? Pourquoi il y a une marche comme ça? Écoutez, c'est pas grave. On va parler de mariage avec lui avant d'aller prendre une table. Je pense que ce serait pas mal. Et on va venir demander cette table, la même. Franchement, on demande la même que la première à laquelle on a été. Je trouve que c'est beau. Salut. Et regardez-la, elle est plus vieille, mais elle ne change. On est Attends, pardon. On est d'accord que Lola n'a pas changé. Genre, elle a peut-être des cernes qui se voient un peu plus, mais elle n'a pas... Bon, là, elle fait une tête chelou, on dirait une grenouille dans Tom the Frog. Mais elle n'a pas changé. Genre, vraiment, elle a toujours la même tête. C'était pas à Tartosa, donc. Enfin, là, c'était leur premier rencard. Oh, regardez, ils viennent manger ensemble! Mais non, mais c'est trop beau, le petit couple ici, j'adore! Oh là là, j'aime trop! C'est la même, vraiment. Non, mais c'est un truc de malade, hein. Vous faites pas écraser, montez là, s'il vous plaît, mes petits Sims. Malcolm! Reste pas sur la route! Il y a des gens qui viennent et qui te fauchent en voiture. Et on veut pas, d'accord? On veut pas du tout. Coucou Cara, salut Luxio, merci beaucoup pour le follow. Salut Lovely Loveuse et Malon. Coucou Mousti et Abeille Nocturne, merci pour les follow. Ok, donc là on est bon. Est-ce qu'on a une table? Est-ce que tu veux bien me donner une... Oh, regardez comment Lola la regarde trop mal. Elle est pas contente. Hein. Lola est pas contente du tout. Allez, on se dépêche au lieu de bugger, de faire des petits tours dans tous les sens. Toujours aussi belle Lola en même temps. Elle est encore plus belle. Je trouve que vraiment, elle devient de plus en plus jolie avec l'âge. C'est un truc de malade. Alors... Salut. Drôle. Histoire. On va lui raconter une histoire drôle. Oh, elle est très enjolivée. C'est trop bien. Ok, et on pourrait du coup commander pour la table. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre? C'est bientôt l'anniversaire de Chris. Oh, mais c'est aussi bientôt l'anniversaire des enfants. Oui, elle est adulte, Lola. Elle n'est qu'adulte, effectivement. Elle a eu très tôt ses enfants. Elle a fait plein de choses dans sa vie, c'est un truc de ouf. Hein. Coucou, Marie Veillera, ça va super. Et toi, coucou, Klesli et Celia Estle. Lola Kups. Agathe, merci pour le follow. Coucou, Ma2211. Et Vlekis. Salut tout le monde. Épicé sucré. Sims Mapolitain. Est-ce qu'on prendrait pas les choix du chef? Non, on va prendre les mêmes choses que ce qu'on a pris, je crois, au premier rendez-vous. On avait dû prendre ça. En vrai, on pourrait prendre des petites asperges pour avoir le pipi qui pue. C'est une bonne idée. Hop, comme ça. Voilà. On se prend des petites asperges. Et comme ça, potentiellement, qu'on pourra prendre un... Oh, mais ils sont trop mignons! Je les adore! Amour. Affection. On va exprimer son affection. Amour. Flirt. Être désirable, bien sûr. Amour, flirt, draguer. On va aussi amical, affection, exprimer son admiration, amical, pensée profonde, révéler un secret bien enfoui. Bon, ils vont devoir se lever, ça c'est un peu chiant, donc je vais pas le faire. Amical, pensée profonde,
Conversation profonde, ça me semble pas mal. On va essayer de remonter toutes leurs barres dans le verre avant de faire une demande en mariage. Voilà, ce serait pas mal. Asper pour avoir le pipi qui pue. Bah, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors attendez, je vous propose aussi... on va lui poser une question risquée. Voir ce qu'il pense de notre question risquée. Ça, c'est à double tranchant, vraiment. Flirt, plus de choix, se renseigner sur l'orientation. Bah là, je pense que ça devrait aller, t'es au courant maintenant. Exprimer son affection. Alors, on va vous prendre des asperges avec du vin blanc, s'il vous plaît. Voilà. Nous amènerons votre commande dès qu'elle sera prête. Ok, parfait. Eh, non, comment ça va? Oui, c'est bientôt l'anniversaire de mes enfants, regardez. Demain, c'est l'anniversaire, du coup, de Malcolm. Après-demain, on va avoir l'épisode des anniversaires, hein, la prochaine fois, c'est un truc de malade. Après-demain, c'est l'anniversaire, du coup, de Chris et Benjamin. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'aimerais bien qu'on se marie avec Malcolm avant qu'il soit vieux, vous en pensez quoi? C'est pour ça que je voulais qu'on se marie là, aujourd'hui. Du coup, ouais, les jumeaux, c'est leur anniversaire à ce moment-là. Ils vont devenir ados, ça va être trop bien. Et ça, ce sera la semaine prochaine, je pense. À la limite, ce qu'on pourra faire, c'est que là, on peut essayer de finir... soit on fait un mariage nocturne, je sais pas du tout. Est-ce qu'on a déjà fait le gros mariage? Est-ce qu'on se ferait pas un petit mariage trop mignon? Genre vraiment juste à eux deux, et ils se marient. Genre, ils vont à Tartosa ensemble, ils se prennent des petites vacances quelque part, j'en sais rien. Et ils se font leur petit mariage. Oui, c'est la semaine pro qu'elle grandit. On peut pas la faire rajeunir? Qui? Pourquoi vous voulez la faire rajeunir? Coucou Lolo, salut Nali, et coucou Nmoulr, coucou Julesy, merci à vous pour les follow, coucou Ophélia, et merci encore Alice Kevach pour le 3e mois d'abonnement, merci Table Basse et Lolo pour les follow, merci beaucoup. Un petit mariage à Soulani peut-être, hein, c'est une bonne idée. Avec les bugs, mariage chiant. Et en même temps, on voulait essayer de tester des trucs de mariage, mais je sais pas, oh oh. On va s'asseoir ensemble, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lui fais ça? Oui, t'as envie de faire pipi. À moins que, attends, ils se sont levés parce que c'est le moment. Ils ont pas la barre de verre au full, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font? Non, rentrez pas. Oh non, l'éclairage est horrible. Quoi? Elle est en train de mourir. Pendant qu'on fait notre demande. Attendez, je suis désolée, mais là, c'est la vie de Lola. Veux-tu m'épouser? Oui, dis oui. Oh. D'accord, il nous amène notre plat. Et pendant qu'on est en train de se demander en mariage... Voilà, l'ambiance, Julien, c'était le meilleur soir. Julien, hein. Sans toi trop de flow. Merci beaucoup Julien pour le tir. Je trouve que ton Sims sur ta vidéo de l'appartement, elle ressemble à Christina Cordula. Oui. Ça m'a fait rire, ce le coup. Moi aussi j'y ai pensé pendant la vidéo, je me suis dit bon après c'est le côté les boucles d'oreilles créoles et les cheveux courts, mais j'y ai pensé aussi quand je posais la Sims 7 à la fin, j'étais en mode oh un petit peu, un petit peu. Le serveur les a pas respectés, non il est en mode je gâche votre demande, mais c'est pas très grave. Écoutez, on peut se marier, mais on va peut-être pas se marier immédiatement. Non, n'allez pas réagir à la mort, s'il vous plaît, ça sort ensemble, vite. Merde, je contrôle Malcolm. Non, Lola. Est-ce que c'est prémonitoire, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est prémonitoire? Le fait que Lola... elle fasse sa demande en mariage et qu'à ce moment-là, quelqu'un meurt. Ouais, Lola, tu vas passer dans le mur, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça que t'es en train de me dire, Lola? Ouais, super. Super. Ça porte chance? J'imagine. J'imagine que ça porte chance. Mais putain, mais asseyez-vous, là! Oh, ça sort ensemble! Allez! Non, mais je l'ai en mode... Allez, une petite boisson! Mais qu'est-ce que tu fais? T'as envie de te pisser dessus, en plus, et là, tu bois un truc, c'est encore pire. Allez vous asseoir, les enfants! Qu'est-ce que... Bon bah on a plus de boisson. Voilà. Non mais c'est sympa après hein. Allez, mangez ensemble, s'il vous plaît. Commencez votre repas. Voilà, on va pouvoir parler un petit peu, amour. J'ai du mal là. Hein. Blague. Raconter, faire une blague sur la mode. Pars pas, Malcolm. Bon bah il est parti. Voilà.
on va pouvoir, on peut rien faire en fait parce que la mort est là. On va faire une présentation polie avec la mort. À force de la côtoyer, on commence à avoir un petit peu l'habitude qu'elle soit là. Voilà. Donc pourquoi pas se présenter, ma foi, ça pourrait être pas mal. Et on pourrait aussi aller faire un petit pipi parce qu'on en a besoin quand même malgré tout. Donc vas-y, dépêche-toi Lola. Va dire bonjour à la mort. Je sais que là t'as très envie de pisser. On va essayer que tu ne te fasses pas dessus. Mais en même temps, j'ai envie que tu te salues avec elle. Voilà. On est poli. Bonjour, enchanté. J'espère que ça va bien. Et on s'est vu plusieurs fois, hein. Demandez d'être. Est-ce que la faucheuse peut être maître de cérémonie à mon mariage? Gardez votre calme et ne faites pas d'esclandre. Le pot de vin est passé comme une lettre à la. Quoi? Elle a demandé un pot de vin? La faucheuse nous a filé de l'argent? Oh! Oh non! Mais quoi? Notre père a refusé d'être maître cérémonie à notre propre mariage, la faucheuse a accepté! Elle est où la musique? Elle est trop bien! Elle vient d'où la musique? Bah, je sais pas d'où elle vient. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est trop stylé. Non, mais c'est trop bien, hein. Bah, on va faire une vraie cérémonie, du coup, hein. Mais je pense qu'on va se faire une punaise de cérémonie, du coup, si on fait une belle cérémonie, ce sera peut-être la prochaine fois, je sais pas. Là, j'ai trop envie de pisser, il va falloir que j'y aille. Alors, attendez, là, il y a eu des problèmes, ici. Est-ce qu'on prendrait pas, on vient pas commander... Bah non, parce qu'après, il va pas manger, ça va être chiant. Elle vient d'où, la musique? Elle est en train de rire pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Adieu Bob Pancakes. Bon. C'est dur pour convaincre d'épargner Bob. Je savais même pas que c'était possible. Vas-y Lola. Vas-y Lola. Vas-y Lola. Tu vas séduire la faucheuse qui va être maîtresse de cérémonie à ton mariage. Youhou! Est-ce que tu vas bien le convaincre? Elle rigole? Non! Oh, elle nous dit non! Elle est trop drôle cette interaction! Non mais attendez, mais c'est incroyable! L'interaction est trop stylée! Tu peux aller te marier à la mairie de Tartosa peut-être, là où Lola a eu le coup de foudre pour Malcolm. Mmh. Oui, on pourrait aussi peut-être faire ça plutôt que Soulani, ça pourrait être sympa, comme ça il reste, elle reste un peu avec ses racines italiennes à Tartosa et tout, c'est trop bien. Ouais, tout le monde meurt. Peut-être que c'est le moment de rentrer à la maison, faudrait qu'on discute du repas, mais c'est pas la peine. Je pense qu'on va, arrêter là, parce que Malcolm va pas bien du tout. Ça va pas, hein, ça, on peut pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Bon, c'est bon, il y a plus personne qui meurt maintenant. Ouais, heureux. Elodie, tu peux me faire un petit point d'exclamation récap pour voir il en était où le récap d'avant, parce qu'il s'est passé pas mal de choses là. J'avoue qu'il s'est passé quelques petites choses. Lola vient d'emménager dans sa nouvelle maison, ou plutôt devrais-je dire dans la maison de Malcolm Plenosas. On dit au revoir aux moisissures et bonjour à la vida loca. Et c'est aussi aujourd'hui que Lola est devenue adulte et va bientôt manger les pissenlits par la racine. Ok, sache que elle a fait sa demande en mariage à Malcolm. La faucheuse va être maîtresse de cérémonie à notre mariage. Et Malcolm a fait sa première fois avec Lola. Du coup, Malcolm attendait la bonne personne. Et je crois que la bonne personne, c'est Lola. Voilà, voilà. Et du coup, ça fait combien de temps qu'on est sur les Sims? Ça va bientôt faire 2 heures qu'on est en jeu. Je me demande si ce serait de faire vieillir Malcolm la prochaine fois. Et de faire leur mariage aussi la prochaine fois à Lola et Malcolm. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Genre là, oups, on va aller dormir. Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. À qui la compétence cuisine? Je pense que ça peut être pas mal. Ça va nous faire un bon petit récap. On est sur un bon épisode. PTDR, attends quoi? Mais oui, ça a marché, genre. Il a fait sa deuxième fois aussi. C'est vrai qu'ils ont fait leur deuxième fois. En x3. Parce que j'ai eu le gage de devoir jouer en x3 pendant 5 minutes. C'était très sympa. On a remplacé les chiottes, mais elles sont toujours sales. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Mais oui, on devait jouer en x3 pendant 5 minutes. Du coup, je sais plus si vous étiez encore là ou pas. Je contrôle Malcolm. Merde. Bon, elle va aussi se coucher. C'est vrai que parfois, je fais des petits soucis. On fait le mariage. Non, on le fera la prochaine fois, je pense. Je pense qu'on le fera la prochaine fois. Et regardez-moi ça.
c'est l'heure d'aller dormir. Regardez comment Lola, il s'est passé tellement de choses en vrai aujourd'hui. Elle a déménagé, donc on n'est plus dans l'ancien appartement. Elle a demandé en mariage Malcolm. Il y a la faucheuse qui va être avec nous pour la prochaine fois. Elle a vieilli, ça a été son anniversaire, on a fait une fête. Donc la prochaine fois, on va pouvoir faire le mariage, le vieillissement de Malcolm, le vieillissement des jumeaux. Je pense qu'au niveau des événements, on est bien pour finir l'épisode cette fois-ci. Et la prochaine fois, on aura un bon épisode sur 2-3 jours Sims aussi. Ça me semble pas mal, non ? Nisha, attends, je sauvegarde aussi. Bah, du coup, ce sera la dernière sauvegarde aujourd'hui. Coucou Kevwatch, merci beaucoup pour le follow. Coucou Manu, salut Clioé et Ginger Cactus Lady, merci pour les follow. Salut Rokirou, comme ils sont à la même table et qu'ils ont les mêmes avis, je croyais que j'avais mis la rediff. Et non, pas du tout. Coucou Zorel et salut Rokouge, merci pour le follow. Coucou Limcharb et Zaweneza. Premier mariage, enterrement. Coucou Nani, salut Théo. Et coucou Léanine Sim, salut Mathis, coucou Médusa, salut juste Yurio et TV Mia. Coucou Pissouz, j'espère que vous allez bien. C'est très bien l'heure de goûter. En plus, il faut regarder la vidéo YouTube. Exactement, je vous laisse avec la vidéo YouTube que j'ai sortie ce matin, qui est la suite de notre Let's Play Génération avec des trucs de ouf qui se passent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Déjà, de 1, je reviens, c'est encore terminé. MDR et de 2, j'entends. On a demandé en mariage Malcolm, mais il a fait sa première fois. Oui. Voilà, absolument. Et il y a aussi quelqu'un qui est mort, et du coup, il y avait la faucheuse. Et du coup, c'était sympa. Au moment où on demande en mariage, normalement, tu sais, la caméra, elle zoome sur la personne à qui tu demandes en mariage. Et puis là, d'un coup, au lieu de faire ça, bah, elle a zoomé sur une autre personne qui était en train de mourir. Voilà, c'était sympa en tout cas. Hein. C'était très sympa. Deux personnes sont mortes. Ouais, il y a des gens qui meurent, mais on sait pas qui c'est. Aussi, c'est vrai que c'est autre chose. Lola, en tout cas, a bien souffert pendant sa période de maman célibataire, mais là, elle en a plus rien à foutre de ses enfants, qu'on se dise. Donc peut-être que la prochaine fois, il faudrait qu'on se concentre un petit peu plus aussi sur les enfants et un peu moins sur Lola. Mais en même temps, elle est comme ça, vous voyez, elle a des moments, elle a des périodes, elle a des phases. Elle est aussi un petit peu égoïste, dans le fond, elle a envie de vivre sa vie pour elle. Et, vous voyez, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, voilà. Vous avez vu. Et oui, il y a une chaîne en duo aussi avec Lucas. Je vous invite à aller voir la première vidéo qui est sortie, n'hésitez point. Franchement, ce serait trop cool si vous alliez la voir et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Mais je pense que vous allez beaucoup l'aimer parce que bah, c'est un kiff. Vraiment, la vidéo est trop cool. Et j'ai hâte de faire la prochaine vidéo là-dessus. Donc voilà, et Benjamin qui s'est coincé derrière la baignoire, il a failli mourir. Ah oui, aussi, on a failli tuer un de nos gosses. Voilà. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je vais dire au revoir d'abord. Waouh ! Excusez-moi. Je vais commencer par dire au revoir à TikTok. Merci beaucoup TikTok d'avoir été là. Je vous fais des bisous et bonne fin de journée. Ciao ciao, bon dimanche. Comme ça, le live se termine là-bas et on est tout bon. Et nous, on va pouvoir passer en just chatting et ce sera nickel. Merci beaucoup Moutinette pour les 15 streams consécutifs. C'est beau franchement. Merci à tous pour aujourd'hui, c'était trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aime trop, en fait, j'aime trop là, retrouver Lola maintenant que ses enfants sont grands. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de refaire avoir à Lola plus d'enfants. Parce que genre, je trouve que c'est trop agréable le mood où Lola a été maman, c'est bon, on a eu les moments de galère qui sont passés et maintenant genre, on profite et on lui fait une vie trop stylée et je trouve ça trop cool de jouer Lola un peu comme si elle était, généralement tu sais c'est quand t'es Sims, c'est son jeune adulte que tu les joues de ouf, mais moi j'aime bien le fait de la jouer de ouf quand elle est plus vieille, je trouve ça trop bien, vraiment j'adore, je kiffe et c'est toujours un plaisir de retrouver Lola et elle profite de sa vie et c'est trop bien, non vraiment j'adore, je suis trop contente de ce let's play sur Lola et j'adore ce personnage et ça va être triste hein, quand elle va mourir, vraiment ça va être trop triste parce que plus ça va et plus je m'attache à elle quoi, et je pense que vous aussi mine de rien. Attendez, je vais mettre une petite musique et du coup voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé le live et je vous propose, bah, vous vous en doutez hein, on va lancer un petit raid hein. On va lancer un petit raid chez Lucas, qui vous enverra sûrement lui après en raid chez Loki qui fait son gros ce bâton. Je vous propose un raid chez Lucas qui va jouer, qui va faire un petit challenge. Je crois qu'il va faire le challenge que je lui ai proposé. Est-ce que vous pouvez mettre, voilà, le message ça va être tu fais le challenge que NS t'a proposé. Vous mettez ça dans le raid, ok? Vous mettez ce message comme ça. Et vous pouvez aussi utiliser ah mais merde, j'ai plus mis le verre de vin. Parce que je crois que le challenge que je lui avais proposé, il avait bien aimé, c'était soit de faire du tricot et du point de croix, soit de faire du coup du vin et de la pétillerie. Donc soit il fait l'un, soit il fait l'autre. Ou peut-être qu'il en fait aucun pour pouvoir avoir un château avec le nouveau kit. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans le raid quand vous arrivez là-bas. Et je vais lancer le raid tout de suite. Mais par contre, il va lancer son live, c'est dans 2 minutes. Écoutez, je vous propose... Attendez, il faut que j'ouvre sa page de chaîne avant toute chose. N'hésitez pas à rejoindre dans le raid, ça fait toujours très plaisir. Est-ce qu'il est là? Il a arrêté son live ou quoi? Lucas? Ah, il est là. Ok, c'est tout bon. Mais non, il a lancé! Ok, c'est parfait! Allez, je vous envoie en raid là-bas. Merde, ça a pas marché?
Ok, c'est bon. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous pour ce live. On se retrouve dimanche prochain. Non, on se retrouve pas dimanche prochain. Ah, la grosse information. Dimanche prochain, je suis pas là. On se retrouve le dimanche d'après. Merde. On se retrouve le dimanche d'après pour la suite de Lola. Désolée, je suis pas là. Dimanche prochain, je vais au ski. C'est la grosse information d'aujourd'hui en fait. J'ai oublié de vous la dire, c'est ça. Non, je suis pas là samedi non plus. Je suis pas là vendredi non plus. Bref, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de Lola. Et ça va être cool. On va commencer la suite avec un mariage, ça va être incroyable. Allez, je vous fais des gros bisous. Et bisous. Ciao. Pourquoi le live il se lance pas, le raid se... Ah, c'est bon.